H. de Jérôme Vuitenay, chapitre 1. Lundi 6 septembre 2004, salle de réunion André Citroën, bâtiment A. Voilà, nous allons commencer cette réunion. S'il vous plaît, messieurs Jean-Clément Charles, président directeur général de Automobile Composants, appréciait les réunions qui commençaient à l'heure. Aussi adressa-t-il plus particulièrement sa remarque aux derniers retardataires qui discutaient encore dans le couloir. L'air de rien, il essaya de capter des bribes des conversations qui se terminaient, mais ne perçut que des échanges de souvenirs de vacances sans intérêt. Le comité de développement se réunissait une fois par trimestre, mais la réunion de septembre était la plus importante. Après les traditionnels congés d'été et les vacances parlementaires, les perspectives économiques devenaient plus claires et les résultats du premier semestre étaient connus et avaient été analysés. Cette fois-ci, il n'y avait pas que des bonnes nouvelles à annoncer. Le PDG ne s'habituait décidément pas à cet état de crise permanente que traversait le secteur des équipementiers automobiles depuis maintenant une bonne décennie. Pendant vingt ans, dans les années 70 et 80, il avait guidé son entreprise vers des sommets doublant son chiffre d'affaires et triplant son personnel, en profitant de la vague d'externalisation massive des constructeurs automobiles. Automobile Composant était devenu un acteur majeur dans le domaine du train roulant et avait entamé une diversification réussie vers l'électronique de bord qui lui permettait d'être moins dépendant du groupe PSA, son premier client. Depuis la fin des années 90, le climat s'était sensiblement dégradé à tous les niveaux chute des commandes, exigences de qualité supérieure, délocalisation, hausse du prix des matières premières, Jean Clément Charles tenait la barre avec peine et commençait à se remettre en question. Et s'il était trop vieux pour tout ça? À soixante ans passés, il espérait que sa grande expérience de l'industrie compensât ses difficultés d'adaptation au monde moderne. Solide gaillard d'un mètre quatre-vingt-cinq, Cheveux poivre et sel impeccablement coiffés, la voix lourde et autoritaire, et le costume bien taillé encadrant sa chemise blanche, il en imposait naturellement et prenait l'ascendant sur la plupart de ses interlocuteurs sans forcer son talent. Mais c'était comme si le monde lui échappait. Les jeunes diplômés nourrissaient des ambitions qu'il ne parvenait même pas à concevoir. Les exigences de ses clients lui paraissaient saugrenues, voire superficielles, Détaché de toute réalité. La société française elle-même lui semblait en pleine déliquescence. Quand il partageait ses réflexions avec ses homologues, il était, semble-t-il, le seul à s'en émouvoir. Mais il les soupçonnait de ne pas vouloir avouer leurs propres angoisses, par bravade, comme il lui arrivait de les cacher lui-même, et comme il se devait de le faire lors de ses réunions trimestrielles où il était en situation d'encadrement. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Il est temps maintenant de se remettre au travail, et cette année encore, nous en aurons plus qu'il n'en faut, même si le carnet de commandes n'est pas encore rempli jusqu'à la fin de l'année. Une dizaine de personnes écoutaient attentivement JC, donner la feuille de route des trois prochains mois. La directrice des ressources humaines prenait déjà frénétiquement des notes sur son cahier neuf tout en essayant de saisir les pointes d'humour que le PDG glisserait sans doute, ça et là, dans son discours, afin de les saluer d'un sourire convenu. Peu lui importait la pertinence du contenu des propos de son directeur. Son rôle, tel qu'elle l'imaginait, était de faire coller la réalité à l'histoire qu'il était en train de raconter. L'idéal étant de pouvoir exhiber plus tard, quand on lui donnerait la parole, un exemple illustrant parfaitement les propos du directeur elle n'y parvenait pas toujours, tant les préoccupations de la gestion des ressources humaines étaient parfois éloignées des contraintes techniques de la fabrication industrielle. Mais sa capacité à relier entre deux constats qui n'ont strictement rien à voir était devenue assez exceptionnelle. Elle était en mesure d'expliquer sa difficulté à recruter des ouvriers métallurgistes par la hausse des prix du cuivre sur le marché international. Comme personne ne la contredisait, par politesse, elle finissait par croire elle même à ses étonnantes capacités d'analyse conjoncturelle. Le directeur de la communication, Philippe Demestre, quarante trois ans, crâne dégarni, n'affichait pas sa bonne humeur et son dynamisme habituel. Il paraissait éteint. L'été qui s'achevait avait été fatal à son couple. Son épouse lui découvrit une liaison avec sa secrétaire le dernier jour avant les congés, alors qu'elle venait le chercher à la sortie du bureau, Vêtue de ses dessous les plus affriolants et d'une tenue suggestive qu'elle venait d'acheter pour l'emmener en week-end surprise au bord d'un lac en montagne. Scandale dans la cour de l'entreprise, devant des centaines de pères dieux qui se régalaient de voir le don Juan pris la main dans le sac. Le mois d'août passé en compagnie des avocats ne l'avait sans doute pas reposé autant qu'il l'aurait souhaité. Le directeur de la fabrication, écoutait distraitement le patron en dessinant des engrenages sur son bloc note. Il réfléchissait à une meilleure organisation de l'usine d'assemblage dont l'idée lui était apparue subitement pendant l'été alors qu'il était en train de pêcher dans un étang appartenant à ses beaux parents. Ces réunions étaient pour lui une perte de temps inutile, alors qu'il peinait à boucler ses journées de dix heures en prenant tout juste le temps de déjeuner. Il était le seul autour de cette table à être directement relié à la production, et donc à la réalité des choses. En outre, il devait subir les revendications des syndicats, les contrôles inopinés des organismes de sécurité, et gérer des stocks de plus en plus importants dans des locaux exigus. Jean Clément Charles présenta une nouvelle recrue, Thomas Flesque, occupant le tout nouveau poste de contrôleur de gestion. Ses missions furent abordées brièvement améliorer les processus de production, établir des tableaux de bord facilitant le pilotage de l'entreprise et l'aide à la décision, faire ressortir les axes d'amélioration permettant de réaliser des économies. Aucune objection ne fut formulée, bien que personne, pas même l'intéressé, ne comprît véritablement de quoi il s'agissait concrètement. Il se présenta en quelques minutes, comme il le fit à son entretien d'embauche qui avait eu lieu quelques semaines auparavant. La directrice des ressources humaines, qui le voyait donc pour la seconde fois, lui sourit pour l'encourager. Les deux jeunes ingénieurs du pôle RD prenaient des notes régulièrement et portaient une attention soutenue aux propos du directeur. De temps à autre, ils acquiesçaient en se regardant, comme pour féliciter la clairvoyance du capitaine d'industrie, ce qui agaçait le directeur de la fabrication qui, de son côté, perdait patience alors que la réunion s'éternisait. Frédéric Chaume et Sébastien Prost faisaient partie des effectifs depuis maintenant cinq ans. Respectivement ingénieurs électronicien et ingénieurs mécanicien, ils faisaient partie de cette jeune génération dont Jean-Clément Charles ne parvenait pas à cerner la psychologie et les ambitions. Remarquablement compétents dans leurs domaines respectifs, ils se contentaient d'effectuer les tâches qui leur étaient attribuées, sans jamais chercher à progresser au sein de l'entreprise, ni demander d'augmentation ni postuler ailleurs. Discret, polis et efficaces, rien ne pouvait leur être reproché, si ce n'est cette relative nonchalance, presque un désintérêt pour la vie de l'entreprise. Ainsi, s'ils semblaient prendre des notes, aujourd'hui, c'était dans un but bien précis, assez éloigné de l'objet même de la réunion. Ils jouaient au « business lotto ». Les règles du jeu sont simples. Chaque participant a une grille comportant des mots ou des expressions particulièrement vides de sens, mais très utilisées en réunion, comme par exemple projet, croissance, comité de pilotage, retour sur investissement, efficience. Lorsque l'une de ces expressions est prononcée, le joueur barre la case correspondante. S'il parvient à terminer une ligne ou une colonne de sa grille, il doit prendre la parole et déclamer une phrase convenue à l'avance entre les participants les autres joueurs savent alors qu'ils ont perdu et devront s'acquitter de l'enjeu jean-clément charles arrivait à la fin de son intervention qui était somme toute assez morose il termina néanmoins sur une note positive destinée à galvaniser son équipe malgré cette conjoncture peu favorable notre entreprise garde des avantages compétitifs qui nous permettront, j'en suis certain, de lancer de nouveaux projets et assurer un avenir prometteur. Frédéric barra sur sa grille conjoncture et avantages compétitifs qui étaient les deux dernières expressions de sa troisième ligne. Il jeta un regard victorieux sur son collègue, et se leva en s'exclamant. L'avenir, c'est la pile à combustible. Sébastien sut alors qu'il avait perdu une pizza. Paul H., Jérôme Vuitenay, chapitre 2 Au même moment, à l'autre bout de la ville, le président du conseil régional s'entretenait avec son directeur général, Paul Butte. Fraîchement élu, en mars de la même année, après avoir passé six ans dans l'opposition, François Pernier tenait à ce que son mandat tranche avec celui de son prédécesseur. L'alternance, disait-il, devait se concrétiser quotidiennement dans la vie des habitants de la région. La phrase sonnait creux, mais elle avait un vrai sens pour lui. En tête à tête avec celui qu'il avait nommé quelques mois plus tôt, ancien de Sciences Po, tout comme lui, il se demandait si finalement son directeur avait la carrure pour emmener tous ses projets à leur fin. Le programme était chargé de promesses ambitieuses, aussi bien dans le domaine des transports que de l'éducation de nombreuses routes des rails des lycées à rénover de nouvelles entreprises à accueillir pour créer de nouveaux emplois sur le papier c'était séduisant mais cette première rentrée allait véritablement faire entrer la nouvelle assemblée régionale dans le vif du sujet paul but lui commençait à peine à se faire à son nouveau bureau et ses nouvelles fonctions perché au quatrième étage du siège du conseil régional Surplombant la vieille ville, il avait à la fois la capacité de mobiliser les mille six cents fonctionnaires de son administration d'un claquement de doigts, mais le devoir de rendre des comptes au président qui pouvait le révoquer du jour au lendemain. Cette situation ambiguë de patron sans pouvoir l'obligeait à changer de comportement de façon drastique selon les interlocuteurs qu'il avait en face de lui. Mielleux est serviable avec le président cassant et exigeant avec son personnel. Cela ne posait véritablement problème qu'à ceux qui avaient l'occasion de le voir dans les deux contextes, à savoir ses subalternes immédiats, les directeurs adjoints et sa secrétaire. L'immense majorité du reste du personnel n'avait affaire qu'au personnage indifférent et capricieux qu'il était devenu. Mon cher Paul, c'est le moment d'en mettre un bon coup, les vacances sont terminées, l'état de grâce qui suit les élections aussi, les gens attendent de moi des actes concrets, les médias sont à l'affût. Où en êtes vous? Mon personnel est en ordre de marche, l'équipe de direction est constituée, les remaniements dont je vous avais parlé en juin sont maintenant effectués et validés par les instances paritaires, malgré la protestation des syndicats. Bien, très bien. Par-dessus tout, je souhaite que vous évitiez que l'on parle de notre administration dans les journaux. Pas de scandale sur les marchés publics, les dépenses pharaoniques ou la gestion du personnel. Il en va de ma crédibilité par rapport à mon prédécesseur, maintenant de l'opposition. Revanchard, comme je le connais, il va chercher à monter en épingle le moindre abus. Bien sûr, bien sûr, mais vous savez que nous sommes toujours borderline sur certaines attributions de marché, le code est tellement contraignant, les délais légaux pas toujours compatibles avec l'urgence des problèmes à traiter et le calendrier politique. Je vous paye pour ça, et en cas de Pépin, je veux être au courant tout de suite. Le préfet est un ami, je peux lui expliquer un certain nombre de choses, mais encore faut il que je sois mis au courant, et pas par la presse. J'entends bien, J'aimerais que vous participiez au colloque sur les technopoles, jeudi et vendredi. Ce jeudi? Depuis six mois, Paul Butte passait deux à trois jours par semaine à Paris pour assister à des congrès, des réunions, des colloques qui faisaient le point sur les évolutions réglementaires à venir au niveau local et régional. Concrètement, il prenait le TGV à six heures du matin pour arriver à neuf heures à Paris, où un taxi le déposait devant le lieu de la réunion qui commençait à dix heures, pour se terminer à seize heures, avec une pause plateau repas au milieu. Pendant ce temps, des dizaines de messages s'accumulaient sur son portable, laissés par ses adjoints restés au siège et incapables de trancher des points de détail en son absence. Il passait une partie de sa soirée à essayer de régler ses affaires à distance, puis trouvait un restaurant où il mangeait seul à sa table en ne pensant à rien il rentrait le vendredi soir ou le samedi matin et constatait en repassant au bureau que la pile des parafeurs dépassait l'écran de son ordinateur oui ce jeudi pourquoi vous aviez autre chose de prévu je non non je vais y aller sans problème vous comprenez que si l'on veut créer de l'emploi dans notre région il ne faut rater aucune occasion. Si on ne le fait pas, d'autres le feront, et c'est chez eux que les entreprises s'installeront. Je sais bien, nos services travaillent d'arrache pied sur l'attractivité du territoire. J'ai d'ailleurs fait en sorte que chaque service, chaque agent se sente personnellement impliqué dans ce projet, du factotum qui repeint les barrières autour du lycée Victor Hugo jusqu'au directeur de la Communication, j'ai bien insisté sur ce point lors de la réunion de présentation de l'équipe de direction du mois de juin. Parfait. Alors il n'y a plus qu'à. Nous avons terminé Attendez, je vous avais parlé de cette méthode de travail. Ah oui, Pulseur Power. Voilà, c'est ça. Eh bien, si vous en êtes d'accord, j'ai pris contact avec un consultant pour mettre en œuvre cette méthode au sein de nos services. Tout en se levant, et en mettant la main à sa poche pour sortir son téléphone portable qui s'était mis à vibrer, le président répondit Ok, c'est d'accord, faites venir ce gars. Puis il sortit sans même saluer le directeur, qui resta quelques instants seul à la table ronde qui se trouvait dans son bureau. Il pensa, en souriant, à son ami Victor Lodz, qui venait sans le savoir de remporter un marché important pour lancer sa méthode Power. Enfin, il se leva se raidit, et appela sa secrétaire d'une voix sèche et autoritaire. Celle ci sursauta. Elle n'avait pas vu que le président était déjà parti. Elle raccrocha promptement son téléphone et accourut dans le bureau du DG. Trouvez moi un train pour jeudi. Pour Paris? Évidemment, pour Paris, et faites moi inscrire sur le colloque des technopoles ou je ne sais quoi. C'est où? Organisé par qui? Débrouillez-vous pour me trouver ça, et faites en sorte que tout soit prêt. Informez aussi le directeur de l'urbanisme, qu'il me fasse une note sur le sujet. Très bien. Et puis, appelez-moi Victor Lotz et passez-le-moi. Tout de suite? Eh bien oui, tout de suite, pas demain. Paul H, de Jérôme Vuitenay, chapitre 3. Victor Lotz était en train d'essayer de modifier la sonnerie de son portable quand il lui sonna dans les mains. Il sursauta et faillit faire tomber l'appareil. Il le rattrapa in extremis et décrocha. Allô Victor, c'est Paul. Paul. Paul Butte. Ah, salut Paul, quoi de neuf Tu travailles toujours sur ta méthode Power Ma méthode Oui, bien sûr. Alors on a besoin de toi au Conseil régional. Est ce que tu pourrais nous faire pour commencer une petite présentation pour l'équipe de direction? Victor se redressa, éteignit la télévision et mit de l'ordre sur la table basse qu'il avait devant lui, comme si soudain son interlocuteur pouvait surprendre son désœuvrement et douter de ses compétences professionnelles. Une présentation, oui, bien sûr, sur une journée. En une demi journée, ça ne passe pas. Ah, tu sais, une demi-journée pour peu qu'il y ait des questions, des doutes à lever. Ok. Tu me fais un devis pour une journée. On peut faire ça quand La semaine prochaine Victor feuilleta un agenda quasi vide et fit semblant de devoir caser le rendez-vous dans un planning déjà chargé. Je peux éventuellement décaler un truc que j'ai mardi Ça m'arrangerait plus mercredi. Le mardi, on a notre réunion hebdomadaire avec les syndicats déjà. D'ailleurs, il faudra que je les prévienne. Mercredi. Voyons. Euh, J'ai déjà deux rendez vous, mais je vais voir ce que je peux faire. Il me faut une réponse aujourd'hui. Non, c'est bon, je vais me débrouiller. C'est OK pour mercredi. Il nota dans la colonne du mercredi, qui était vierge comme toutes les autres de cette semaine. Présentation Power, Conseil régional. J'attends ton devis. Ton site web est à jour, je peux trouver de la doc pour montrer aux représentants du personnel? Oui, oui, tu trouveras tout ce qu'il faut. Tu as l'adresse? Oui, je l'avais gardée depuis l'autre fois. Tu as vu, je t'ai renvoyé l'ascenseur, comme je te l'avais dit. Oui, merci, sympa. C'est moi. Je te laisse, j'ai un connard qui m'attend devant mon bureau. On n'est jamais tranquille. Ok, salut. Victor Lotte se raccrocha, savoura un instant le plaisir de voir enfin ses affaires reprendre, puis se jeta sur son ordinateur pour vérifier les informations qui figuraient sur son site web et les mettre à jour. Depuis deux ans qu'il avait quitté son poste de commercial dans le domaine de l'électroménager, c'était le premier véritable contrat qu'il décrochait. Après un voyage d'études de six mois aux États-Unis, il avait monté son cabinet de consultant en organisation des entreprises et management participatif en se basant principalement sur une méthode novatrice qui commençait à percer outre Atlantique. Il avait ramené de là bas tous les ouvrages sur le sujet, s'en était imprégné, et avait mixé le tout avec son expérience professionnelle pour décliner la méthode en dizaines d'ateliers de formation plus adaptés à la culture française. Il était le premier, et le seul à ce jour en France, à proposer des interventions sur ce sujet. Au début, Quelques écoles d'ingénieurs l'avaient invité pour intervenir devant leurs élèves, et c'est à cette occasion, dans l'une de ces écoles, qu'il avait rencontré Paul Butte. Puis, ses interventions s'étaient espacées, raréfiées au point de ne représenter plus que quelques heures par mois. Des dizaines d'autres méthodes de management avaient vu le jour et connu plus de succès. Il passait maintenant l'essentiel de son temps chez lui à attendre les coups de fil, et avait dû réduire son train de vie pour faire face à la baisse de ses revenus. Mesurant parfaitement l'opportunité qui s'offrait à lui de relancer son affaire, il sortit de la léthargie qui n'habitait depuis sa dernière prestation qui remontait à deux semaines. Il entreprit un tri méticuleux de ses supports de cours, relut le document qui lui servait d'introduction à la méthode et en corrigea quelques mots qui lui semblaient mal adaptés au contexte public dans lequel il allait devoir évoluer au conseil régional. Après quelques heures de travail, il prit une douche, se rasa soigneusement et s'observa dans la glace de longues minutes. Il avait retrouvé tout son entrain d'antan et la foi qu'il animait à son retour des États-Unis, quand il s'imaginait déjà embaucher plusieurs associés pour sillonner la France et colporter la méthode Power partout où cela était possible. Il prépara un devis et l'envoya par fax au conseil régional. Quelques minutes plus tard, il reçut un accusé de réception et s'émerveilla une fois de plus de la technologie qui lui permettait de faire tout ça depuis chez lui. Même le bruit caractéristique du télécopieur lui semblait mélodieux aujourd'hui. Il sortit alors pour s'acheter un nouveau costume. Paul H de Jérôme Vitenay, chapitre 4. De retour de réunion, Sébastien et Frédéric rejoignirent leur poste de travail. Ils occupaient le même bureau, face à face, derrière l'écran de leur micro-ordinateur. Ils reprenaient le cours normal de leur journée. J'ai failli gagner, dit Sébastien. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Par contre, tu as vu la tête de Gravard quand tu as parlé de la pile à combustible? Il était vert. Enfin, je le comprends. Imagine qu'on se lance là-dedans. Ça retomberait encore sur lui. Non, mais c'est n'importe quoi. À part lui, personne n'a fait attention à ce que tu as dit. On était tous assommés par la longueur de la réunion. Je crois même que le dire comme a dormi. C'est clair qu'il ne doit pas avoir des nuits faciles en ce moment. Ils se moquèrent en riant des mésaventures conjugales de leurs collègues, puis se concentrèrent chacun sur leur moniteur pour lire leurs courriers électroniques. Le silence était à peine perturbé par les ventilateurs des machines et les clics irréguliers des souris quand deux ombres se présentèrent derrière la porte vitrée de leur bureau. Malgré le verre dépoli qui troublait l'image, on pouvait voir distinctement que l'une des deux silhouettes avait les jambes nues jusqu'au-dessus des genoux, ce qui ne manqua pas de surprendre les deux ingénieurs habitués à ne voir que des hommes en costume, ou, plus rarement à cet étage, en bleu de travail une ombre frappa. C'était Liliane, la directrice des ressources humaines, accompagnée d'une jeune fille jusqu'alors inconnue dans l'entreprise. Bonjour, ou plutôt rebonjour les garçons, je fais le tour des services pour vous présenter ma nouvelle recrue, qui va s'occuper notamment de la gestion de vos congés. Nos congés à nous? interrogea Frédéric. Les congés de tout le monde, dont les vôtres, même si vous n'en prenez guère. Ça peut changer, ironisa Sébastien en souriant à la demoiselle aux jambes nues. Et comment vous appelez-vous ajouta Frédéric. Élodie, répondit timidement l'intéressé en esquissant un sourire gêné. Alors, bienvenue chez Automobile Composant, Élodie. Moi, c'est Sébastien, lui c'est Frédéric, on fait partie du pôle RD. Pourquoi tu dis on fait partie Il n'y a que nous au pôle RD trancha Frédéric. Oui, donc, nous sommes. Le pôle recherche et développement, précisa Sébastien. Ça veut dire quoi? demanda innocemment Elodie. Ben, on recherche et on développe, compléta sans conviction Frédéric. On s'occupe de ce qui est technique et que les filles ne peuvent pas comprendre, ajouta Sébastien en riant. Là-dessus, Liliane regarda sa montre et invita Elodie à continuer la visite. Elles sortirent toutes les deux en refermant la porte. Les deux hommes regardèrent longuement les genoux flous s'éloigner à travers la vitre, comme un médecin regarde une radiographie à la lumière pour deviner ce qu'elle lui cache. Mais t'es con d'avoir dit ça, s'énerva Frédéric. De quoi s'étonna Sébastien. Les filles ne peuvent pas comprendre, tu n'as pas plus condescendant Oh, ça va, je ne me gêne plus avec Liliane, depuis le temps, et toutes les conneries qu'elle a déjà dites devant nous, et particulièrement en réunion. Je ne te parle pas de Liliane. Ah! Ah, mais ok, c'est bon, j'ai compris. T'as compris quoi? Non, rien, rien. Bon, je te rappelle que tu me dois une pizza et qu'il est déjà midi. Déjà? Bon sang, je n'ai rien eu le temps de faire ce matin. Pourquoi? Tu avais quelque chose à faire? Ben non, mais c'est une façon de parler. Ils éteignirent leur écran et prirent leur veste. En passant la porte, Frédéric ne put s'empêcher de se demander à quoi ressemblait sa silhouette à lui. Vu de l'extérieur à travers la vitre des polis, quand il était avachi sur son bureau comme tout à l'heure. Et puis il se demanda quelle était la pizza la plus chère qu'il pouvait prendre au restaurant d'en face. Paul H de Jérôme Vuiteney, chapitre 5. Paris, jeudi 9 septembre 2004. Paul Butte détestait la capitale ce n'était pas tant le fait de s'y rendre presque chaque semaine pour des réunions soporifiques, qu'en raison des souvenirs amers qui le hantaient dans cette ville. Dans le taxi qui se frayait une place dans les bouchons pour l'emmener dans l'une des nombreuses annexes de la mairie de Paris, où se tenait la réunion à laquelle il devait assister, il regardait les passants en craignant de voir son ex femme au bras d'un inconnu. En fait, il n'avait jamais été marié, mais il ne voyait pas comment nommer autrement celle avec qui il avait partagé plusieurs années de sa vie. Ex-conjointe, ex-petite ami, ex-copine. Passé quarante ans, tout lui sonnait faux, anachronique, inadapté. Ils vécurent ensemble à Paris pendant cinq ans, jusqu'à ce qu'elle le quitte définitivement. Il travaillait alors à la Grande Couronne, le centre interdépartemental de gestion de Versailles, où il était chef de service. Il arrondissait ses fins de mois en donnant des cours de droit public dans des grandes écoles de la région parisienne. C'est là qu'il avait rencontré Victor Lodz et que ce dernier lui avait sauvé la vie. Plus exactement, il lui avait servi d'alibi alors qu'il dînait avec l'une des élèves peu farouches de l'ENSAE. Cela n'avait fait que retarder le moment où son ex-femme eut connaissance de ses liaisons secrètes. Elle l'apprit quelques semaines plus tard Lorsqu'elle le croisa dans un centre commercial en charmante compagnie. En la voyant, il avait eu cette attitude irrespectueuse et détestable envers sa maîtresse du jour. Comme dans un réflexe de survie égoïste, il l'avait poussée d'une main ferme pour l'éloigner de lui et faire comme si de rien n'était. C'était précisément ce geste qui avait mis fin à leur relation. Peut-être sa compagne officielle d'alors aurait-elle fini par accepter la trahison mais pas de partager sa vie avec un être mesquin, un lâche. Il prit ce poste de directeur général en province pour s'éloigner de Paris, en ignorant qu'il y retournerait presque toutes les semaines, et qu'à chaque fois son taxi passerait devant le centre commercial qui fut le théâtre de la fin de sa relation. La voiture arriva enfin devant le centre administratif Morland, où d'autres directeurs de conseils généraux et régionaux discutaient déjà il considéra avec dédain ceux qui ne portaient pas de cravate. Ils étaient minoritaires et discutaient souvent ensemble. En sortant du taxi, il mit immédiatement la main à sa poche pour en sortir son téléphone portable, et fit semblant d'avoir une conversation avec l'un de ses adjoints pour éviter de saluer ses semblables, et pour se donner une contenance. Depuis qu'il ne fumait plus, il ne savait plus quoi faire de ses mains en pareilles circonstances. Les portes automatiques, qui étaient verrouillées jusqu'alors, s'ouvrirent enfin. Il put faire semblant de raccrocher, et entra dans le hall, où des pancartes écrites en police comique sans MS indiquaient la salle dans laquelle le colloque avait lieu. Le chef de cabinet de Renaud Dutreil, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, introduisit la séance avec un discours de quelques minutes totalement creux, puis laissa la place à quelques personnes de son équipe qui animèrent le reste de la journée. Il était question des technopoles, ces territoires qui regroupent un certain nombre d'entreprises et de laboratoires qui œuvrent sur un même projet scientifique ou technologique. L'expérience de Sophia Antipolis fut prise comme exemple tout au long de la journée et le but était d'inciter les directeurs participants au colloque à multiplier les expériences de ce type dans leur région. Sachant qu'ils pourraient alors bénéficier de subventions d'État non négligeables pour les aider à mener à bien ce type de projet. Dès lors que le mot subvention fut prononcé, les oreilles des directeurs se dressèrent et leur attention jusqu'ici toute relative devint réelle. Leur collectivité, déjà criblée de dettes, peinaient à faire face aux dépenses toujours plus importantes engendrées par des politiques pas toujours efficaces. Mais surtout, la manne financière de l'État était souvent l'occasion d'améliorer le quotidien bien au delà des projets qu'elle était censée couvrir. Il n'était pas question directement d'enrichissement personnel, mais bien d'amélioration des conditions de travail matériel neuf, ordinateur, voiture de service il était extrêmement facile d'utiliser des miettes de subventions nationales pour financer, à la marge, ce genre de choses. Paul Butte, comme ses collègues, avait capté le message et comprenait enfin pourquoi son président l'avait envoyé à ce colloque. Il commença à prendre quelques notes et à imaginer une déclinaison de ce type de projet dans sa région. Il pensa immédiatement à une activité bien précise qui pourrait faire l'objet d'un technopôle. Il nota sur un coin de feuille, pour ne pas l'oublier, appelé JCC. Paul H. de Jérôme Vuitennet, chapitre 6. Jean-Clément Charles recevait Thomas Flesque dans son bureau. Le tout nouveau contrôleur de gestion n'avait rejoint Automobile Composant que depuis quelques jours, mais il était temps de lui expliquer ce qu'on attendait de lui. Thomas Flesque, comptable de formation, attendait cette réunion avec impatience l'intitulé du poste et les différents entretiens qu'il avait eus avant son embauche ne l'avaient que peu renseigné sur ce qu'allaient être ses missions réelles. Bien sûr, il avait caché ses incertitudes et fait semblant de savoir exactement ce qu'il devait faire et d'être l'homme de la situation. C'est d'ailleurs ce qui convainquit le PDG de l'embaucher lui plutôt qu'un autre il aimait l'assurance et détestait le doute. Il faisait frais pour un mois de septembre, et le grand bureau de Jean Clément Charles était mal isolé. Thomas Flesque, en bras de chemise, essayait de cacher tant bien que mal les frissons qui lui parcouraient le dos, ce qui lui donnait un air contrit. Le PDG, qui avait gardé sa veste, en connaissance de cause, repéra cette faiblesse et s'en servit pour asseoir son autorité. Il se posta face à lui, et écarta les épaules pour occuper la majorité du champ de vision du contrôleur de gestion. Jean Clément Charles exposa ses attentes méthodiquement, calmement mais fermement. Son entreprise, comme toutes les autres, avait pour objectif de faire du profit. La mission principale du contrôleur de gestion était de faire en sorte de maximiser ce profit en pointant du doigt les économies à réaliser et en participant au choix stratégique de développement de l'entreprise. Grâce à ses compétences en comptabilité, et sa facilité à donner du sens aux chiffres, Thomas Flesque devait faire des propositions permettant de réaliser, dans un délai d'un an, une augmentation des bénéfices de 3%, seuil au-delà duquel son poste devenait rentable pour l'entreprise. En Creux, le PDG venait d'expliquer à son employé la condition pour que son contrat d'un an soit renouvelé. C'était une menace à peine voilée, et Thomas Flesque l'avait bien prise comme telle. Même si ces tremblements n'avaient rien à voir avec la peur. La chair de poule faisait dresser les poils de ses avant-bras. Il les croisa rapidement pour ne pas que cela se vît. Jean-Clément Charles précisa ses attentes. Dans un premier temps, il s'agissait d'améliorer le fonctionnement interne de l'entreprise sans toucher au processus de fabrication. Les domaines concernés étaient donc la gestion des ressources humaines, la facturation, l'organisation générale, le stockage des matériaux. L'amélioration du processus de fabrication restait sur la responsabilité du directeur concerné. Flesque ne devait pas y toucher. Le PDG ménageait ainsi la susceptibilité de son directeur de la fabrication, qui avait passé l'essentiel de sa vie professionnelle à optimiser la production et qui aurait sans doute très mal vécu une telle mise à l'index. Le téléphone sonna et interrompit l'entretien qui était sur le point de se terminer, Jean Clément Charles se leva pour décrocher, et dès qu'il tourna le dos, le contrôleur de gestion frotta discrètement ses mains contre ses bras pour se réchauffer. Allô, oui? Paul Butte demande à me parler? Mais qui c'est, Paul Butte? Ah. Oui, d'accord, faites le patienter. Il reposa le téléphone sur son bureau et se tourna à nouveau vers Thomas Flesque. Nous avons terminé? Euh. Oui, je crois. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Très bien. Thomas se leva et se dirigea vers la porte pour sortir, mais Jean Clément Charles le rappela. Au fait. Oui. La prochaine fois, gardez votre veste. L'employé acquiesça, en souriant, puis sortit du bureau en maudissant le froid, son patron et la terre entière à ce moment précis. Le PDG reprit le téléphone et dit à sa secrétaire. Passez le moi. Paul de Jérôme Vuitenay, chapitre 7 Tiens, je prendrai bien mon vendredi, moi. De quoi s'étrangla Sébastien. Je vais prendre un jour de congé, demain. Mais. mais pourquoi faire, bon Dieu Bah, ben, cela me fera un grand week-end, je suis un peu fatigué ces temps-ci. Fatigué Mais de quoi Quoi de quoi Qu'est-ce qui te fatigue tant que ça Mais ben, je ne sais pas, moi, il y a longtemps que je n'ai pas pris de vacances. Longtemps, la boîte était fermée tout le mois d'août. Oui, mais voilà, ce n'est pas des congés que j'ai pris, on me les a imposés. Moi, ce que je voudrais, c'est prendre un jour de congé. J'ai quand même le droit. N'importe quoi. Les deux ingénieurs avaient l'habitude de s'écharper à la moindre divergence de vue. Le ton montait rapidement, mais pour une bonne part, c'était de la simulation, du théâtre. Depuis leur embauche, il y a cinq ans, ils n'avaient ni l'un ni l'autre posé un seul jour de congé. Se contentant des trois semaines de fermeture annuelle de l'usine, en août. Célibataires tous les deux et éloignés de leur famille, leur vie sociale était inexistante. Ils faisaient un peu de VTT ensemble, participaient à quelques randonnées organisées par les clubs cyclistes locaux, organisaient des LAN parties avec des amis et mangeaient des pizzas. De temps à autre, ils allaient au cinéma, mais de moins en moins depuis qu'Internet leur permettait de télécharger gratuitement des films entiers, parfois avant leur sortie en salle. L'essentiel de leur temps, ils le passaient au bureau, où ils menaient une double vie. D'une part, ils exerçaient leur métier avec talent, et sans qu'on puisse leur reprocher quoi que ce soit, mais d'autre part, ils utilisaient la connexion Internet de l'entreprise pour entretenir, à tout moment de la journée, leur existence virtuelle sur ce réseau. Contributeurs occasionnels de Wikipédia, modérateurs sur plusieurs forums de discussion, adeptes de jeux en ligne, ils passaient rarement plus de 8 heures sans se connecter, même la nuit. Sébastien ne comprenait pas, dans ce contexte, l'intérêt de prendre un jour de congé, ou plutôt comprenait-il très bien que ce n'était nullement une question de fatigue. C'est juste pour voir Élodie, hein? demanda-t-il. Élodie. C'est qui Élodie répondit-il en feignant l'étonnement. Allez, c'est bon, j'ai compris. T'es vraiment lourd, toi. Hein Allez, je te laisse, je monte. Frédéric gravit rapidement les quelques marches qui le séparaient de l'étage supérieur. Où le service des ressources humaines avait ses bureaux. Il arriva essoufflé dans le bureau d'Élodie, qu'il reconnut aussitôt, et dont il ne put s'empêcher à nouveau de remarquer les jambes dénudées sous son short noir. Visiblement, elle n'était pas sensible au froid qui régnait dans les bureaux. Elle était en train de ranger des dossiers dans un placard en face de la porte où se tenait Frédéric. Elle l'entendit âner dans son dos et se retourna en souriant. Bonjour. Bon jour souffla t-il péniblement, mais ce n'était pas seulement l'effort physique qu'il venait de faire qui l'empêchait de parler distinctement. Que puis je pour vous? Eh bien je c'est à dire que je voudrais poser un jour de congé avec vous. Enfin, je veux dire Vous avez rempli le petit papier? Le petit papier? Le formulaire bleu des demandes de congé. Il y a un formulaire? Oui, tenez. Elle lui tendit un formulaire bleu format A5. Décontenancé, il le prit et tourna les talons pour aller le remplir dans son bureau, mais elle le retint. Vous pouvez le remplir ici, ce n'est pas très long. Elle lui prêta un stylo, qu'il regarda d'abord comme un bijou, puis il le prit dans ses mains avec attention. C'était un stylo somme toute assez banal, mais un peu plus design que les vieux bics qu'il utilisait généralement. Cela lui rappela vaguement les stylos plumes de toutes les couleurs qui encombrait les trousses des filles au lycée. Il n'avait ensuite plus eu de filles dans sa classe, ni dans son entourage proche depuis le bac. Il commença à remplir le ticket, mais fit une rature monstrueuse en écrivant son propre nom. Il essaya bien de rattraper le coup, mais, rapidement, cela devint complètement illisible. Il demanda, confus, un autre formulaire, qu'il rata à nouveau. Il s'excusa, puis réussit enfin à en remplir un troisième, qu'il rendit à la demoiselle. C'est pour demain, s'étonna t-elle? Je Oui. Pourquoi? Normalement, il faut en faire la demande une semaine avant, au moins. Ah bon? Je ne savais pas que c'était interdit. Tant pis, je vais. Non, mais j'imagine que vous avez une bonne raison pour faire ça en urgence. Je vais le faire signer aujourd'hui par monsieur Charles, cela ne devrait pas poser de problème. Il est dans un bon jour. Ah. Vous êtes sûr? Sinon, je peux repasser demain et trouver un autre jour à prendre. Il se rendit compte de l'absurdité de cette phrase en la prononçant. Il voulait bien passer demain, et tous les jours suivants, s'il le fallait, il lui manquait juste un prétexte pour le faire. Mais il devait garder un semblant de cohérence pour ne pas passer pour un débile aux yeux d'Elodie. Enfin bref, finit-il par dire pour s'interdire lui-même de continuer. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Parfait. À demain alors Non, demain vous serez en congé, répondit-elle en fronçant les sourcils. Ah mais oui. Puis il partit sans demander son reste en secouant la tête de dépit et en se cognant l'épaule dans l'encadrement de la porte. Il s'en voulait énormément d'avoir raté cette occasion de séduire cette fille par son intelligence et son assurance. Il ignorait que de son côté, Élodie avait précisément apprécié ses maladresses et sa gêne à ce moment. Paul H de Jérôme Vitenay, chapitre 8. Mardi 21 septembre 2004, Hôtel du Conseil régional. Jean-Clément Charles se présenta à l'accueil du Conseil régional à 14 heures pile, heure à laquelle il avait été invité par Paul Butte, directeur général du Conseil régional, pour une réunion de travail. Il n'avait pas bien compris ce que l'administration lui voulait et se méfiait des fonctionnaires comme de la peste. Il adopta donc une attitude défensive. L'hôtesse d'accueil le conduisit dans les dédales du bâtiment qui datait du XVIIIe siècle. Le parquet stratifié suivait avec peine les murs qui encadraient les couloirs biscornus. Des radiateurs gigantesques tentaient en vain de réchauffer les trois mètres sous plafond. Jean-Clément Charles imagina la facture de chauffage colossale, acquittée chaque année par les contribuables dont il faisait partie. Cette pensée acheva de le mettre de mauvaise humeur. Ses épais sourcils se rapprochèrent de ses yeux et son visage entier semblait maintenant être fermé comme une porte de prison. Il pénétra dans le bureau de Paul But avec un sourire minimal de politesse et jaugea son interlocuteur qu'il n'avait pas encore croisé professionnellement. L'œil vif, correctement habillé, plus jeune que lui et sur son terrain, il allait devoir user de stratagèmes pour garder l'ascendant, poser correctement sa voix jouer la carte de la sagesse acquise par l'expérience, et attendre que Paul Butte dévoile son jeu. Chaque entretien en face à face était un duel. Il n'en perdait jamais aucun. Paul Butte se leva et accueillit son invité exagérément chaleureusement. Une bonne part de son avenir professionnel immédiat reposait sur les épaules de cet homme. Il devait le mettre impérativement de son côté. La fille de l'accueil laissa les deux hommes après leur avoir proposé une boisson chaude qu'ils refusèrent tous les deux. Trop d'incertitudes planaient de part et d'autre pour se permettre de partager ce minuscule moment d'intimité. C'était prématuré. Paul Butte fit asseoir Jean Clément Charles à sa table de réunion, après avoir débarrassé les quelques dossiers qui s'y entassaient, et se posta face à lui avec un sourire de façade à peine tendu. Merci d'avoir répondu à mon invitation et d'avoir trouvé si vite un trou dans votre emploi du temps pour venir nous voir. Nous ne nous sommes pas encore rencontrés, alors je vais me présenter brièvement. Je suis Paul Butte, directeur général du Conseil régional, depuis l'élection de François Pernier à sa présidence. Enchanté. Jean Clément Charles, PDG de Automobile Composants. Ils échangèrent leurs cartes de visite dans un geste rituel un peu ridicule, puis reprirent le cours de la discussion. Vous vous demandez sans doute pourquoi je vous ai fait venir, et je vais bien sûr vous l'expliquer tout de suite. Vous n'êtes pas sans savoir que les collectivités locales ont comme mission principale de garantir l'attractivité de leur territoire, et, à ce titre, cherchent par tous les moyens à faciliter la création et le maintien des entreprises sur la région. Jean Clément Charles acquiesça, tout en se disant que la majeure partie de son chiffre d'affaires s'évaporer dans des taxes locales qui servaient à chauffer inutilement le bureau gigantesque dans lequel il se trouvait actuellement mais il était trop tôt pour être désagréable il garda cet argument pour plus tard si le besoin s'en faisait sentir de nouvelles réglementations et de nouvelles opportunités s'offrent à nous chaque jour et c'est mon rôle de faire en sorte que notre région n'en rate aucune est-ce que vous avez déjà entendu parler des pôles de compétitivité non c'est normal, c'est tout nouveau. Il s'agit de rassembler en un seul lieu les entreprises, les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche publique ou privée qui peuvent ainsi travailler en synergie. En quoi cela peut-il concerner Automobile Composant Vous êtes parmi les industries qui font la fierté de notre région, mais votre secteur a subi ces dernières années des changements importants tant dans la réglementation que dans les pratiques industrielles et commerciales qui l'ont placé dans une situation économique peu enviable. Il s'agit, pour le gouvernement et pour les collectivités locales qui soutiennent ces projets, de réactiver le tissu industriel en apportant des aides sous différentes formes dans un cadre bien défini. Des aides? Vous voulez dire des subventions publiques? Oui, mais pas seulement. Nous pouvons aussi faciliter votre implantation dans de nouveaux locaux, développer les filières d'enseignement supérieur correspondant à vos besoins futurs? Très bien, c'est intéressant, mais quelle est la contrepartie, et comment voyez vous les choses pour ce qui est de mon entreprise? Évidemment, c'est très encadré. Il ne s'agit pas de distribuer de l'argent public en le jetant par les fenêtres. Dans un premier temps, il s'agit de répondre à un appel à projet national. Il y a un cahier des charges, et nous devons trouver, ensemble, un projet qui y correspond. Si notre dossier est retenu, l'État participera au financement de ce projet. En somme, il s'agit d'encourager le privé à travailler main dans la main avec le public et de partager nos objectifs. En quelque sorte, je ne vous cache pas que les collectivités et les entreprises qui se sont lancées là-dedans ne le regrettent pas. Mais je ne vous force pas la main, si ce n'est pas avec Automobile Composants, ce sera avec une autre entreprise de la région que nous lancerons ce type de projet. Bien sûr. Il faut que j'étudie cette question de près. Nous avons un peu de temps? Assez peu. L'idéal serait d'avoir ficelé le dossier avant la fin de l'année. Partant de là, je dois savoir si vous êtes d'accord avant la fin du mois, et bien sûr si vous avez un projet d'envergure qui pourrait correspondre au cahier des charges. Des projets, nous en avons. Ce n'est pas ça qui manque. Dans ce cas, j'attends un coup de fil de votre part d'ici une semaine. Où est-ce que je peux trouver plus d'informations sur ces pôles de compétitivité Je crois qu'il y a un site internet dédié. Vous n'avez pas une brochure Ah non, je crois qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'éditer une brochure. Il prononça le mot comme s'il était désuet et obsolète, tout en se levant, souriant. Jean-Clément Charles fut surpris par cette manière un peu insolite et malpolie de mettre fin à l'entretien. Mais comprit rapidement que son interlocuteur tentait de mettre en cause sa capacité à s'adapter au modernisme. Il se leva à son tour et répliqua à cette attaque à peine dissimulée par une simple phrase Dès que j'ai du nouveau, je vous envoie un e-mail. Paul H. de Jérôme Vuitenay, chapitre 9. Jeudi 30 septembre 2004, automobile composant. Thomas Flesque corrigea une dernière faute de frappe sur son fichier PowerPoint et prit son ordinateur portable sous le bras pour rejoindre la salle de réunion où l'attendaient déjà quelques personnes. C'était sa première présentation, ses premières propositions, son baptême du feu. Il savait que beaucoup de ses nouveaux collègues se feraient une idée définitive de ses compétences à cette occasion. Il entra dans la salle, non sans appréhension, mais fut soulagé de voir que Jean Clément Charles n'était pas encore là. Il installa maladroitement son ordinateur et le vidéoprojecteur, en nouant les câbles, si bien que sa souris n'avait que quelques centimètres carrés pour se déplacer au bout de son fil. Il mit au point l'image projetée sur le mur en face de lui, vérifia une dernière fois sa présentation, et fit semblant d'attendre calmement, en souriant, que tout le monde prît place autour de la table. Jean Clément Charles arriva en même temps que Jean Pierre Gravard, le directeur de la fabrication, avec qui il semblait tenir une discussion animée. Les autres participants, huit au total, étaient maintenant tous assis, les yeux rivés sur le mur écran qui diffusait pourtant une image fixe sur laquelle on pouvait lire Optimisation des processus, en dessous du logo rouge d'automobile composant, et tout en bas, en petit, le nom de l'auteur de la présentation. Le PDG salua Thomas Flesque, qui s'était levé poliment à son arrivée, et lança un bonjour à la cantonade aux autres personnes présentes. Gravard s'assit sans dire un mot et sortit un calepin où il nota immédiatement la date et l'heure, ainsi que le nom des participants à la réunion qu'il regarda l'un après l'autre. Son regard s'arrêta plus longuement sur Thomas Flesque, dont il n'avait pas encore retenu le nom, mais il le trouva sur l'image projetée au mur avec soulagement. Il lui aurait coûté de devoir lui demander publiquement de décliner son identité. Cela ne se faisait pas. Jean-Clément lança la réunion, en rappelant brièvement le contexte économique difficile et les missions du nouvel employé, puis il lui passa la parole. Flesque gardait un sourire forcé sur son visage et masqua tant qu'il le put le stress qui faisait trembloter sa voix. À l'exception du PDG qui semblait être occupé à autre chose, tout le monde fixait le mur avec une attention béate. Flesque commença sa démonstration. Bonjour, et merci d'être venu. Comme vous le savez, Automobile Composant, comme tous ses concurrents directs, doit rationaliser ses dépenses et augmenter sa productivité pour faire face à la crise du secteur et éviter les délocalisations. Il y a des coûts directs qui sont faciles à évaluer mais difficiles à maîtriser la matière première, la masse salariale, les taxes. Mais il y a des coups cachés, plus insidieux, qui plombent parfois nos revenus sans qu'on puisse clairement les identifier. Mon rôle ici est de mettre le doigt sur ces trous pour colmater les fuites. Il jeta un œil à son auditoire pour percevoir les réactions à cette métaphore faible qu'il avait pourtant travaillée toute la nuit. Il avait d'abord songé à mettre le doigt sur ces problèmes, mais il ne s'agissait pas à proprement parler de problèmes et il avait eu peur que certains se sentent froissés, qu'on découvre des problèmes dans leur quotidien sans qu'ils s'en fussent eux mêmes aperçus. Personne ne bougea, et à vrai dire, il lui sembla à ce moment qu'il aurait pu dire n'importe quoi sans que les participants ne réagissent. Il poursuivit néanmoins. Après m'être entretenu avec certains d'entre vous, j'ai cru comprendre que vous rencontriez des difficultés avec le stockage des pièces. Nos locaux ne sont pas extensibles, et pourtant, Automobile Composant diversifie ses activités depuis maintenant plusieurs années, multipliant ainsi la nécessité de stocker des pièces de plus en plus diverses et nombreuses. Dans le même temps, j'ai pu observer un certain nombre de locaux qui ne sont pas ou très peu utilisés et qui pourraient être réaffectés à d'autres usages. Je pense notamment à la salle de réunion du bâtiment B. Quelques personnes quittèrent l'écran des yeux pour regarder Flesque interloqué. C'étaient les utilisateurs principaux de cette salle de réunion. Ils y recevaient les commerciaux de leurs fournisseurs, y tenaient des réunions d'équipe, y examinaient les problèmes qui se posaient dans l'atelier. Flesque s'attendait à cette réaction et passa à la diapositive suivante, qui montrait le taux d'utilisation des deux salles de réunion de l'entreprise. Depuis un mois, j'ai fait un relevé précis de l'utilisation des deux salles de réunion. Comme vous le voyez, la salle Armand Peugeot dont je parle, n'est utilisée que pendant 15% du temps, tandis que celle où nous nous trouvons en ce moment, la salle André-Citroën, est utilisée 50% du temps. Sachant que les deux salles sont à moins de 40 mètres de distance et qu'elles présentent peu ou prou les mêmes caractéristiques, vous conviendrez que l'ensemble des réunions qui se tiennent dans le bâtiment B pourraient être délocalisées ici. L'image projetée affichait deux camemberts représentant l'occupation des salles pendant le mois de septembre. Et un troisième estimant l'occupation future de l'unique salle de réunion après réaffectation du local Armand Peugeot au stockage de pièces. Indiscutablement, il restait encore de la marge, puisque la future unique salle de réunion restait disponible plus d'un tiers du temps. Quelques arguments furent évoqués, mais aucun ne put ébranler la force des chiffres projetés sur le mur. On objecta à Flesque que les plans de l'atelier étaient affichés sur les murs de la salle Armand Peugeot. Que les ouvriers rechigneraient à traverser la cour pour rejoindre le bâtiment administratif pour leur réunion d'équipe, avec leur bleu de chauffe taché de graisse. Flesque démonta un à un tous ces arguments auxquels il s'attendait, en prenant soin de rappeler qu'on ne faisait pas d'économie sans sacrifice et que ceux qu'il proposait étaient dérisoires. Tout en parlant, il vit que Gravard prenait frénétiquement des notes en regardant les graphiques à l'écran il s'attendait à une remarque pertinente de sa part, mais elle ne vint jamais. Puis une autre personne objecta que la salle était également un lieu de convivialité, où les employés appréciaient de prendre un café avant d'attaquer leur journée de travail. Flesque prit alors Jean Clément Charles à témoin, en lui demandant s'il fallait tenir compte de la convivialité et du café des employés dans le cadre de ses missions de contrôle de gestion. Le PDG, qui n'avait pas participé aux échanges jusque là, et qui n'avait pas davantage laissé croire qu'il écoutait la démonstration de Flesque, trancha sans aucune hésitation. Nous allons réaffecter cette salle en lieu de stockage. Une machine à café sera installée dans l'atelier pour permettre aux gens de discuter autour d'une boisson chaude avant le début de la journée, car cela me semble important également. Puis il ordonna à quelques uns des participants de s'occuper de ces changements, et se leva, mettant fin immédiatement à la réunion. La présentation de Flesque n'était pas terminée, mais le contrôleur de gestion ne s'opposa pas à ce qu'on levât la séance. Cela lui permettait de garder ses autres idées pour une réunion future. Quelques personnes lancèrent un regard noir à Flesque au moment de sortir de la salle. Il s'y attendait, mais sa position dans l'entreprise l'exposait fatalement à ce genre de réaction. Il n'était jamais facile de réduire les coûts d'une entreprise et d'augmenter la compétitivité. Cela ne pouvait se faire qu'au détriment d'un certain confort et avec l'effort de chacun. Gravard passa devant lui pour sortir sans même le regarder. Flesque vit sur son calepin, en dessous des noms des participants et de la date du jour, des dessins techniques qui n'avaient strictement rien à voir avec l'objet de la réunion. Paul H de Jérôme Vitenay, chapitre 10. Vendredi 1er octobre 2004, Conseil régional. Vêtu de son complet tout neuf, Victor Lodz pénétra confiant dans le hall d'accueil du Conseil régional. Deux semaines auparavant, devant les directeurs de cette administration, il avait présenté la méthode Power avec brio et avait décroché du même coup un contrat pour la formation de l'ensemble du personnel concerné de la collectivité, soit plusieurs centaines d'agents. La première session d'une longue série commençait aujourd'hui. Il avait découpé sa formation en plusieurs ateliers, et chacun d'eux ne pouvait accueillir qu'une dizaine de personnes. Cette technique lui permit de gonfler artificiellement la facture, en multipliant les frais de déplacement, et d'étaler son intervention dans le temps. Par ailleurs, les petits groupes étaient beaucoup plus faciles à manier, plus attentifs, plus enclins à adhérer au concept car pris à partie et enrôlé personnellement dans le processus de formation. Sa présentation PowerPoint pouvait être déroulée en deux heures, mais il en facturait six. Victor Lodz prenait le temps d'écouter avec attention les remarques des agents, et tâchait de rebondir sur les apports de la méthode dans tel ou tel cas précis. Parfois, il inventait des souvenirs de problèmes rencontrés dans une grande entreprise que la méthode avait soi disant permis de résoudre. Ses expériences fictives lui permettaient de donner du crédit à des concepts qui n'avaient pourtant jamais été utilisés en France à sa connaissance. Il adorait le début de son intervention lorsqu'il révélait la signification de l'acronyme Power. La force des mots était une chose qui le fascinait au plus haut point. Il prenait soin de n'utiliser que des mots positifs pour décrire la méthode. Ce faisant, il empêchait toute critique d'Issel, car on ne peut sérieusement s'élever contre des mots positifs. Si d'aventure l'un de ses élèves s'y risquait, il avait au fait de retourner tout le reste de l'auditoire contre lui, précisément grâce à la connotation positive de chacun des mots qui composaient l'acronyme. Quand le sigle dévoilait ses mystères et que tout prenait sens, il aimait observer les réactions de ses élèves. Project, projet. organisation. Organization. Work, travail. Enhancement, amélioration. Restart, recommencer. Cette méthode a été inventée aux États-Unis dans les années 90 par des spécialistes de l'approche processus et de la rationalisation du travail. Elle permet à la fois de réduire les coûts et les délais, tout en augmentant la qualité du service rendu et l'implication des agents. Elle est, bien sûr, particulièrement adaptée à la fonction publique, où elle est aujourd'hui très utilisée un peu partout en Europe. Le discours de Victor Lodz était aussi bien rodé que mensonger. La méthode n'était qu'une nouvelle variante des travaux de Deming, qui datait des années 1950 et qui avait débouché sur la démarche qualité et les processus de certification ISO. Personne au monde ne l'utilisait réellement, à part quelques groupes de chercheurs impliqués dans sa construction théorique. Comme toutes les méthodes de management, son application à la lettre conduisait inévitablement à des impasses et à une déshumanisation des rapports de travail, et le moindre écart à la norme détruisait tout son intérêt. Il s'agissait surtout de déresponsabiliser les cadres de leurs erreurs de gestion, en impliquant le personnel exécutant dès le début du projet, et en attribuant les décisions impopulaires aux statistiques indiscutables que produisait la méthode. Une réduction d'effectifs pouvait ainsi être immédiatement comprise par tous lorsque les mathématiques, réputées neutres et implacables, la dictaient. Victor Lodz n'avait aucune conscience des conséquences fâcheuses de la méthode Power. Sur le plan théorique, elle était parfaite, et son rôle s'arrêtait à l'enseignement de cette base théorique. Aucun consultant en management n'a jamais été poursuivi pour les erreurs de gestion et les mauvais choix stratégiques qu'il avait indirectement provoqués. De par son statut neutre de formateur extérieur, indépendant de la direction, il gagnait immédiatement le respect et l'attention des agents formés, d'autant plus qu'il ne manquait pas d'abonder dans leur sens quand l'un d'entre eux pointait du doigt une faute managériale passée de l'équipe de direction. Chez nous on fait plutôt les choses dans l'autre sens, intervint un des agents. C'est-à-dire? interrogea Lodz. Le travail est fait, parce qu'on nous demande de le faire, tout de suite, parce que le président en a déjà parlé dans la presse, et c'est seulement ensuite qu'on le planifie et qu'on organise les services concernés. C'est précisément dans ce genre de cas que la méthode Power va vous apporter des réponses concrètes, et l'équipe de direction, que j'ai rencontrée il y a deux semaines, et à qui j'ai dispensé la même formation qu'à vous-même, l'a très bien compris. Vous croyez qu'ils vont jouer le jeu, s'inquiéta l'agent Ce sont eux les demandeurs. Le directeur général lui-même m'a appelé pour organiser ces formations. Victor Lodz détailla ensuite chacune des phases de la méthode. Project. C'est la phase prospective en amont de toute nouvelle tâche. Elle permet de définir les enjeux de la mission, les objectifs à atteindre. Cette phase est de la responsabilité du donneur d'ordre, qui doit remplir une fiche complète dont je vous fournirai un modèle. Sans cette fiche, qui va circuler pendant toute la durée du projet, la méthode n'a plus aucun sens. Organization, c'est la mise en place des équipes qui vont travailler sur le projet. Ce sont les cadres qui s'en chargent. Ils définissent les ressources nécessaires pour mener à bien le projet. Ils complètent la fiche et s'engagent sur les moyens humains et matériels à mettre en œuvre. Work, c'est la réalisation des tâches sous la responsabilité des personnes qui ont été déterminées par le personnel encadrant. En général, tout le monde comprend bien de quoi il s'agit. Enhance. C'est la phase d'amélioration où tout le monde, tous les participants au projet, vont compléter la fiche pour trouver des pistes d'amélioration. Tous les points bloquants, tous les problèmes rencontrés doivent être décrits ici pour permettre leur résolution et faciliter les projets futurs. Restart. Ce n'est pas vraiment une phase à part entière, mais cela évoque que les projets futurs s'enrichiront de l'expérience passée. On recommence, certes, mais fort de nos nouveaux acquis. Victor Lodz termina la séance par un vibrant plaidoyer pour sa méthode. Power, la puissance en anglais, mais aussi l'alimentation électrique, l'énergie. On démarre quelque chose de nouveau. Chacun des composants, chacun des agents, doit être prêt et conscient de la chance qu'il a de faire partie d'une organisation moderne et tournée vers l'avenir. Les personnes quittèrent la salle après avoir rangé leurs affaires. Victor Lotz éteignit son vidéoprojecteur et savoura dans le silence la qualité de sa prestation du jour. Il rassembla à son tour ses documents et rangea le tout dans sa valise à roulettes. En se retournant pour vérifier qu'il n'avait rien oublié, il vit son reflet dans la vitre. Décidément, ce costume lui allait très bien. Paul H de Jérôme Vuitenay, chapitre 11 Frédéric et Sébastien avaient choisi, comme souvent, de prendre leur repas de midi à la pizzeria d'en face, le Vésuvio. Une table leur était d'ailleurs plus ou moins réservée à cet effet, car le patron était devenu un ami au fil du temps. C'était un restaurant plutôt sordide, mal éclairé et peu spacieux, où il était nécessaire dès octobre d'allumer les éclairages même le midi. Les nappes en toile cirée collaient un peu au coude, on osait à peine s'asseoir sur les chaises, mais les pizzas y étaient bonnes et le personnel sympathique. Les deux jeunes ingénieurs y étaient donc dans leur élément, et leurs appartements respectifs n'étaient d'ailleurs guère plus accueillants et encore moins lumineux. Entourés par certains de leurs collègues travaillant principalement à l'atelier, avec lesquels ils n'entretenaient pas de relations particulières, ils discutaient ensemble de ce premier vaisseau privé à voler dans l'espace, le Space Ship One. Frédéric considérait qu'il y avait de meilleures façons de dépenser son argent quand on était milliardaire et commençait à énumérer ses propres rêves quand il stoppa net au milieu d'une phrase. Sébastien, qui lui faisait face, ne comprit pas immédiatement, mais en suivant son regard, il tomba sur Élodie qui venait de pénétrer dans le restaurant et était déjà accueillie par Giorgio qui forçait son reste d'accent italien devant les nouveaux clients, principalement les demoiselles. Il l'invita à s'asseoir, non loin de ses deux collègues, et lorsqu'elle les aperçut, hésita un instant, avant finalement de leur faire la bise en souriant. Vous venez souvent ici? s'étonna t-elle, se demandant elle-même pourquoi elle avait poussé la porte de cet endroit glauque. Cela nous arrive, répondit Sébastien, quand on n'a pas le temps de se faire à manger. Comme si tu te faisais à manger souvent, répliqua Frédéric. Elle déboutonna son impère qui ruisselait d'eau, une pluie froide tombait depuis le matin. Au milieu des effluves de tomates et d'origans, son parfum délicat parvint jusqu'aux narines de Frédéric, qui prit conscience soudain de l'anomalie que représentait la présence de cette fille dans leur restaurant. C'était la seule femme ici, hormis les deux serveuses, mais qui était payée pour ça, à elle. Alors, que penses-tu des automobiles composant la petite nouvelle Frédéric s'aperçut trop tard du ton étrange de sa question, un brin paternaliste et supérieur, inadapté. Elle ne sembla pas relever. Ça va, ça va, mais j'en ai un peu assez des collègues de mon étage, et du personnel administratif en général. Aujourd'hui, je n'avais pas envie de manger avec eux. C'est pour nous que tu dis ça, s'inquiéta Sébastien Oh non, je ne dis pas ça pour vous, je ne me permettrai pas, on se connaît à peine. C'est vrai que tu n'es pas tombé dans le service le plus fun. C'est quoi la moyenne d'âge là-bas Ce n'est pas tant une question d'âge que de mentalité. Tiens, celui qui est arrivé en même temps que moi là, flesque, j'ai un peu de mal avec lui. Pourtant, il est jeune. Ah bon Il se la joue grand décideur avec sa petite cravate assortie à la chemise. Frédéric regarda machinalement la sienne, et vit une monstrueuse tache de sauce tomate à côté d'un bouton. Il fit ce qu'il ne put pour la masquer avec sa main pendant le reste de la conversation. Ah oui, il est comme ça, Thomas, interrogea Sébastien. Vous le connaissez On le connaît comme toi, ni plus ni moins, mais on avait déjà remarqué son air hautain, on en parlait l'autre jour. Donc, quand mes collègues ont décidé de l'inviter à manger avec nous, tout à l'heure, j'ai prétexté une invitation familiale. Vous me couvrirez. Motus et bouche cousue, affirma Frédéric, tout excité à l'idée de partager un secret même aussi dérisoire avec cette jolie fille. Une serveuse passa prendre sa commande et demanda aux garçons s'ils avaient terminé. Sébastien commençait à se lever, mais Frédéric demanda un second dessert. Deux desserts s'étonna Sébastien. J'avais très faim aujourd'hui, mais tu peux y aller si tu veux, je te rejoins au bureau, dit Frédéric. Moi je vais prendre une salade, ajouta Elodie. Sébastien lui prit le menu des mains et s'exclama La vache, j'avais jamais vu qu'il faisait des salades ici. Sinon, tu en aurais pris demanda Frédéric. Sûrement pas, mais je suis quand même super étonné. Là-dessus, il enfila son blouson et sortit en courant sous la pluie battante. Élodie et Frédéric se retrouvèrent seuls sur leur table, séparée par une allée. La serveuse amena la salade et une mousse au chocolat qu'elle posa devant Frédéric qui fit semblant de saliver. Il n'avait en réalité plus du tout faim, mais se força à plonger sa cuillère dans la masse noire et sucrée. Et sinon, avec le patron, ça se passe bien Je n'ai pas souvent affaire à lui, répondit-elle. C'est un brave gars, il est juste un peu trop vieux pour être encore efficace. Je le trouve encore très vif d'esprit, très intelligent Oui, bien sûr, c'est loin d'être une truite, mais il ne comprend rien aux nouvelles technologies. Une truite un débile, si tu préfères. La discussion était malaisée car chaque phrase devait être glissée entre deux bouchées et les deux collègues devaient tourner la tête pour se voir. Ils étaient côte à côte et non face à face. Tu as de la famille dans le coin risqua Frédéric, en mesurant la similitude entre sa phrase et la célèbre et désuète Vous habitez chez vos parents Un peu. La réponse, courte et évasive, l'invita à ne pas poursuivre dans cette voie. Il fit du bruit avec la cuillère dans son ramequin pour se donner une contenance, regarda un instant la pluie tomber sur la vitrine sale et teintée du restaurant où les lettres autocollantes de Vésuvio partaient en lambeaux. Et toi, finit-elle par demander Moi, je viens de l'autre bout de la France, mais j'ai fait mes études dans la région. C'est comme ça que je me suis retrouvé là. Tout seul donc. Bah, j'ai des amis. Qui habite avec toi, en colocation Non, non, j'ai mon appart, heureusement. Il devina à ses questions et à son attitude qu'elle n'assumait pas totalement sa situation personnelle. Il en ignorait la raison, mais il essaierait d'en savoir plus. Il l'imagina en instance de divorce, ou pire, déjà engagé dans une relation potentiellement compliquée. Totalement dénué d'expérience dans ses domaines sentimentaux, il n'avait aucun indice auquel se raccrocher. Il observa ses mains, il ne savait même pas reconnaître une alliance d'une vulgaire bague décorative. Elle en avait plusieurs, de l'index à l'auriculaire, et sur les deux mains, en argent ou en or. Elle avait terminé son plat et ne souhaitait pas de dessert. Il régla sa deuxième mousse au chocolat, et ils sortirent ensemble du restaurant. Ils traversèrent la route, serrés à deux sous le parapluie d'Elodie, s'éclaboussant l'un l'autre en courant dans les flaques d'eau puis ils rejoignirent chacun leur bureau respectif. Jusque tard ce soir-là, Frédéric revécut la scène au ralenti et sous tous les angles. Le froid, la pluie, mais à l'intérieur si chaud. Il n'avait jamais rien ressenti de tel. Polache de Jérôme Vitenay, chapitre 12. Une réunion exceptionnelle du comité de développement avait été programmée cet après midi là. Le cycle habituellement trimestriel avait été rompu, ce qui était particulièrement rare et n'annonçait rien de bon. Pourtant, Jean Clément Charles ne semblait pas afficher d'inquiétude sur son visage. Au contraire, il paraissait plutôt détendu, voire enjoué. Le directeur de la communication, qui se remettait doucement de sa séparation, s'est même demandé si le PDG n'allait pas annoncer son départ en retraite, et envisageait déjà les impacts d'une telle décision sur l'activité de son service et sur son propre avenir dans l'entreprise. Chacun prenait place autour de la table de réunion quand un groupe d'une petite dizaine de personnes fit irruption dans le couloir. C'était le chef d'atelier, accompagné de quelques uns de ses subalternes et de représentants commerciaux. Il cherchait une salle de réunion pour discuter au calme des dernières nouveautés matérielles et techniques proposées par les fournisseurs. Depuis que la salle de l'autre bâtiment avait été réaffectée à d'autres usages, ils devaient utiliser la salle André Citroën, eux aussi. Jean Clément Charles regarda défiler ses gens avec dédain, puis lança à l'attention du chef d'atelier :« Vous aviez réservé la salle ?»« Non, répondit celui-ci. Moi si, répliqua fermement le PDG. Je vous prie donc de trouver un autre endroit pour tenir votre réunion. » Le chef d'atelier passablement énervé par la situation, tourna les talons et invita ses collègues à faire de même. La perspective de traverser à nouveau la cour par ce temps pluvieux l'agaçait, mais c'était la seule solution. Jean Clément Charles referma la porte, de telle sorte que tout le monde comprit bien, à l'extérieur et à l'intérieur de la salle, que la réunion avait commencé. Le silence s'installa, et on n'entendit plus que les cliquetis des stylos et le grincement des chaises jusqu'à ce que le PDG prenne la parole. Messieurs, dames, je vous ai réunis aujourd'hui de façon exceptionnelle pour vous annoncer un virage important, pour ne pas dire décisif, que va aborder notre société. Il fit une pause et scruta son auditoire qui était littéralement captivé, sauf Frédéric qui regardait la pluie d'un air songeur. Il poursuivit néanmoins Vous savez comme moi la crise qui frappe notre secteur, et vous ne doutez pas, j'espère, de mes efforts pour conduire l'entreprise vers la prospérité malgré les circonstances. Parfois des opportunités se présentent et il faut savoir les saisir. Aussi, j'ai décidé d'accepter la proposition du Conseil régional de travailler conjointement à la mise en place d'un pôle de compétitivité autour de notre activité. Un pôle de compétitivité? laissa échapper la directrice des ressources humaines, autant pour connaître le sens de l'expression que pour donner à son patron l'occasion de rebondir sur sa question. Parfaitement, Liliane. Autrement dit, un espace géographique et juridique dans lequel entreprises privées, laboratoires de recherche et milieux universitaires concourent à un même objectif. Concrètement, quel objectif? interrogea le directeur de la fabrication, qui pressentait que le projet allait lui tomber sur le coin du nez rapidement. Il s'agit bien sûr pour l'État d'encourager l'innovation et le développement de filières créatrices d'emplois. En l'occurrence, nous devrons bien sûr proposer quelque chose de particulièrement novateur, et qui fasse passer l'entreprise automobile composant dans une autre dimension. Mais encore, s'impatienta son interlocuteur. Demandez donc à M. Chaume, c'est lui qui m'a soufflé l'idée. Tous les yeux se tournèrent vers Frédéric, qui, lui, continuait de scruter la fenêtre rêveusement. Il sentit le poids de ses regards s'abattre sur lui et sursauta. Pardon, je n'ai pas entendu, s'excusa-t-il. Redites-nous donc l'idée géniale que vous avez eue l'autre jour à notre précédente réunion. L'idée géniale Je ne vois pas de quoi vous parlez, excusez-moi, mais. La pile à combustible. La pile à. commença de répéter Frédéric, surpris. Voilà ce que nous allons faire, avec l'aide bien sûr des chercheurs de l'université voisine et les subventions généreuses de l'État à travers le Conseil régional. Mais comment s'inquiéta Jean Pierre Gravard, le directeur de la fabrication? Nous allons concevoir un véhicule à hydrogène. Concevoir? De bout en bout s'étrangla presque Gravard. Mais nous ne savons pas faire, nous n'avons pas les compétences ni les machines. Nous allons acquérir tout ça grâce aux subventions publiques. Dès que le projet sera accepté, nous aurons un financement important de l'État que nous pourrons investir dans les compétences ou les machines qui nous manquent. Chacun des participants murmura ses réactions et ses inquiétudes à son voisin, si bien que Jean Clément Charles dut demander le silence. S'il vous plaît. Les choses, bien sûr, vont se faire progressivement, et la première étape de ce projet est de constituer un solide cahier des charges avec l'aide du Conseil régional, avant la fin de l'année. Chacun, dans vos domaines respectifs, je vous demande d'évaluer les besoins, de chiffrer les coûts et de prévoir les changements organisationnels. Pour suivre ce projet important, j'ai décidé de donner un rythme mensuel à nos réunions, qui seront presque exclusivement consacrées à ça, au moins jusqu'à la fin de l'année. Mais où allons nous produire le véhicule? Quel sera le rôle exact des universitaires dans le projet? Peut on déjà communiquer sur le sujet? Et si notre cahier des charges est refusé? Les questions fusèrent, mais le PDG les arrêta d'un geste apaisant de la main. Toutes vos questions sont légitimes, mais il est trop tôt pour y répondre. Pour l'heure, considérez simplement le projet dans son ensemble, sans vous inquiéter de sa faisabilité. Nous avons l'opportunité de faire d'automobiles composants une entreprise de renommée mondiale, précurseur en matière de déplacement propre. Dans un contexte international en tension sur les ressources fossiles, et en raison du changement climatique, la question des énergies alternatives, particulièrement dans les transports, est centrale. Imaginez votre fierté lorsque le premier véhicule arborant le logo AC circulera en ville sans émettre de gaz à effet de serre. Imaginez le potentiel de développement de l'entreprise et son impact sur vos carrières. Comme je le disais en introduction de mon propos, il y a des opportunités qu'on doit saisir, et celle ci en est une. Ensemble, nous relèverons ce défi comme nous en avons relevé tant d'autres par le passé. Je suis certain que nous en sommes capables et que nous en sommes dignes. La grandiloquence de sa tirade laissa tout le monde sans voix. Il était difficile de marquer une opposition, ou même simplement de faire une remarque après un tel dithyrambe, sans passer pour un rabat joie, et sans avoir l'impression de casser le rêve éveillé d'un proche, ou d'un supérieur hiérarchique. Tout le monde se tut donc, et le PDG considéra que la réunion avait assez duré. Il quitta la pièce sans même remercier ses collaborateurs, ni leur dire au revoir. Les murmures reprirent et s'amplifièrent. On pouvait lire de l'inquiétude sur certains visages, pendant que sur d'autres un sourire gêné s'affichait, figé et neutre. Sébastien et Frédéric rassemblèrent leurs affaires incrédules. Ça craint un peu, non? commença Sébastien. Quoi donc? demanda Frédéric, encore ailleurs. La pile à combustible. Il y a cru, le vieux. Eh? Tu n'y crois pas, toi? Des tas de gens bossent là-dessus, partout dans le monde. Tu connais quelque chose toi Moi Rien. Pourquoi Tu ne vois pas qu'il t'a pris pour un mec compétent sur le sujet Au moins quelqu'un qui a une vague idée de comment ça fonctionne et quels sont les enjeux techniques Tu crois Moi, je crois surtout qu'il a voulu me ridiculiser parce que je n'écoutais pas ce qu'il disait. Tu sais, il fait ça souvent. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il se passe Tu es complètement absent. Non, mais je regardais la pluie. Et et quoi, j'ai plus le droit de regarder la pluie tomber T'es vraiment bizarre, toi, ces temps-ci. Tu devrais prendre des vacances. Ah ouais s'exclama Frédéric. Non, mais c'est une expression, t'emballe pas, c'est pas ce que je voulais dire. N'empêche, c'est une belle expression. Une belle. belle comme la pluie. Paul H de Jérôme Vitenay, chapitre 13. René Martinez était chef d'atelier chez Automobile Composants depuis cinq ans maintenant. Ses cheveux noirs, sa peau bronzée, sa petite taille et son nom poussaient ses interlocuteurs à lui demander s'il était d'origine espagnole. Il n'en savait rien. Son arbre généalogique ne l'intéressait guère, et ses deux parents étant français, il se considérait avant tout comme un français, peu importe l'origine du sang qui coulait dans ses veines. À cinquante-cinq ans passés, René paraissait usé comme son bleu de travail. Torturé par les machines pendant quarante ans, des taches sur les poumons qui tourneraient bientôt en cancer, à demi sourd, il pourrait bientôt profiter de la retraite quelques années peut-être avant de mourir dans l'indifférence des patrons qui ont monnayé sa sueur et détruit sa vie personnelle. Il avait commencé à travailler à seize ans quand des recruteurs du domaine de la sidérurgie sont venus le chercher à la sortie de l'école. Une usine, à l'autre bout de la France, un foyer pour les jeunes travailleurs, on s'occuperait bien de lui, car on avait besoin de ses bras pour visser, charger, souder, porter, déplacer, monter, assembler, presser. Loin de sa famille, il a appris à vivre seul, à être responsable de sa vie, de son budget. Quand il en a eu assez de cette première usine, qui ne payait pas beaucoup, et où il faisait trop chaud l'été, il a démissionné pour s'engager dans l'automobile, qui était en plein essor. Citroën payait mieux et faisait rêver. Il y avait de plus en plus de voitures dans les rues, peut-être un jour il pourrait s'en acheter une, mais pour cela il faudrait qu'il économise pendant des années. Vingt années plus tard, le constructeur l'avait mis à la porte, ou plutôt l'avait reclassé chez un sous traitant, lors d'un plan social. Le sous traitant avait fait faillite, avait été racheté, avait changé de nom, de propriétaire, de patron, et était finalement devenu automobile composant. L'échelle sociale de René Martinez ne comportait que deux barreaux et il était sur le plus haut, chef d'atelier. Son équipe ne comportait que quelques hommes, tous plus jeunes que lui, qui deviendraient à leur tour chef d'atelier quand il s'en irait. Il s'apercevrait alors à leur tour qu'être chef d'atelier, ça ne change rien. On fait la même chose, on respire le même air vicié et on entend le même bruit assourdissant des presses et des machines automatiques. On touche une prime de chef d'atelier, une centaine d'euros. En contrepartie de quoi on est responsable de tout ce qui dysfonctionne dans la maison. Les pieds trempés d'avoir traversé deux fois la cour sous des trompes d'eau, René discutait avec ses fournisseurs de la qualité des dernières livraisons de pièces détachées. Il s'agissait de jauges électroniques pour réservoirs à carburant. L'atelier que René supervisait produisait des dizaines de milliers de réservoirs qui équipaient différentes marques de véhicules légers et même quelques poids lourds. Il avait l'impression, depuis quelques mois, que les jauges tombaient en panne plus souvent et qu'elles dysfonctionnaient rapidement. Le représentant du fournisseur le rassura. C'était tout le contraire. Son entreprise était engagée dans une démarche d'assurance qualité qui certifiait que les pièces qui sortaient de l'usine étaient conformes aux exigences du client. C'était indubitable et c'était d'ailleurs écrit noir sur blanc sur les factures estampillées par l'AFNOR. René examina les factures d'un air absent. Il savait qu'il n'avait pas les armes pour faire objection à cela. Il répéta son constat, ça tombait en panne tout le temps mais il avait déjà baissé les bras. Ce serait à lui de gérer cette baisse de qualité, en trouvant des astuces, en modifiant l'organisation de son atelier. Depuis quarante ans, il n'avait fait que s'adapter aux nouveautés. La technologie, les robots, les machines, qu'on lui présentait comme des bras électroniques, censés soulager ses efforts, n'avaient fait que compliquer son travail. Réparer les robots défectueux était devenu sa mission principale avant de devenir chef d'atelier, et cela lui demandait une force physique et des compétences intellectuelles supérieures. Non, les robots n'avaient pas soulagé sa peine, et non, les pièces n'étaient pas de meilleure qualité, même si elles avaient été tamponnées ou certifiées par le pape en personne. On lui mentait depuis toujours. On lui présentait les choses de manière à ce que cela soit des vérités incontestables, mais il sentait bien au fond de lui que ce n'était pas le cas. Simplement, il n'avait pas la maîtrise suffisante de la langue française, pas les connaissances nécessaires en rhétorique, pas l'envie non plus de se battre pour contester ce que le monde entier semblait vouloir lui faire admettre. Alors, il se taisait. En fronçant les sourcils, en secouant imperceptiblement la tête en signe de désapprobation soumise, il imaginait les nouvelles procédures à mettre en œuvre pour faire avec. Lorsque les fournisseurs furent partis, le directeur de la fabrication souhaita s'entretenir avec lui. Il sortait de la réunion extraordinaire du comité de développement et avait besoin d'en parler à quelqu'un. En général, il choisissait René parmi tous ses chefs d'équipe pour son calme et son oreille attentive, bien qu'aux capacités diminuées. Gravard lui expliqua les changements à venir la pile à combustible, la voiture entière à assembler, le cahier des charges à déposer avant la fin de l'année, les subventions publiques. René accueillit la nouvelle en silence, tout en mesurant les impacts sur l'organisation générale de son atelier. Il n'avait pas à commenter ce choix qui lui échappait totalement, mais il ne put s'empêcher de demander à Gravard On est sûr de pouvoir y arriver Ce à quoi le directeur de la fabrication répondit sans conviction Il faudra bien. Les deux hommes se regardèrent longuement chacun cherchant dans les yeux de l'autre des réponses aux nombreuses interrogations qu'il n'osait pas formuler à haute voix. Mal à l'aise, Gravard voulut mettre fin à l'entretien. Autre chose, René? Oui, répondit il, profitant de ce rendez vous impromptu avec son supérieur. J'aimerais vous soumettre un problème que j'ai en ce moment. Je vous écoute. Depuis que la salle de réunion de notre bâtiment a été reconvertie en local de stockage, je n'ai plus d'endroit pour recevoir les fournisseurs. Eh bien, vous devez les faire venir au bâtiment administratif. Mais la salle André Citroën n'est jamais disponible. Selon les dernières statistiques, elle n'est même pas utilisée la moitié du temps. Chaque fois que j'en ai besoin, elle est déjà réservée ou déjà occupée. Vous utilisez le nouveau planning de réservation, celui qui est dans le hall du bâtiment administratif? Oui. Vous constatez comme moi qu'il n'est qu'à moitié rempli? Oui, mais il est rempli juste quand j'en ai besoin. Ah mais ça que voulez-vous que j'y fasse C'est tout l'intérêt du planning que de choisir les horaires qui conviennent le mieux lorsque les ressources sont disponibles. Les ressources Eh bien la salle de réunion dans le cas présent. Et mes fournisseurs Quoi vos fournisseurs Ils doivent être disponibles aussi. Eh bien oui évidemment. Et s'ils ne sont pas disponibles en même temps que la salle Eh bien changer de fournisseur. Gravard se leva. Et invita René à faire de même. Cette problématique de salle de réunion ne le passionnait pas, et il n'avait de toute manière aucune solution à proposer. Le chef d'atelier, de son côté, baissa une nouvelle fois les bras, et comprit qu'il n'avait pas réussi à exposer correctement le problème, et qu'il allait devoir, comme pour les jauges défectueuses, trouver lui-même la solution. Paul H de Jérôme Vitenay, chapitre 14. Deux mois plus tard, le cahier des charges était entièrement terminé. Jean Clément Charles dut rencontrer plusieurs fois le directeur général du conseil régional, son président et même le préfet, et il dut conduire aussi quelques réunions avec le président de l'université pour dessiner les contours de la coopération entre les laboratoires et automobiles composants. La construction d'une automobile propulsée à l'hydrogène faisait intervenir des spécialistes de nombreux secteurs, de la chimie à la mécanique, en passant par le design. Aussi, l'aide des chercheurs, autant que la main-d'œuvre bon marché que représentaient les étudiants et les doctorants, était indispensable à la conduite de ce projet. Sans ces aides, Automobile Composant n'aurait pas pu imaginer, concevoir et développer un tel véhicule. Jean-Clément Charles s'en rendait compte et commençait à percevoir l'intérêt de ce montage juridique complexe permettant de mettre en relation collectivités, universitaires et entreprises privées. S'il ne devait pas régulièrement rencontrer Paul Butte au conseil régional, peut-être aurait il même fini par réviser son jugement sur les fonctionnaires et les hommes politiques. Jusqu'ici, il considérait en effet que la bureaucratie française était un obstacle à l'entrepreneuriat en toutes circonstances, tout juste bonne à empiler des impôts sur les taxes et à produire des législations tordues pour compliquer le tout. Avant de travailler sur ce projet particulier, il maudissait cette administration qui freinait ses efforts, mais il devait admettre que cette fois les choses prenaient une tout autre tournure. La personnalité de Paul Butte, cependant, l'empêchait d'aller au bout de cette réflexion. Dès leur première rencontre, le fonctionnaire l'avait pris de haut, et l'avait considéré comme un vieillard avec un respect teinté de pitié et de moquerie. L'attitude qu'aurait eu un enfant poli envers une personne âgée, attentionnée, serviable, mais toujours prompt à rire des décalages de l'aïeul avec la vie moderne. Ainsi exhibait-il fièrement devant lui son téléphone portable, sur lequel il tapotait frénétiquement, même pendant leur réunion en tête-à-tête tête et leur déjeuner de travail. Agacé, le PDG cessait alors de parler immédiatement et s'apercevait que Butte ne l'écoutait plus depuis longtemps. En ce qui concerne le rôle de l'université, commença Jean-Clément Charles Excusez-moi, un instant. Le fonctionnaire sortit à nouveau son téléphone portable qui sonnait dans sa poche, et s'éloigna quelque peu de la table à laquelle ils avaient pris l'habitude de déjeuner, dans un restaurant du centre ville, une fois par semaine, pour faire le point sur l'avancement du projet. Charles lui adressa un regard désapprobateur qu'il ne put voir, car il lui avait tourné le dos. Paul Butte revint quelques secondes plus tard, un sourire aux lèvres, sans même se rendre compte de son indélicatesse. Vous disiez, l'Université, je ne sais plus. Il se souvenait parfaitement, mais c'était plus fort que lui. Il devait marquer son agacement d'une façon ou d'une autre, quitte à laisser croire qu'il était effectivement sur la voie de la sénilité. Peu importe, mes équipes vont donc pouvoir envoyer le cahier des charges au service de l'État dès demain. Je pense que nous avons bien travaillé. Quand aurons-nous une réponse Ah, ça, avec l'État, on ne sait jamais, cela peut prendre plusieurs mois. Plusieurs mois mais comment voulez-vous que j'organise mes plannings avec cette incertitude? Nous devons faire avec ça. Vous savez, maintenant, qui peut prédire ce qui se passera dans six mois? La vie est comme ça. Le PDG comprit immédiatement la pique qui se cachait derrière cette réponse. Il chercha une réplique. C'est l'administration qui est réputée pour son immobilisme. Vous pensez que vos agents seront capables de réagir à temps dans ce type de projet? Bien sûr, ils ont été formés pour ça, encore tout récemment, figurez-vous. Vous connaissez bien sûr la méthode Power. J'en ai entendu parler, mentit-il pour ne pas être à nouveau pris en défaut par le fonctionnaire. L'ensemble de mes services travaille maintenant en suivant scrupuleusement les préconisations de cette méthode américaine. Je m'étonne que vous n'y soyez pas déjà passé, car c'est très adapté à l'industrie automobile. Ah bon Écoutez, je vous propose de rencontrer un ami à moi. Victor Lodz, qui est le spécialiste français de la méthode Power. Discutez-en avec lui, je suis certain que vous trouverez ça passionnant. Évidemment, si notre pôle régional voit le jour, nous pourrions utiliser ensemble les bonnes pratiques de management que la méthode développe. Cela consiste en quoi, concrètement? Jean Clément Charles savait détecter la langue de bois à des kilomètres, et il devina avec justesse que Paul Butte n'avait aucunement connaissance des détails de mise en œuvre de la méthode dont il faisait pourtant la promotion. Le fonctionnaire s'en sortit par une pirouette. Je ne voudrais pas trahir les grands principes de la méthode en vous formulant ça avec mes propres mots. Tenez, je vous donne la carte de monsieur Lodz, appelez le, et maintenant que j'y pense, je crois que nous devrions en parler dans le cahier des charges. Mais il est terminé le cahier des charges. Vous m'avez dit qu'il partait demain. C'est juste. Mais ça me semble particulièrement pertinent d'ajouter un paragraphe sur la conduite de projets que nous allons mettre en place. Vous ne trouvez pas? Pourquoi pas? Mais n'est-ce pas dangereux de faire des modifications de dernière minute sur un document que nous avons mis des semaines à finaliser Mon pauvre, les modifications à la dernière minute, c'est le cœur de mon métier, c'est mon quotidien. Vous savez comme moi que la capacité d'adaptation est la faculté maîtresse du donneur d'ordre de nos jours. À nouveau pris en défaut, Charles ne put se dérober. Il accepta cette modification tardive du cahier des charges en se saisissant de la carte de visite de Victor Lodz, qu'il fit semblant de lire. Mais sans ses lunettes, il n'arrivait pas à distinguer les petites lettres. Le téléphone de Paul Butte sonna à nouveau et il en profita pour prendre congé définitivement. Jean-Clément Charles rangea délicatement la carte de visite dans son portefeuille, essuya la commissure de ses lèvres avec sa serviette, puis enfila lentement son manteau avant de sortir du restaurant, un peu affecté par cette entrevue désagréable. Il marcha en direction de sa voiture en regardant sa silhouette vieillissante se réfléchir dans les vitrines pensa à son épouse qui donnait elle aussi des signes de fatigue à ses enfants qu'il n'avait pas vus depuis des mois l'un d'eux travaillait en californie il se demanda quelle heure il pouvait bien être là-bas il regarda sa montre quatorze heures il allait être en retard à sa prochaine réunion et il détestait ça Paul H, de Jérôme Vitenay, chapitre 15. Le cahier des charges du pôle de compétitivité hydrogène, baptisé Pôle H, fut reçu par la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie le 29 décembre 2004, soit deux jours seulement avant la date limite annoncée, qui fut du reste repoussée au 28 février 2005. 105 dossiers furent examinés et 67 acceptés, officiellement pour leur originalité, leur viabilité financière et leur aspect stratégique au niveau national. Officieusement, tout ne se passait bien sûr pas exactement de cette façon. Le directeur général des entreprises, Jacques Delâtre, était en contact direct et permanent avec le cabinet du ministre qui tirait toutes les ficelles du ministère dans l'ombre. Tous les dossiers sont donc passés entre les mains du chef de cabinet qui, seul, en fonction de considérations purement politiques, validait ou invalidait les projets. Il ne s'agissait pas simplement d'accepter les projets présentés par les amis politiques du ministre et de refuser les autres. C'était, comme au billard, un passe temps qu'affectionnait particulièrement le chef de cabinet, un coup à trois bandes. Bien sûr, les présidents de région du bon bord politique avaient beaucoup de chances de voir leurs projets acceptés mais ceux de l'opposition qui présentaient un pôle mariant leur collectivité avec un puissant industriel de la région devaient être examinés de près car un lobbying intensif pouvait conduire à des situations de chantage à l'emploi, voire des difficultés de financement des futures campagnes électorales. Enfin, les projets des régions, gérés par les ennemis déclarés du ministre en poste, étaient examinés à la loupe, eux aussi, et s'ils s'avéraient être voués à l'échec, mal ficelés, irréalistes, on les subventionnait tout de même pour précipiter la chute du baron régional concerné, en prévoyant de s'appuyer sur sa mauvaise gestion des subventions publiques. Pour chaque dossier, de nombreux coups de téléphone durent être passés, à tous les notables de la région. Les avantages et les inconvénients politiques étaient pesés et sous-pesés. Les résultats détaillés des dernières élections régionales étaient passés au crible, pour estimer si la région était susceptible de basculer lors des prochaines échéances, dans un sens ou dans l'autre. Et en fonction de tout cela, le dossier atterrissait sur la bonne ou la mauvaise pile. Le pôle H fut accepté sans que personne, si ce n'est le ministre et son chef de cabinet, ne sache exactement pourquoi. De l'âtre dut alors, comme pour les autres dossiers, produire un rapport mettant en avant les aspects positifs du projet ayant conduit à son acceptation. Ces services, la plupart du temps, étaient parfaitement incompétents dans les domaines abordés par les projets proposés par les régions. Aussi, l'exercice était difficile et risqué car il n'était pas impossible qu'un journaliste zélé mette son nez dans ces rapports qui étaient rendus publics. Le directeur général des entreprises se méfiait particulièrement de la presse quotidienne régionale, la PQR, comme il l'appelait, non sans une certaine forme de dédain. Les journalistes provinciaux avaient en effet pris la sale habitude de lui chercher des poux, alors que la presse nationale était menée en bateau simplement par quelques communiqués officiels émanant directement du ministre. Pour justifier l'acceptation du pôle H, il s'appuya sur les travaux scientifiques mettant en avant le changement climatique et ce, non moins alarmant, concernant le pic pétrolier. Sans mesurer vraiment la portée de ces travaux, il fit recopier bêtement par ses services les conclusions des études les plus célèbres, celles du Club de Rome en 1972, qui démontraient l'effondrement de notre modèle de développement basé sur le pétrole avant 2100, quel que soit le scénario choisi. Et celle du géophysicien Marion King Hubert dans les années 1940, qui démontrait que la courbe de production du pétrole suivait une courbe en cloche, passait par un maximum, puis déclinait inexorablement. Delâtre n'était pas un scientifique. Comme tout le monde, il avait fait Sciences Po et était devenu une machine à produire du rapport administratif. Il était capable de générer douze pages de développement cohérentes à partir d'une simple phrase du ministre. Il savait pertinemment que plus les mémoires qu'il produisait étaient longs, ennuyeux et truffés de langues de bois administratives, moins il y avait de chances qu'un journaliste ou un militant puisse y trouver de quoi le contester. Il n'hésitait pas à multiplier les références à des travaux difficilement accessibles, à citer des scientifiques connus ou inconnus. Il lui est même arrivé, quelquefois, d'inventer le nom d'un philosophe ou d'un penseur et de lui attribuer une de ses propres citations, sans bien sûr que quiconque ne s'en aperçoive. Dans le cas précis du rapport qui a permis de justifier l'acceptation du pôle hydrogène, les erreurs de raisonnement scientifique étaient manifestes et les paradoxes nombreux. Ainsi, considérer l'hydrogène comme une alternative au pétrole était une erreur commune. L'hydrogène n'existant pas à l'état naturel, sa production elle-même nécessite de l'énergie, au contraire du pétrole qui peut être directement extrait du sous-sol. Autrement dit, pour utiliser l'hydrogène comme carburant, il fallait d'abord dépenser du pétrole ou du gaz, ce qui ne réglait pas la question de l'épuisement de ces ressources. Par ailleurs, les conclusions du club de Rome remettaient en cause le principe même de recherche de croissance perpétuelle, alors que dans son rapport, de insistait sur les retombées économiques du pôle H sur le développement de la région. Il y avait comme cela une dizaine de grossiers contresens, d'approximations pseudo-scientifiques et d'affirmations péremptoires dans ce rapport et dans les autres. Qui aurait mérité un examen approfondi et un minimum de débats contradictoires, compte tenu des sommes d'argent public qui étaient en jeu. Au lieu de cela, seules quelques personnes, une trentaine peut-être, eurent accès aux documents, et parmi elles, très peu les lurent intégralement. Les journalistes politiques n'avaient eux-mêmes aucune connaissance scientifique leur permettant de contester le contenu de ces rapports, et leurs confrères des revues scientifiques avaient autre chose à faire que de s'intéresser à la politique. Les citoyens, eux, pourtant directement concernés par le financement du projet par leurs impôts, n'eurent pour la plupart jamais connaissance de l'existence même de tels rapports. Seul un militant écologiste isolé, habitant dans la région tenue par François Pernier, avait suivi le dossier Paul H dès les premières allusions aux séances du Conseil régional, auxquelles il assistait en tant que spectateur. Nicolas Verdier s'était en effet procuré le cahier des charges du projet et le rapport d'acceptation du ministère. Il les avait décortiqués, analysés, critiqués. Farouchement opposé au concept de voiture individuelle, ce projet ne lui plaisait évidemment pas. Dès la parution du rapport, il avait alerté les journaux locaux et avait tenté de mettre en place, sans succès, une association anti-pôle H pour défendre les intérêts des cyclistes et proposer un contre-projet de développement des pistes cyclables et des transports en commun. Il a ensuite participé à toutes les réunions publiques. Et conférences de presse organisées par le pôle de compétitivité, dans le but d'attirer l'attention sur le risque majeur, selon lui, de la prolifération des véhicules à hydrogène, l'explosion. Paul H de Jérôme Vuitenay, chapitre 16. Frédéric devait se rendre à l'évidence. Sa relation avec Élodie, la fille des RH, était au point mort. Il avait passé le réveillon de la nouvelle année en famille, et ses parents lui avaient une nouvelle fois mis la pression concernant sa vie sentimentale, en lui souhaitant de trouver l'âme-sœur en 2005, et surtout la santé, car la leur était chancelante. Habituellement, il se moquait de ses recommandations, mais sa rencontre avec Élodie et la perspective de voir ses parents mourir avant qu'il ne pût fonder une famille l'angoissèrent suffisamment pour qu'il prenne pour la première fois de bonnes résolutions. Un mois. C'était le délai qu'il s'était donné pour déclarer sa flamme à cette fille qu'il ne faisait que croiser dans les couloirs depuis septembre, sans jamais oser l'aborder. Il regrettait profondément de ne pas l'avoir fait dans la pizzeria la dernière fois qu'il s'était trouvé en tête-à-tête -tête avec elle. Janvier se terminait, et l'occasion ne s'était toujours pas présentée. Il arrivait plus tôt au bureau, repartait plus tard, essayait de maximiser les chances de la rencontrer par hasard, en se calquant sur ses horaires, mais le sort s'acharnait contre lui. Elle s'est même absentée une semaine pour suivre une formation à Paris. Il la crut définitivement partie, mais, constatant de lui-même un soir, quand tout le monde fut parti depuis longtemps, qu'elle avait laissé quelques affaires dans son bureau, il fut rassuré. Il était 19h15, le vendredi 28 janvier. Frédéric se morfondait en scrutant son écran. Seul dans son bureau et parmi les derniers à occuper le bâtiment administratif, il avait prétexté à Sébastien des recherches sur la pile à combustible pour expliquer le fait qu'il restait encore un peu. La voiture d'Élodie, une Volkswagen Golf qu'il avait repérée depuis longtemps, était toujours sur le parking des employés. Il avait garé la sienne à côté dans l'espoir de partir en même temps qu'elle et d'engager la conversation sur le parking. L'attente était insupportable et s'était terminée tous les jours précédents par un échec patent soit il était encore dans son bureau au moment où elle entrait dans la voiture, soit au contraire, il avait trop anticipé son départ et se retrouvait seul sur le parking. Pour faire semblant de se détendre, il avait ouvert le jeu des mineurs sur son écran mais entre chaque clic, il donnait un coup d'œil nerveux à l'extérieur, et parfois se levait pour mieux examiner les portes de sortie du bâtiment. Son blouson était à portée de main, prêt à être enfilé dans sa course vers l'escalier dont le départ serait donné par la vision de la silhouette de la fille dans l'entrebâillement d'une porte. Jean Clément Charles fit irruption dans son bureau, l'air bourru. Ah. Mais vous êtes là, vous? dit il sèchement. Frédéric se redressa d'un coup et cliqua plusieurs fois dans le vide sans parvenir à fermer la fenêtre de son jeu. Le PDG poursuivit. Je croyais que vous aviez encore oublié la lumière en partant. Vous travaillez sur quoi à cette heure? La... la pile à combustible. Ah, c'est bien, et ça avance Je oui, c'est compliqué, mais vous me ferez un rapport. J'ai besoin d'avoir une vue d'ensemble. Oui, bien sûr, c'est justement ce que j'étais en train de faire, mentit-il. D'accord, on en reparle lundi. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant. J'y veillerai. Et il ferma la porte. Frédéric scruta son écran quelques secondes sans pouvoir bouger, puis courut à la fenêtre. Élodie était en train d'ouvrir sa portière. Il prit son blouson et sauta jusqu'à la porte qu'il ouvrit violemment. Jean Clément Charles, qui était à quelques mètres de là, au bout du couloir, devant l'ascenseur ouvert, se retourna et le dévisagea. Ah. Vous partez, finalement? Vous descendez avec moi? Non, c'est inutile, j'ai j'ai oublié un truc, ne m'attendez pas. Les portes de l'ascenseur se refermèrent doucement, pendant que Frédéric fit semblant de revenir à son bureau, il jeta à nouveau un œil inquiet au parking, persuadé de ne plus y voir la Golf. Au contraire, la voiture était toujours là, mais pas la fille. Il la chercha sur tout le parking, en vain. Il vit sortir du bâtiment Jean-Clément Charles, qui eut un regard dans sa direction. Il se baissa d'un coup pour ne pas être aperçu à la fenêtre de son bureau. Accroupi sous la tablette de fenêtre, Frédéric réfléchit dans le silence à peine troublé par le ronronnement de sa machine encore allumée. Le téléphone sonna, il sursauta. Il s'attendit à entendre la voix de Charles vérifiant depuis le parking s'il était normal de voir la lumière encore allumée, mais c'était Élodie. Allô Oui, c'est Frédéric. Ah, salut Fred. Elle ne l'avait encore jamais appelé par son diminutif. Bêtement, il se demanda comment elle le connaissait et cela le fit sourire. Salut. Excuse-moi de te déranger, je ne m'attendais pas à te trouver encore ici. Il n'y a plus personne et je suis coincé avec mon ordinateur. Ton ordinateur Enfin, je dois commander un billet de train pour ma formation de la semaine prochaine et le site de la SNCF refuse de m'imprimer billet. Ta formation de la semaine prochaine Tu as deux minutes Oui, bien sûr. Quelques secondes plus tard, Frédéric entrait en trombe dans le bureau de sa collègue, toujours vêtu de son blouson. Je suis désolé, tu partais Non, non, je, je garde mon blouson dans le bureau parce qu'il fait un peu frais. Tu es sûr que je ne te dérange pas Tu parles. Il s'approcha d'elle et se posta debout à côté de son siège. Je dois commander ce billet avec la carte bancaire du service et je ne voulais pas la prendre avec moi ce week-end puisque je ne suis pas là la semaine prochaine. Et ce satané site ne répond pas. Je clique sur imprimer et il ne se passe rien, regarde. Elle prit la souris pour cliquer sur le bouton imprimé qu'elle montra à l'écran de son autre main. Mais Frédéric était hypnotisé par ses doigts fins qui entouraient le dispositif de pointage et ne regardait même pas l'image. Tu as vu Oui. Il s'accroupit pour être à son niveau, et ce mouvement fit sortir une bouffée d'air rance de son blouson. Sa course dans l'escalier, et le stress avaient eu raison de son déodorant. Il parla vite, comme pour masquer l'odeur fétide au nez délicat de son interlocutrice. Le site Voyage SNCF est connu pour ses nombreux dysfonctionnements. Certains disent que les guichetiers l'ont programmé eux mêmes pour s'assurer que les gens viendraient toujours faire la queue en gare et ainsi sauvegarder leur emploi. On pourrait le croire, en effet. Frédéric aperçut une petite icône clignotante dans la barre d'état du navigateur et comprit immédiatement le problème. Savourant cette future réussite, il imagina un stratagème osé en faisant semblant de chercher ailleurs et en cliquant bêtement sur le bouton imprimé sans succès. Je crois que j'ai trouvé, finit-il par avouer. Ah bon, c'est quoi L'ennui, c'est que. Quoi Dis-moi, s'inquiéta Elodie. Cela va te coûter une séance de cinéma. Elle le regarda, incrédule. Il s'étonna lui-même de pouvoir garder son sang-froid en pareille situation. Il tourna la tête avec un regard malicieux, elle comprit le marché qu'il lui proposait, et esquissa un petit sourire gêné. D'accord, mais je ne suis pas là de la semaine. Samedi prochain? insista t-il. Va pour samedi, mais tu as intérêt à ce que ça marche, dit elle en le défiant. Il ouvrit les paramètres du navigateur, et ajouta le site Voyage SNCF dans la liste de ceux susceptibles d'ouvrir des fenêtres pop-up. Il cliqua ensuite à nouveau sur le bouton imprimé, et immédiatement une fenêtre s'ouvrit affichant le billet à imprimer. On dirait que ça marche, se réjouit il. Tu es trop fort, dit elle admirative. J'ai bien failli rentrer chez moi sans ce fichu billet, tellement j'étais énervé. Je sais, lâcha t-il sans se rendre compte. Elle ne releva pas, mais garda cette remarque dans un coin de son cerveau pour plus tard. L'imprimante commença d'éditer le billet. Frédéric se releva, en prenant soin de ne pas exhaler d'autres odeurs suspectes, il s'assura de la réussite de son opération en demandant confirmation. Alors à samedi Pour une séance ciné, précisa-t-elle. Je passe te prendre Je préfère qu'on se retrouve ici. À quelle heure 19h30. Ok. Bonne formation. Merci. Et il s'enfuit en courant dans le couloir, descendit les escaliers quatre à quatre jusqu'à son bureau, où il resta jusqu'à ce qu'Elodie parte. Il observa sa voiture s'éloigner, fier de lui. Il partit enfin en oubliant d'éteindre la lumière. Paul H de Jérôme Vitenay, chapitre 17. Mercredi 2 février 2005, conférence de presse à l'hôtel de région. Philippe de Mestre, le directeur de la communication de Automobiles Composants, affichait un sourire de circonstance mais sa vie était devenue un véritable enfer. Depuis le départ de sa femme, en septembre, il avait emménagé dans une garçonnière en centre ville et avait retrouvé la liberté grisante du célibataire endurci. Plus besoin de se cacher pour entretenir ses liaisons extra -conjugales. plus de corvée familiale qui l'empêchait de profiter d'un week-end semi professionnel offert par un fournisseur dans une station de ski huppé plus besoin de rouler en monospace de papy, sur le papier, tout aurait dû être plus facile depuis son divorce. Mais étrangement, les femmes qui lui tombaient dans les bras jusqu'à l'été dernier se méfiaient maintenant d'un homme qui avait sabordé sa famille sans état d'âme. D'autres devenaient plus exigeantes. Sachant qu'il était disponible, elles envisageaient le mariage, une nouvelle vie de couple, et il lui était impossible de seulement le concevoir. Depuis que la communication autour du projet de véhicule à hydrogène lui avait été confiée, il avait des horaires impossibles. Les tâches secondaires qu'il laissait volontiers à son ex épouse, les courses, le ménage, la lessive, prenaient maintenant du retard. Parfois il se rendait compte en rentrant chez lui que le réfrigérateur était vide et les magasins fermés, ou qu'il n'avait aucune chemise propre pour le lendemain. Son salaire pourtant confortable de directeur, mais amputé de la pension qu'il devait maintenant verser à son ex femme, ne lui permettait pas d'engager une femme de ménage. Demestre refusait malgré tout de sacrifier son train de vie et sa manière d'être. Il continuait de porter, en toute saison, des verres fumés dans les cheveux et des vêtements de marque, un stylo Mont blanc dans la poche intérieure de sa veste Hugo Boss et une montre IWC qui coûtait aussi cher qu'une voiture. Un accoutrement bien peu pratique quand il devait pousser son vulgaire caddie contenant du papier toilette et des plats cuisinés surgelés. Il s'arrangeait d'ailleurs pour faire ses courses dans un centre commercial éloigné où il ne risquait pas de tomber sur quelqu'un qu'il connaissait. Il entra dans la salle de réunion et salua d'une poignée de main chaleureuse les journalistes et invités à la conférence de presse. S'il avait croisé les mêmes personnes dans la rue, il aurait sans doute détourné le regard, mais aujourd'hui, il avait besoin d'eux et de leur complaisance. Le pôle de compétitivité hydrogène prenait officiellement naissance ce jour et il fallait attirer l'attention du grand public et des industriels sur l'événement. De grands visuels avaient été conçus et dressés sur des kakemonos au design moderne et coloré. Des éléments de langage avaient été distribués à toutes les personnes susceptibles d'être interrogées par les journalistes. Tout le monde devait parler d'une seule voix et répandre la communication officielle comme s'il s'agissait de quelque chose de naturel et d'évident. Une maquette de voiture futuriste à l'échelle un 25e, arborant le logo d'Automobile Composant, trônait sur un piédestal en verre, entouré d'un décor de verdure qui évoquait la propreté et le bien-être. Nicolas Verdier, le militant écologiste, avait réussi à se procurer une invitation et il examinait la maquette en soupirant, en attendant l'arrivée des personnalités qui, bien entendu, se faisaient attendre. Quand elles entrèrent enfin, tout le monde prit place sur les chaises et attendit la première prise de parole. Ce fut le discours de François Pernier, président de région, qui exprima sa fierté de participer au lancement du projet et insista particulièrement sur les retombées économiques et donc l'emploi d'un tel pôle de compétitivité pour la région. Il laissa place à Jean Clément Charles, qui tint un discours beaucoup plus technique et expliqua les enjeux industriels du projet. Enfin, le doyen de l'université détailla à son tour la participation des laboratoires et des étudiants dans le pôle hydrogène mais déjà plus personne n'écoutait ce qu'il disait. Bien qu'un dossier de presse complet eût été remis à l'ensemble des participants, une séance de questions réponses figurait à l'ordre du jour de la conférence. Les journalistes principalement eurent l'occasion de faire préciser aux différents intervenants un certain nombre de chiffres. Pour écrire leurs articles, il devait en effet mettre en avant des chiffres de toutes sortes. Nombre d'emplois créés, durée du projet, performance de la future voiture. On devinait, à travers ces questions, la rubrique encadrée, le pôle hydrogène en chiffres, qui ne manquerait pas de figurer dans toute la presse régionale du lendemain. Nicolas Verdier rongeait son frein en entendant les discours convenus et les questions consensuelles des journalistes puis on lui donna enfin la parole, alors qu'il agitait la main au dessus de sa tête depuis le début de la séance de questions réponses. Il commença à parler, mais fut aussitôt interrompu par le directeur de la communication, qui faisait semblant de prendre note de toutes les questions. Pardon, je n'ai pas bien compris votre nom. Nicolas Verdier. Pour quel journal? Non, je suis un écologiste de l'association Ah. Très bien. Je vois que notre véhicule propre intéresse déjà les militants écologistes, interrompit à nouveau le Dircom, en se moquant intérieurement de l'allure de son interlocuteur, qui, malgré le froid, portait un simple T-shirt où il était écrit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Pas du tout, au contraire, s'agassa le militant. La voiture individuelle n'a jamais été une solution écologique, et la voiture à hydrogène encore moins. « Quelle est votre question, monsieur ?» reprit le directeur, comme si Verdier faisait perdre du temps à tout le monde. « Je voulais savoir si, depuis le 6 mai 1937... Date à laquelle le Zeppelin Hindenburg s'est enflammé, la science a réussi à faire en sorte que l'hydrogène ne soit plus ce dangereux explosif que personne de sensé n'oserait mettre dans un réservoir de voiture. Les journalistes, amusés, se tournèrent vers Jean-Clément Charles et son directeur de la communication qui était plus particulièrement visé par les questions techniques. Ceux-ci se concertèrent un instant pour savoir qui prendrait la parole. Ce fut le PDG lui-même qui répondit. Vous n'êtes pas sans savoir que l'essence est elle-même extrêmement inflammable et que cela ne nous empêche pas d'avoir des millions de véhicules qui circulent avec ce carburant sans exploser à chaque coin de rue. Par ailleurs, je tiens à rappeler que tout véhicule qui est mis sur le marché subit un certain nombre de tests et doit être homologué par les ingénieurs de l'industrie et des mines en suivant un cahier des charges strict et exigeant. Autrement dit, s'il y a le plus petit risque d'explosion de notre véhicule, il ne sera jamais mis sur le marché, et vous n'avez donc rien à craindre. Mais je suis confiant. Des prototypes ont déjà été conçus et ont fait leur preuve, et nous avons un savoir-faire important en matière de réservoirs à carburant, puisque je rappelle que nous fournissons déjà les constructeurs français. Nicolas Verdier s'apprêta à répondre, mais le directeur de la communication, tout en faisant un geste apaisant de la main en sa direction, donna la parole à un autre journaliste. La conférence de presse touchait maintenant à sa fin, et des bruits de bouteilles qui s'entrechoquaient se faisaient entendre à la porte. Le vin d'honneur qui suivait la réunion était théoriquement l'occasion d'approfondir les questions qui avaient été éludées pendant la séance. Mais le plus souvent, cela tournait au pugilat pour l'accès au petit four. Élus et journalistes qui enchaînaient ce type de rendez vous dans la journée, sans parfois prendre le temps de se restaurer, étaient les premiers à prendre d'assaut les plats de toast. Il s'agissait de manger vite, tout en essayant, pour les journalistes, d'obtenir une photo originale avec un responsable en gros plan devant une maquette. De leur côté, les élus devaient se restaurer rapidement tout en essayant d'obtenir un article sur leur rôle particulier et, si possible, prépondérant dans le projet. Voyant qu'ils ne pouvaient accéder ni au petit four ni aux personnalités pour leur poser d'autres questions dérangeantes, Nicolas Verdier enfourcha son vélo et pédala comme un forcené jusqu'à son domicile, où il avala sans appétit une salade bio de son jardin. Le lendemain, il pesta en voyant dans la presse que son intervention n'avait pas été relevée par les professionnels de l'information. Chapitre 18. Frédéric ne tenait plus en place. Il avait passé son samedi à faire du rangement dans l'appartement, puis avait pris une longue douche en se frottant deux fois plus fort que d'habitude, comme s'il voulait paraître deux fois plus propre. Il chercha une chemise correcte, qu'il repassa maladroitement avec un fer froid, en panne depuis plusieurs mois. Il tenta d'imprégner un mouvement dans ses cheveux rétifs en forçant sur le gel fixant. Il regarda une dernière fois dans le miroir. Il ne ressemblait à rien, mais il était l'heure. Habituellement, il mettait entre sept et neuf minutes pour arriver en voiture sur le parking d'automobiles composants, mais cette fois, il partit avec trente minutes d'avance sur l'heure de son rendez-vous. Quand il vit la Golf déjà sur le parking et Élodie qui patientait assise sur l'aile avant gauche, il regarda nerveusement sa montre et l'horloge du tableau de bord pour s'assurer qu'il n'était pas officiellement en retard. Il essaya de se persuader du fait que si elle était déjà là, c'est qu'elle était impatiente de le retrouver mais un coup d'œil sur ses propres cheveux dans le rétroviseur le fit douter de cette éventualité. Il se demanda alors si elle n'allait pas tout simplement décliner l'invitation pour sortir avec un autre homme, rencontré peut-être pendant sa semaine de formation. Un peu paniqué, il gara sa voiture de travers, entre deux places tracées au sol, mais le parking était désert si ce n'étaient les voitures de service qui restaient là tout le week-end. Il sortit rapidement de son véhicule en prenant un air assuré, et lui lança en souriant. Tu es en avance? Oui, je ne me souvenais plus de l'heure qu'on avait fixée. Il s'approcha et l'embrassa sur les joues. Elles étaient brûlantes. Il se concentra pour ne pas laisser ses yeux dériver vers ses jambes, qu'une jupe courte laissait deviner en dessous de ses collants anthracites. Ça va? Et toi? Et cette semaine de formation, c'était bien? Tu parles, une perte de temps. Comme d'habitude, mais c'est l'occasion de rencontrer d'autres gens. Les mains dans les poches postées en face d'elle, Frédéric piétinait en se tenant exagérément droit et en souriant ostensiblement. Il n'avait aucune idée de la façon dont il devait continuer cette discussion. Tu en es contente de ta voiture? Elle fut surprise de sa question, mais y répondit sans réfléchir. Elle fonctionne. Les voitures allemandes. Un nouveau blanc s'installa dans la conversation, chacun cherchant une façon d'en sortir sans être ridicule. Et toi, cette semaine? demanda Elodie. La routine, il y a eu la conférence de presse, tu en as entendu parler? J'ai lu mes mails. Il se souvint soudain de l'occasion qui lui avait permis de gagner cette soirée avec elle, et s'en servit pour relancer la discussion. Et ton billet de train il était bien valide? « Merci encore de ton aide. J'étais un peu désespéré, j'ai dû te paraître bien emprunté. »« Mais pas du tout. Et puis, tu sais, il y a bien des situations où je ne suis pas très dégourdi, moi non plus. »« Ah bon, lesquelles ?»« Euh, la cuisine, la pêche à la ligne. »« La pêche à la ligne » répéta-t-elle en riant. « Mon père a essayé de me convertir, mais... »« Je ne risque pas de te dépanner à mon tour dans cette situation. »« Mais tu ne me dois rien ?» Rien qu'une séance de ciné, ajouta-t-elle en souriant. Voilà. D'ailleurs, on y va Je te suis. On prend ma voiture Je te ramènerai ici Si tu veux. Il l'accompagna jusqu'à sa portière, qu'il lui ouvrit avec une galanterie à peine forcée. En faisant le tour de sa voiture pour rejoindre la place du conducteur, il serra son poing contre lui en signe de victoire sur lui-même. Il ignorait qu'elle l'observait, amusée, dans le rétroviseur passager il s'installa au volant démarra et sortit du parking on va voir quoi demanda-t-elle je te propose le château ambulant de miyazaki il vient de sortir connais pas tu ne connais pas le château ambulant yamakazi miyazaki tu ne connais pas miyazaki non c'est grave non non bien sûr c'est juste surprenant il y a des acteurs connus? C'est c'est un dessin animé, dit il en s'enfonçant dans son siège. Soudain il se demanda s'il avait fait le bon choix de film. Ah. Mais on peut changer si tu veux. Je peux regarder si. Non, non, c'est ta séance de ciné, c'est toi qui choisis. Je n'avais qu'à savoir imprimer mon billet toute seule, après tout. Il essaya d'analyser, dans le ton de sa voix, s'il y avait une pointe d'ironie ou de second degré dans cette phrase, mais il ne le perçut pas clairement. Il envisagea avec crainte la possibilité que cette soirée soit sans lendemain, juste à cause d'un mauvais choix de film. Il réfléchissait en silence à cette éventualité quand elle lui demanda. Tu passes par où? Ne t'inquiète pas, je sais où je vais. Je ne m'inquiète pas, mais je ne savais pas qu'il y avait un cinéma par là. Il perdit encore quelques centimètres en tassant la tête dans ses épaules. Les choses ne se passaient pas du tout comme il l'avait prévu. Il se gara au bord d'une rue et éteignit le moteur. C'est là dit-elle en cherchant une enseigne de cinéma. C'est chez moi. Tu as oublié de prendre quelque chose Il ne répondit pas tout de suite et vit dans le regard d'Elodie comme un début d'appréhension. Il n'avait pas imaginé une seconde qu'il aurait à gérer ce genre de situation. On va le regarder chez moi, le film, avoua t-il. Je l'ai téléchargé. Chez toi? s'étonna t-elle? De toute façon, il ne passe nulle part par ici. Mais tu veux dire qu'on va le regarder sur ta télé? Sur mon home cinéma, oui. Mais si tu veux, on va dans un vrai ciné et on. Non, non, c'est bon, on fait comme tu as prévu. C'est juste que. Que? À un moment, j'ai cru m'être trompé de, de. De personne, compléta-t-elle avec une lueur triste dans le regard. Désarmé, il ne savait plus quoi faire. Les mains posées sur le volant, fixant le pare-brise, il cherchait une porte de secours. Voyant l'embarras qu'elle lui causait, elle se reprit et chassa les mauvaises pensées de son esprit. Allez, on y va, demanda-t-elle soudainement en jouet. Ils sortirent de la voiture. Et il lui montra la fenêtre de son appartement au deuxième étage, comme pour la rassurer si elle devait tout à coup fuir en se défenestrant. En déverrouillant la porte de son appartement, il pensa au scénario idéal qu'il avait imaginé. Elle s'installe dans le sofa en retirant son blouson. Il lui prépare un cocktail sucré à base de nectar de banane et de sirop de goyave. Petit à petit, pendant le film, ils se rapprochent, leurs mains se touchent, il l'enlace puis l'embrasse. Elle se laisse faire. Pendant qu'il ouvrait la porte, un balai tomba juste devant eux, entraînant avec lui la brosse à dans un grand fracas qui le tira de sa rêverie. Il remit tout en place rapidement derrière le porte-manteau et invita Elodie à s'asseoir dans le sofa. C'est sympa chez toi, commença-t-elle, en s'étonnant de ne pas voir le téléviseur. C'est grand Non, c'est un deux pièces, cria-t-il depuis la kitchenette où il était en train de rater ses cocktails fruités. Elle se leva pour se donner une contenance. Et examina la vue. Il n'y a pas trop de circulation Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je veux dire, je m'en fous, je l'entends pas. Il lui proposa un verre. Il collait un peu parce que du sirop de Goyave avait coulé le long de la paroi, mais elle fit semblant de ne pas le remarquer, et s'essuya dans son mouchoir discrètement. Tu as faim s'inquiéta-t-il. Pas plus que ça, répondit-elle poliment. Je vais chercher des chips. Elle sourit en secouant imperceptiblement la tête. L'univers de cet homme qu'elle découvrait était incroyablement différent du sien, et de tout ce qu'elle avait connu jusque là. C'était à la fois déroutant et agréable, car si elle était ici aujourd'hui, c'était précisément pour ne pas revivre ce qu'elle avait déjà vécu avec d'autres. Frédéric revint avec des chips dans un saladier qu'il lui tendit. Merci. On va regarder le film sur ton ordinateur? dit elle en montrant le PC dont le bruit du ventilateur cassait le silence de la pièce. Tu plaisantes, répondit il. Mais elle ne voyait toujours pas de téléviseur. Elle imagina qu'il pouvait être caché dans un placard ou sur un meuble à roulettes. On va dans la chambre? proposa Frédéric sans réfléchir. Dans la. pour regarder le film sur ma grosse télé. Elle est dans ta chambre? Il marqua le pas, se rendant compte qu'il venait de demander à une jeune fille d'entrer dans sa chambre, il se mit à sa place. Elle s'attendait d'abord à aller au cinéma, comme tout le monde, puis éventuellement à faire une concession pour regarder le film dans son salon, mais sa proposition était encore plus inacceptable. Dès le premier rendez-vous, il allait tout simplement la mettre dans son lit. Il tenta de la rassurer. Mon lit est très confortable. Je n'en doute pas, plaisanta-t-elle, maintenant qu'elle avait compris que Fred n'avait aucune arrière-pensée. Elle se surprit même à se sentir en totale sécurité avec lui, malgré toutes ses manières originales et ses propositions qui, dans une autre bouche que la sienne, auraient frisé l'indécence. Elle s'installa sur le lit, et piocha une poignée de chips dans le saladier. Elle sirota son cocktail, qu'elle trouva excellent, et observa son hôte s'animer autour d'elle. Il brancha quelques câbles et s'affaira sur son ordinateur qui était dans l'autre pièce. L'écran plasma de cent sept cm se dressait au pied du lit. Il était entouré de plusieurs haut-parleurs qui étaient reliés à un ampli 5.1. Mais Elodie ne comprit cette dénomination que plus tard, quand Frédéric lui expliqua. Elle fouilla la chambre du regard, curieuse. Une figurine de Super Mario Bros trônait sur une étagère. Elle reconnaissait le personnage de jeu vidéo parce que son cousin de huit ans avait une console de jeu portable Nintendo. Des jouets Kinder traînaient un peu partout sur des piles de romans de science-fiction qu'elle n'avait jamais vus dans aucune bibliothèque. Elle s'empara de l'un d'eux qui était à sa portée et fut surprise de voir qu'il était écrit en anglais. Elle le reposa aussitôt, comme apeurée. Je l'ai trouvé en version originale sous-titrée, cria-t-il de l'autre pièce. Le livre Non, le film. Il est en Vostef, dit-il en passant la tête dans l'encadrement de la porte. Et c'est bien interrogea-t-elle complètement perdue. Oui, parce que les voix françaises, merci bien. Il y en a des jolies. Ce n'est pas la question, mais la traduction est imparfaite et on perd les intonations de voix originale. C'est comme Star Wars. Quoi Star Wars Tu connais Star Wars. Euh, la guerre des étoiles. Bien sûr que je connais. Tu me prends pour qui Tu l'as déjà vu en VO Je ne l'ai pas vu. Quel épisode tu n'as pas vu Je ne l'ai pas vu du tout. Je n'ai vu aucun épisode. Il y en a combien Deux C'est une double trilogie, affirma Frédéric. Lui aussi désarçonné par les différences de culture insoupçonnées qu'il se découvrait avec Élodie. Il retourna sur son ordinateur et un fond d'écran apparut sur le téléviseur. Ça marche, lança Élodie pour rendre service. Attends, pas tout à fait. Si si, affirma-t-elle. Par acquis de conscience, il vint regarder l'écran puis expliqua. Non, regarde, les icônes sont toutes écrasées. Je ne suis pas dans la bonne résolution. Ils ne sont pas écrasés, dit-elle en reprenant des chips. Tu ne vois pas? montra t-il à l'écran. Elle le laissa gérer ses problèmes de résolution, et continua d'espionner la chambre. Elle vit une calculatrice étrange sur la table de nuit, et la prit dans ses mains pour l'allumer. Machinalement, elle fit un calcul simple pour l'essayer, mais l'écran afficha des messages incompréhensibles. Elle ne marche pas, ta calculatrice? Après une seconde de silence, la tête du propriétaire des lieux passa à nouveau dans l'encadrement de la porte, étonnée, c'est une polonaise inverse, expliqua-t-il. Instinctivement, elle lâcha l'objet sur le couvre-lit. Une quoi Une calculatrice à notation polonaise inverse. Mais à quoi ça peut bien servir Ils ne comptent pas comme nous, les Polonais Ils n'ont pas de parenthèse. Les pauvres Ils n'en ont pas besoin. Cette notation permet de faire des calculs sans mettre de parenthèse. Ah, cette fois, c'est bon, dit-il en regardant à nouveau le téléviseur. Tu as désécrasé les icônes Voilà. Tu es prête, je lance le film. Elle rangea l'étrange calculatrice précautionneusement et s'installa correctement sur le lit. Frédéric accourut de l'autre pièce et s'assit à bonne distance d'elle pour ne pas risquer de lui faire peur à nouveau. Le logo enfantin des studios Ghibli apparut, puis le bruit d'une machine gigantesque dans les hauts-parleurs fit plisser les yeux d'Elodie. Tu veux qu'on baisse le son S'il te plaît, oui. Attends. Il sauta du lit pour rejoindre l'ordinateur, modifia le volume, puis relança la vidéo depuis le début. Tu ne peux pas le faire avec la télécommande? demanda t-elle innocemment. C'est mieux de le faire depuis la source, répondit-il. Ah. Le film commença, et pendant quelques dizaines de secondes, tout se déroula comme prévu. Puis, les images colorées laissèrent place à un spectacle d'un tout autre genre, et la bande son correspondante déferla dans les enceintes. C'était un film pornographique parmi les pires du genre, avec gros plans et performances d'acteurs hors normes, qui défilaient maintenant sous les yeux incrédules d'Elodie. Frédéric avait déjà rejoint l'ordinateur et tentait de mettre fin au naufrage de sa soirée, mais son lecteur vidéo était planté, et il lui fallut près d'une minute pour que le fond d'écran réapparût. Soixante secondes pendant lesquelles Elodie est restée médusée devant l'écran. C'est un fake, expliqua Frédéric. Mais voyant qu'elle ne comprenait pas, il explicita C'est une contrefaçon qui a été fabriquée par des petits malins et qui a été partagée sur Internet. Je me suis fait avoir. Et ça arrive souvent Parfois, surtout pour les films qui viennent de sortir. Je suis désolé, je ne voulais pas t'imposer ça. Il osait à peine la regarder en face, en repensant aux images incroyables qu'il l'avait obligée à visionner. Il secouait la tête en faisant des allers-retours entre son ordinateur et la chambre. Pendant qu'Élodie se demandait quelle attitude adopter, jusqu'ici elle avait fait des efforts pour comprendre et suivre Frédéric, mais ces images salaces avaient eu l'effet d'une douche froide. Le sentiment de sécurité et de bien-être qui commençait à s'installer s'était évanoui d'un coup, et c'est la fébrilité et le désarroi qui la gagnaient maintenant. Je voudrais rentrer, murmura-t-elle. Pardon Tu peux me raccompagner à ma voiture, s'il te plaît Bien sûr, tout de suite, répondit il comme on rassure un malade avant de l'emmener aux urgences. Il lui tendit son blouson et prit le sien. Puis ils descendirent sans un mot et s'assirent dans la voiture. Un silence glacial envahissait l'habitacle, mais ni l'un ni l'autre n'avaient véritablement conscience de ce qui venait de se produire. Ce n'était juste pas le moment d'en parler. Sept minutes plus tard, ils étaient sur le parking de leur entreprise, sous les lampadaires oranges qui projetaient des ombres prononcées sous leurs yeux tristes. Je suis sincèrement désolé, s'excusa encore Frédéric. Ce n'est pas ta faute, Fred. C'est aussi un peu de la mienne. Ils se quittèrent sans qu'il ne comprît le sens de cette dernière phrase. Insinuait-elle qu'elle n'aurait jamais dû accepter ce rendez-vous? de Jérôme chapitre 19. Dans sa chambre d'hôtel déprimante, Victor Lott se tournait en rond à six heures du matin. Le matelas défoncé, le bruit des douches des chambres voisines et des passages intempestifs dans le couloir juste devant sa chambre l'avaient réveillé bien avant la sonnerie de son portable. Depuis, il le consultait nerveusement toutes les cinq minutes environ. La veille au soir, il avait regardé sur son ordinateur un film qu'il avait téléchargé sur Internet. Un thriller comme il les aimait habituellement, mais celui-ci l'avait empêché de dormir, sans raison apparente. En fait, il dormait mal depuis l'appel de Jean Clément Charles trois semaines auparavant. Ce dernier lui avait commandé une prestation de formation pour le personnel technique d'automobiles composants concernés par le pôle de compétitivité, mais sa commande était si précise et le ton de sa voix si autoritaire que l'hôte se mettait à douter de sa propre méthode. Il lui arrivait parfois de se demander si la méthode Power était réellement applicable dans le monde industriel. À vrai dire, il n'avait jamais vu aucun résultat concret, aucune expérimentation sérieuse de cette théorie managériale. Elle ne tenait debout que par la force du charabia moderne qui l'enrobait et par la crise d'identité profonde que traversaient les cadres dans les entreprises. Alors que les universités débordaient de jeunes diplômés surqualifiés qui ne trouvaient pas d'emploi, les cadres seniors, qui n'avaient souvent que le baccalauréat en poche, devaient faire leur preuve chaque jour devant des subalternes de moins en moins malléables et de plus en plus compétents. Toute technique de management qui permettait de masquer les difficultés du personnel encadrant était la bienvenue. Mais Lodz craignait qu'un projet de l'envergure du pôle hydrogène mette au jour les limites pratiques de la méthode. Si les agents du conseil régional et les employés d'automobiles composants en venaient à se rendre compte de la supercherie, S'en était fini de sa carrière de consultant, et la perspective de devoir retrouver un job de commercial le hantait chaque nuit. Il devait former cinquante employés d'automobiles composants en quatre jours, à partir d'aujourd'hui, principalement dans les ateliers. Pour éviter des allers-retours coûteux et fatigants en voiture, il avait pris cette chambre d'hôtel pour quatre nuits. Le petit déjeuner était servi collectivement dans le hall à partir de sept heures. Il engloutit cinq croissants de boulangerie industrielle qu'il trempa dans un café médiocre, les yeux hagards, ignorant simplement l'existence des autres pensionnaires, majoritairement des hommes, quarantenaires, portant un costume sombre et une cravate. Certains lisaient le journal pendant que d'autres consultaient leur téléphone. Victor, dans un éclair de lucidité entre deux viennoiseries, pensa que tous ces gens allaient sans doute créer de la valeur, aujourd'hui, décrocher des contrats. Réaliser des interventions techniques complexes. Lui seul contribuerait à ralentir la production, en compliquant inutilement des processus simples, en plaquant des termes abscons sur des réflexions de bon sens. Puis il croisa le regard d'un autre pensionnaire de l'hôtel, comme lui, les traits tirés, le visage trahissant un manque de confiance en soi. Victor se redressa et réajusta sa cravate il reprit instantanément la posture de l'homme d'affaires déterminé et talentueux qu'il devait afficher pendant quatre jours. Il avala le reste de son café tout en se levant, et monta chercher ses affaires dans sa chambre. Il se présenta à l'accueil d'automobiles composant quelques minutes avant le début de la formation. En patientant dans le hall, il aperçut le planning de la salle de réunion André Citroën où il avait rendez-vous, et s'assura qu'elle était bien réservée pour les quatre jours suivants. Jean Clément Charles descendit pour l'accueillir, les deux hommes ne s'étaient encore jamais rencontrés. Le PDG n'eut aucun mal à dominer l'entretien avec Victor Lodz, qui mesurait une dizaine de centimètres de moins que lui, et affichait un sourire crispé qui exprimait son angoisse. Tout en le conduisant jusqu'à la salle de réunion, Charles le mit mal à l'aise à plusieurs reprises, en posant des questions précises sur le déroulement de la formation, les objectifs de la méthode et ses applications concrètes dans l'industrie. Lodz répondit évasivement, confus et brouillon. Il inventa une expérimentation américaine chez un constructeur automobile à Détroit, qui avait débouché sur la conception d'un modèle très innovant dont le nom lui échappait pour l'instant. Il promit de lui retrouver très prochainement, mais oublia sa promesse dès que le PDG eut tourné le dos. Il faisait maintenant face à douze employés des usines d'automobiles composants, dont deux chefs d'atelier et Gravard, le directeur de la fabrication. Il s'installa en souriant, sortit quelques documents de sa pochette, son ordinateur portable, et fit semblant d'examiner la configuration de la pièce, la lumière, le tableau blanc, l'écran pour projeter des images. Mais il détaillait en réalité les visages et les attitudes de ses élèves du jour. Il repéra sans mal, à leurs vêtements de qualité médiocre et à leur attitude désinvolte, les ouvriers travaillant à la chaîne de production et le directeur en train de dessiner des engrenages sur son calepin inoffensif. Le risque aujourd'hui venait des deux chefs d'atelier. Responsables de premier niveau, ils avaient le souci du travail bien fait et la pression de la production à assurer. Ils étaient les premiers à être touchés par un changement des méthodes de travail, et par conséquent généralement les plus vigilants et les plus critiques. Après s'être présenté brièvement, il commença le cours. Je viens donc vous présenter la méthode Power, qui a été inventée aux États Unis dans les années 90 par des spécialistes de l'approche processus et de la rationalisation du travail. Elle permet à la fois de réduire les coûts et les délais, tout en augmentant la qualité du service rendu et l'implication des employés. Elle est bien sûr particulièrement adaptée au monde industriel, où elle est aujourd'hui très utilisée un peu partout en Europe. Il avait adapté son introduction pour la circonstance en insistant sur les qualités industrielles de la méthode. Il nota rapidement la gêne d'un des deux chefs d'atelier, René Martinez, qui travaillait à l'atelier des réservoirs. Il s'agitait sur sa chaise et ne prenait aucune note, contrairement à tous les autres qui faisaient au moins semblant d'écrire sur leur calepin. Il secouait légèrement la tête en signe de désapprobation lorsque l'intervenant abordait les détails de la méthode, mais ne l'interrompait jamais pour poser une question ou expliquer son désaccord. Alors qu'il en était au E de Power, Lodz remarqua chez son contradicteur silencieux une contrariété encore plus palpable. Qui le poussa à l'interroger. Vous n'êtes pas convaincu, monsieur Martinez, chef d'atelier réservoir. Qu'est-ce qui vous chagrine, monsieur Martinez Votre méthode-là. Je ne suis pas sûr qu'on puisse l'appliquer ici. Et pourquoi cela Ben, déjà, on n'a pas le temps de remplir des paperasses on a la production à assurer et des tas de problèmes techniques à régler au quotidien. Si l'on prend une heure tous les jours pour remplir des fiches, on. Ben, on va travailler une heure de moins, fatalement. C'est une erreur commune, mais vous avez raison de soulever ce point, c'est important. Effectivement, pendant qu'on remplit des fiches, on ne fait pas de production, c'est indiscutable. Donc je ne vois pas bien comment mais aujourd'hui vous avez déjà des problèmes de production, des incidents, des pannes, qui nécessitent une réorganisation, un retour à votre hiérarchie, n'est ce pas? Au mot hiérarchie, Gravard leva les yeux de sa feuille, qui était presque entièrement griffonnée de dessins techniques sans rapport direct avec la formation. Oui, bien sûr, répondit Martinez, c'est notre quotidien. Et aujourd'hui, avez-vous le sentiment d'être entendu, de régler correctement ces problèmes qui se posent à vous? Martinez jeta un œil inquiet à son supérieur direct, qu'il regardait d'un air impassible. Ne vous en faites pas, monsieur Gravard, c'est ça? Lodz consulta l'affiche des participants qu'il avait sous les yeux. Monsieur Gravard ne vous en voudra pas. Nous sommes là pour nous dire des choses et pour avancer. Allez y, Martinez, confirma gentiment le directeur de la fabrication. Eh bien. Non, aujourd'hui on rafistole les machines, on répare comme on peut pour que la production reparte, mais sur le fond on ne règle rien. Pas plus tard que l'autre fois sur cette question des jauges. N'entrons pas dans les détails, s'il vous plaît, interrompit Lotz, restons dans le cas général. Vous confirmez donc que dans le fonctionnement actuel, vous perdez du temps à faire un retour à la hiérarchie qui n'est pas suivi d'effets probants, et donc la panne, où le problème revient parce que cela n'a pas été traité correctement à la racine. Oui, en quelque sorte, mais des fois il n'y a peut-être pas de solution, dit Martinez pour ne pas accabler son directeur, qui semblait découvrir que certains problèmes n'étaient pas résolus correctement dans ses ateliers. Eh bien moi je vous propose une méthode pour que ces problèmes soient vraiment résolus, consignés, notés, et que l'amélioration soit palpable. Je ne comprends pas comment ça fonctionne, avoua Martinez. C'est parce que vous ne voyez pas tout l'intérêt de cette fiche. Il exhiba un morceau de papier présentant un formulaire, somme toute assez banal, comme si c'était une formule magique connue de lui seul. Mais c'est normal. Je suis là pour vous en apprendre l'intérêt et le fonctionnement. J'ai vu des dizaines de chefs d'atelier qui, comme vous, à cet instant de la formation, ont douté de l'intérêt et du fonctionnement de la méthode. Aujourd'hui, ils utilisent tous le power et n'en changeraient pour rien au monde, exulta Lodz. René Martinez réfléchit un instant, faillit répondre, mais finalement se tut. Il n'avait aucun argument à opposer au formateur si sûr de lui. Lotz reprit le cours de sa formation, et veilla à ne plus donner la parole à Martinez, qui n'osa pas la prendre de lui-même. H de Jérôme Vuitenay, chapitre 20 Martine, la secrétaire de Paul Butte au conseil régional, était inquiète. Comme tous les mercredis, son fils de dix ans était seul à la maison. Pas d'école, pas de gardienne ou d'accueil périscolaire, pas les moyens. Martine élevait seul son fils unique depuis que son géniteur l'avait laissé tomber, c'est-à-dire depuis toujours. Il n'avait jamais connu son père, ou plutôt il en avait connu plusieurs. Martine ne supportait pas la solitude, et se jetait dans les bras du premier imbécile venu, à commencer par le père de son unique enfant. C'était au mariage d'une cousine elle avait été invitée pour combler un trou dans le plan de table. Il avait abusé du champagne, elle l'avait trouvée séduisante il n'en fallut pas plus à la jeune secrétaire pour finir dans ses bras et tomber enceinte le soir même. Dès les premiers mois de grossesse, la vie de la jeune femme se compliqua terriblement. Son emploi de l'époque était fatigant et pénible, elle dut le quitter et vivre au crochet de ses parents pendant quelque temps. Après l'accouchement, elle chercha à nouveau du travail, mais ses maigres qualifications lui fermaient beaucoup trop de portes. Le plus souvent, elle ne parvenait même pas à décrocher un entretien. Elle finit par trouver un emploi intérimaire chez un boulanger traiteur, qui organisait des buffets pour les entreprises. Le soir de l'inauguration d'une salle de spectacle par le conseil régional, dans son uniforme de soubrette, et grâce à son large sourire, elle avait attiré l'œil, certes un peu glauque, du président de région de l'époque. Il lui glissa quelques mots à l'oreille, plaisanta lourdement sur son décolleté, et proposa finalement de la raccompagner à l'issue de la cérémonie, ce qu'elle accepta. Dans la voiture, ce soir là, et à l'hôtel chaque semaine, le lundi, pendant les mois qui suivirent, Martine devint la maîtresse numéro un de l'élu, qui, dans un spasme incontrôlé, lui promit un soir une place dans l'administration. C'est ainsi qu'elle entra au Conseil régional, propulsée au rang de secrétaire de direction, attisant les jalousies de ses collègues qui, pour la plupart, avaient pourtant suivi le même cursus. Martine était facile, mais pas totalement idiote. Elle comprit rapidement que son siège était éjectable, et les élus éphémères. Lorsque le président du moment se lassa d'elle, elle changea de monture sans état d'âme et sans méchanceté ce qu'il importait était de garder son emploi pour assurer un niveau de confort correct à son fils qui avait maintenant cinq ans. Elle repéra dans l'opposition de l'assemblée régionale le leader qui avait le vent en poupe. À la soirée des vœux de la collectivité, elle revêtit sa robe la plus provocante et dansa volontiers avec lui en accentuant les contacts. Lors d'un roc endiablé, elle posa par accident la main de son cavalier sur sa généreuse poitrine, puis elle le regarda de son air de fillette prise en faute. François Pernier était en pleine campagne électorale. Il enchaînait les réunions et les communiqués de presse. Il saisit cette occasion pour décompresser et finit la nuit avec Martine. Son contrat fut prolongé pour une seconde mandature. Son CV ne comportait pas de diplôme, mais beaucoup d'aventures. Son fils l'appela une nouvelle fois, la troisième depuis ce matin. Il ne trouvait plus sa console de jeu portable en chuchotant dans le téléphone elle tenta de l'aider à distance dans le tiroir sous son lit pendant qu'elle le télécommandait au moins elle était sûre qu'il ne faisait rien de grave mais son travail à elle prenait du retard elle avait de plus en plus de mal à concilier vie de famille et vie professionnelle chaque lundi elle arrivait au bureau usé presque détruite par la vie que lui menait son fils capricieux mais le vendredi soir elle n'en pouvait plus de son directeur lunatique et orgueilleux au bureau, à la maison, ses angoisses personnelles la poussaient à vivre toujours au service des autres, jamais pour elle. Paul Butte avait rendez vous avec Jean Clément Charles, et ce dernier venait d'arriver. Elle le fit patienter dans un fauteuil devant le bureau de son directeur, car celui ci était en retard, comme d'habitude. Après quelques minutes, elle lui proposa un café, qu'il accepta volontiers. Elle posa la tasse sur la table basse, en face du fauteuil, et se pencha en avant pour verser prudemment le liquide noir et brûlant sans tacher la moquette. Elle sentit immédiatement le regard du PDG plongé dans son décolleté. Sans l'avoir prémédité, elle s'y attendait et cela lui paraissait presque normal, voire flatteur. C'était comme si cette compétence était écrite dans sa fiche de poste. Elle lui sourit sincèrement et gentiment, ce qui illumina ses yeux clairs. Jean Clément Charles bredouilla des remerciements gênés et perdit un instant son aplomb naturel il se redressa dans son fauteuil bas pour reprendre une contenance et estima mentalement leur différence d'âge pendant plusieurs secondes dans un silence calme personne ne bougea puis paul butte arriva en trombe en interpellant sa secrétaire des appels martine non rien du tout mais votre rendez-vous est là dit-elle en souriant à jean clément charles mon rendez-vous interrogea paul butte qui n'avait pas levé le nez de son téléphone Bonjour, Paul, dit Charles en se levant. Ah oui, Jean Clément, mais entrez, entrez. Il entra le premier dans son bureau sans lâcher son portable. Le PDG et la secrétaire échangèrent une révérence polie avant de se quitter. Paul H de Jérôme Vuitennet, chapitre 21. Bon, tu joues? dit Sébastien à haute voix. J'arrive, répondit Frédéric agacé. Mais qu'est ce que tu fous, bon Dieu? Je réfléchis. Ils étaient en pleine partie d'échecs à travers un site web. Les yeux rivés ainsi sur leurs écrans respectifs, ils paraissaient travailler d'arrache pied sur un projet technique compliqué. Ils avaient disposé leurs écrans de manière à ce que, depuis la porte de leur bureau, personne ne pût se douter de ce qu'ils faisaient réellement. Si d'aventure un importun s'approchait, ils avaient tout le temps de fermer les fenêtres coupables pour faire apparaître une feuille de calcul complexe qu'ils gardaient en fond d'écran. Frédéric réfléchissait, mais pas seulement à son prochain coup. Sa reine était en danger car il l'avait placée sans précaution au centre de l'échiquier. Elle était perdue. Élodie aussi, songea-t-il, mais il ne pouvait se résoudre à abandonner la partie pas déjà, pas si tôt. Devant l'insistance de Sébastien, et dans un élan de folie destructrice, il avança sa reine en plein milieu des lignes ennemies. Perdu pour perdu, autant faire le plus de dégâts possible chez l'adversaire. Il récolta un simple pion en échange de la perte de sa pièce maîtresse, mais ce pion était le dernier protecteur de la tour de son ennemi qu'il convoitait depuis quelques coups. Sébastien prit la reine sans se méfier, avec un petit sourire satisfait derrière son écran. Quatre coups plus tard, il était échec et mat, son roi coincé sur la dernière ligne de l'échiquier. Mais comment tu as fait ça? s'indigna Sébastien. De l'audace, exulta Frédéric, en considérant la leçon de vie que venait de lui apporter cette partie. Rien n'est jamais perdu. Ses contacts avec Élodie, depuis leur premier rendez vous raté, s'étaient résumés à bonjour bonsoir dans les couloirs de automobiles composants, et encore seulement les jours où il arrivait à provoquer leur rencontre fortuite, le regard embarrassé d'Élodie le dissuadait chaque fois de poursuivre la conversation. Il se demandait s'il n'était pas en train de la harceler et si elle n'allait pas finir par porter plainte. Tout cela était si nouveau pour lui. De l'audace, se répéta-t-il, pour se donner du courage en fermant la fenêtre du jeu d'échecs. On fait la revanche demanda Sébastien. Non, désolé, j'ai affaire, répondit Frédéric en se levant. Où vas-tu Je monte aux ressources humaines. Ok, répondit Sébastien sans insister. À demi conscient de ce qu'il faisait, Frédéric monta les marches comme un robot, mu par cette audace. Ordinairement, il aurait préparé chacune de ses répliques, imaginé les scénarios probables et calculé ses chances de réussite. Cette fois, il allait voir Élodie dans l'improvisation la plus totale, presque avec désinvolture. Lorsqu'il reprit véritablement conscience, il venait de pénétrer dans son bureau après avoir frappé. Le bureau était vide. Il s'approcha de son ordinateur qui était éteint, et, machinalement, s'agenouilla et posa la main sur l'unité centrale pour en vérifier la température. Elle était tiède, sans doute venait elle de l'éteindre. Les yeux à hauteur de son bureau, il examina le quotidien professionnel d'Élodie et perçut son parfum avec un certain trouble. Ses dossiers délicatement rangés en piles sur le bureau, ses stylos de toutes les couleurs dans un pot à crayon rose bonbon, Quelques post-it fluorescents collés en dessous de son écran, parfaitement alignés, dont un sur lequel il était écrit Fred Elle venait d'entrer dans le bureau et l'observait avec étonnement, alors qu'il était toujours agenouillé près de son fauteuil. Qu'est-ce que tu fais là poursuivit-elle. Je. je voulais savoir euh, combien il me restait de jours, combien de jours de congé il me restait, répondit-il en s'insultant en lui-même. Tu parles d'une audace. Elle s'approcha, et il se leva brusquement. Il ne savait plus s'il devait lui dire bonjour. À cet instant précis, il ne savait même pas s'il l'avait déjà saluée aujourd'hui, à vrai dire. Il approcha sa joue pour lui faire la bise, elle eut un geste de recul. On s'est déjà vu, dit elle tout en l'embrassant de nouveau malgré tout. Oh. C'est vrai, c'était pas hier? Hier c'était dimanche, répondit elle en souriant. Elle sembla vérifier du regard s'il avait fouillé dans ses affaires, puis chercha son dossier. Justement, je devais t'appeler, dit-elle en retirant de son écran le post-it qui portait son diminutif. Ah oui s'étonna-t-il. Tu dois décider de ce que tu fais de ces jours qui te restent. Est-ce que tu veux te les faire payer Non, bredouilla-t-il sans conviction, car il ne voulait pas donner l'impression qu'il était vénal. Dans ce cas, il te faudra les prendre avant le 1er mai. Ah non, reprit-il avec une véhémence inappropriée. Pourquoi? Parce que parce que je ne peux te voir qu'ici, songea t-il, mais il ne pouvait pas répondre ça. De l'audace, se répéta t-il, mais l'audace ne franchissait pas la barrière de ses lèvres. Parce que j'ai trop de choses à faire ici. Je vois. Avec le pôle de compétitivité, la voiture à hydrogène, tout ça, ajouta t-il pour donner du crédit à son mensonge, dans ce cas on va les liquider et te les payer, c'est le plus simple. Si tu le dis, elle ouvrit un dossier pour prendre un formulaire vierge qu'elle lui tendit. Quand il saisit la feuille, elle ne la lâcha pas pour le forcer à la regarder. Tu ne viens pas pour ça, n'est-ce pas Il jeta un œil au formulaire, puis croisa les yeux d'Élodie en se demandant comment elle avait pu percer à jour ses véritables intentions. Mais au fait, quelles étaient-elles Ah oui, de l'audace. Il perdit à nouveau le contrôle de ses pensées et passa en mode automatique. En effet, que voulais tu me dire d'autre? Je voudrais Oui, l'invita t-elle gentiment à poursuivre. J'aimerais bien qu'on reparte à zéro on fait un risette. On oublie tout? Ouais, voilà, on oublie tout. Donc je te dois encore une soirée, dit elle malicieusement. Il réfléchit un instant, déstabilisé par cette réponse, puis sauta sur l'occasion. Du coup, oui, alors c'est moi qui choisis le film, si tu veux. Ou autre chose, compléta t-elle. Tout ce que tu veux, concéda t-il. Ils se regardèrent en silence plusieurs secondes, chacun analysant ce qu'il venait de se dire. Puis elle reprit. Tu dois me remplir ce formulaire. Tout de suite? Je serai toi, je le remplirai plus tard, pour avoir une bonne raison de venir me voir demain. Elle leva les yeux vers lui d'un regard signifiant Je sais exactement comment tu fonctionnes qui le désarma complètement. Tu as raison, je vais faire ça, admit il. Il sortit du bureau en reculant, pour ne pas la quitter des yeux, fasciné. Il chercha la poignée de porte de la main, fit des mouvements dans le vide plusieurs fois avant de la trouver. Elle ne baissa pas le regard jusqu'à ce qu'il disparaisse. Elle entendit ensuite ses pas s'accélérer dans le couloir. Il courait. Quand Frédéric revint à son bureau, un peu essoufflé, Jean Clément Charles était assis sur son siège, en train de s'entretenir avec Sébastien. Il se demanda soudain s'il avait bien pris soin de fermer toutes les fenêtres compromettantes alors que son patron avait le nez sur son écran. Ah. Vous voilà. commença le PDG. Bonjour. Où étiez vous donc fourré? J'étais aux ressources humaines pour régler un problème avec mes congés. Vos congés. Il s'agit bien de prendre des congés. Justement, je ne les prendrai pas. Très bien. Alors, Frédéric, où en êtes vous? Où j'en suis? De Comment ça, de de l'électronique embarquée, bien sûr? Sébastien adressa un regard noir à Frédéric pour précipiter son atterrissage dans le monde réel. Il bafouilla une réponse standard. Ça avance doucement. Doucement? Il n'est pas question que ça avance doucement. Nous avons une date pour le premier prototype. Une date? Une deadline, si vous préférez. On ne sera pas prêt. Je ne vous ai pas encore donné la date, s'indigna le patron. Non, mais je me doute que ce n'est pas dans cinq ans. Le 6 mai. Dans trois mois, s'étrangla Frédéric. Pas tout à fait, dit Charles, un petit peu moins. Ce n'est pas possible. La date est convenue avec la région et les médias. On a réservé la halle multisport. Les invitations officielles sont déjà parties. Sans même savoir si on aura quelque chose à présenter Le temps industriel et le temps médiatique n'avancent pas au même rythme. Je suis là pour concilier les deux, et donc, je vous assure, nous aurons quelque chose à présenter. Il planta un regard menaçant dans les yeux de Frédéric, ne lui laissant aucune échappatoire. Ok, on va se débrouiller. De toute façon, on a déjà bien avancé, mentit Sébastien. Nous n'avons pas le droit à l'échec, ajouta Charles en se levant. Était ce une allusion à leur partie de tout à l'heure? de Jérôme Vitenay, chapitre 22. L'annonce de la deadline eut un effet immédiat sur la mobilisation des services de automobiles composants. Des ateliers jusqu'aux services communications, tout le monde était à pied d'œuvre pour aboutir à un prototype présentable le 6 mai. Dans l'atelier de René Martinez, les réservoirs à hydrogène étaient arrivés de Chine où ils avaient été fabriqués. Et il s'agissait de les équiper électroniquement et de prévoir les moyens de les fixer au châssis en prenant en compte les normes de sécurité spécifiques liées à l'utilisation de ce combustible. Martinez examinait le matériel, les sourcils froncés, en imaginant tout ce qu'il allait devoir modifier dans sa ligne de montage pour s'adapter à ce modèle. Bien sûr, ce n'était pas de sa responsabilité mais de celle de son directeur, Gravard. Mais celui-ci se défausserait sur lui en dernier ressort. Gravard était loin d'être un incapable. Il était même doté d'une ingéniosité rare, très précieuse dans l'atelier en certaines occasions. Mais ses autres responsabilités, administratives, normatives, hiérarchiques, l'obligèrent à se désengager progressivement de son cœur de métier. Il passait le plus clair de ses journées à produire de la documentation, à signer des bons de congé à participer à des réunions ennuyeuses. Lorsqu'il laissait à ses chefs d'atelier le soin de mettre au point les idées qu'il avait à peine griffonnées sur un papier ou un tableau blanc, c'était toujours par dépit, faute de temps pour mener à bien le projet. Et souvent il regrettait de n'avoir pu l'achever lui même, car René Martinez, s'il s'avérait être un excellent chef d'atelier, travailleur et dévoué, n'était pas toujours un fin technicien. Gravard surprit Martinez en arrivant dans son dos, alors qu'il restait pensif à l'examen d'un des réservoirs. Quelque chose qui cloche, s'inquiéta-t-il Je ne sais pas, avoua Martinez, j'essaye de comprendre. Comprendre quoi Comment fonctionnent ces machins, répondit-il en montrant l'un des réservoirs fixés à un châssis de test. Ce n'est qu'un réservoir comme les autres, essaya de le rassurer Gravard. Oui, mais justement. Justement quoi? Rien. René Martinez ne parvenait pas à formuler ce qui le chagrinait. Il s'approcha de son montage et toucha les fixations pour s'assurer de leur solidité. Elle était satisfaisante. Une dispute à l'autre bout de l'atelier attira leur attention. Des insultes résonnèrent sur les parois et le sol de béton. Deux hommes étaient en train de s'empoigner par le col, regards menaçants, Oreilles rougies par la colère. Gravard les rejoignit d'un pas rapide, déterminé, en se disant en lui-même qu'il n'était pas formé pour gérer ce genre de conflit qui survenait pourtant régulièrement, et de plus en plus souvent depuis que la salle de café-réunion avait été transformée en entrepôt de stockage. Il leur ordonna de se lâcher, ce qu'ils firent immédiatement, prouvant qu'ils cherchaient avant tout à s'intimider l'un l'autre et à prendre à partie leur hiérarchie. Comme des enfants qui haussent la voix pour attirer l'attention de leurs parents et obtenir leur arbitrage. Que s'est-il passé demanda Gravard fermement. Ce connard ne respecte pas mes affaires, commença l'un d'eux. Tu laisses traîner tes grolles n'importe où, répondit l'autre en montrant une paire de chaussures écrasées par un engin de levage. C'est pas une raison pour passer dessus avec le Fenwick. Tu sais ce qu'elles m'ont coûté Tu vas me les rembourser. Tu peux toujours te brosser. Si tu les avais rangées dans ton casier, elles seraient encore intactes. Stop interrompit Gravard en secouant la tête. Contrairement à un parent réglant un problème familial, Gravard n'avait pas l'autorité et le droit de juger des affaires personnelles qui opposaient ses employés. Il se devait de rester neutre et aussi juste que possible en toutes circonstances, et pourtant, il devait trancher pour mettre fin à cette scène pathétique et contre-productive. La date fatidique de démonstration du premier prototype approchait, et il avait besoin d'une ambiance sereine dans l'atelier pour parvenir à livrer le châssis dans les temps. Surprenant le sourire d'un de ses ouvriers belliqueux, il se demanda soudain si l'altercation n'avait pas été mise en scène juste pour le mettre en défaut. Il fit un geste d'apaisement, en levant les deux mains, et les baissa lentement pour se laisser le temps de réfléchir à la meilleure décision à prendre. On va faire une déclaration d'incident. Une quoi demanda l'homme dont les chaussures avaient été aplaties. Une déclaration d'incident, à travers la méthode Power. Il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Et mes chaussures Elles te seront remboursées par la boîte. Elles n'avaient rien à faire là, mais c'est aussi la première fois qu'on a des engins de ce type qui circulent ici, à cause de ce véhicule à hydrogène qui change nos façons de travailler. On va considérer que c'est un dégât collatéral lié à une situation que l'on ne pouvait pas prévoir. Mais moi aussi je veux bien me faire payer des godasses neuves par l'usine, s'indigna le conducteur du Fenwick. Je ne veux plus revoir une paire de chaussures traîner ici. Une fois que le rapport d'incident sera remonté à la direction, ils n'accepteront plus que de telles choses se reproduisent. René Martinez était resté en retrait, mais il avait assisté à toute la discussion. Quand son directeur retourna dans son bureau, il le suivit machinalement. Gravard s'empara d'une fiche sur laquelle le sigle Power figurait en gros caractères. Ça marche vraiment, ces fiches d'incident? demanda Martinez. On va bien voir, répondit le directeur. Je peux en remplir, moi aussi? Vous avez suivi la formation, comme moi. Vous savez ce que vous avez à faire. Je peux vous emprunter une fiche vierge pour voir? Tenez. Il lui tendit une feuille, René la prit et sortit du bureau en commençant à la lire. Il la posa sur son plan de travail dans l'atelier, non loin de son châssis de test sur lequel le réservoir était fixé, et commença à remplir. Power. Déclaration d'incident numéro 22. Projet Paul H. Nom et prénom du signataire, René Martinez. Supérieur hiérarchique, Gravard. Service. Atelier Fabrication. Date 1er mars 2005. Catégorie du problème soulevé. Réservoir barré. Technique. Importance grave. Description courte. Problème avec le réservoir. Description longue. Quand on met. Quand on fixe le réservoir sur le châssis, ça marche pas. Signé René Martinez. Bien qu'insatisfait de sa description du problème et n'étant pas trop sûr d'avoir rempli correctement les autres champs, il plia la fiche et la déposa au courrier à destination de la direction. Paul H de Jérôme Vitenay, chapitre 23. L'originalité d'un pôle de compétitivité, c'est que les différents partenaires du projet ont des ambitions bien différentes et des objectifs divergents. Le directeur de la communication de Automobiles Composant et son homologue au Conseil Régional s'étaient rencontrés deux fois déjà pour mettre au point une stratégie de communication commune, mais maintenant que la date fatidique du 6 mai était avancée, il fallait revoir un certain nombre de choses. Les deux hommes avaient pris rendez-vous pour en discuter un matin vers onze heures, ce qui leur donna une excellente occasion de déborder sur un déjeuner d'affaires dont ils se feraient tous deux défrayer. De Maistre, le DIRCOM de Automobile Composants entra dans le bureau de Deval, DIRCOM du Conseil Régional, qui l'attendait en faisant semblant de signer des documents importants dans un paraffeur. Deval leva le nez et le regarda par-dessus ses lunettes Lacoste, dont le logo en forme de crocodile était bien visible. Les deux hommes étaient parfaitement semblables. Même âge, même tic verbaux, mêmes habitudes vestimentaires, mêmes accessoires. Deval rangea son stylo Mont Blanc dans la poche extérieure de sa veste, prenant garde à ce que le logo en forme de tache blanche sur le capuchon soit parfaitement visible, et releva ses lunettes dans les cheveux. Monsieur Demestre, bonjour, dit il en invitant son homologue à s'asseoir sur un siège en cuir noir qui faisait face à son bureau. Monsieur Deval, répondit sobrement l'invité en lui tendant la main droite pour le saluer, laissant dépasser de sa manche une gourmette en argent. La poignée de main vigoureuse fit un bruit métallique car Deval avait un bracelet semblable. Je vous ai convié pour que nous abordions ensemble les détails du plan de communication en établissant un rétroplanning minutieux jusqu'au 6 mai, commença Deval. Oui, maintenant que nous avons cette date butoir, on commence à y voir plus clair. Il faut également que l'on détermine les objectifs et les tâches de chacun. J'allais y venir, bien sûr. Vous prenez un café Volontiers. Jeannine hurla-t-il en direction de sa porte. Deux cafés, s'il vous plaît Une réponse féminine traversa à peine la cloison. Les deux hommes reprirent leur discussion. Quels sont vos objectifs dans cette campagne demanda Demestre, qui ignorait tout de la communication institutionnelle d'une collectivité territoriale. Pour moi, c'est très simple. Je dois vendre du Pernier. Du Pernier le président du Conseil régional. Ah s'étonna de mestre. Oui, vous ne connaissez visiblement pas le fonctionnement d'un Conseil régional. Je vais vous l'expliquer en deux mots. Vous avez des élus du peuple qui forment le Conseil régional, et ceux-ci votent à leur tour pour désigner un président de région. D'un autre côté, vous avez des agents, fonctionnaires ou contractuels, qui se chargent de mettre en œuvre le programme choisi par ces élus. Mon rôle à moi, c'est de faire apparaître ce programme électoral comme le meilleur possible d'abord en le faisant connaître de tous et puis en insistant sur le fait que c'est notre institution qui est à l'origine de l'initiative quelle qu'elle soit bien évidemment le président insiste pour que nous appuyions davantage sur ce qui est clivant c'est-à-dire qu'on dépense plus d'argent sur les opérations qui n'auraient pas pu être menées par l'opposition car contraire à son idéologie autrement dit et je ne résume comme ça parce que nous sommes entre nous mon produit, ce que je dois vendre, c'est l'élu, dans le but d'assurer sa réélection. Je comprends, mais du coup, c'est bien différent de notre objectif à nous, qui est de vendre un vrai produit, en l'occurrence un véhicule, au grand public. Ah oui, nous, ça, on s'en fiche. Enfin, comprenez moi. Indirectement, non, bien sûr, puisque si cela ne se vend pas, notre image de marque en prend un coup aussi. Il réfléchit quelques secondes, puis se ravise. Encore que, à bien y réfléchir, si l'opération de communication est bien menée, même si on ne vend aucune voiture à hydrogène, le simple fait de communiquer autour est suffisant pour nous. Alors que pour nous, non. Nous jouons gros dans ce projet parce que nous n'avons pas l'habitude d'être directement exposés à une clientèle grand public. Jusqu'ici, nos clients sont majoritairement des constructeurs automobiles, sans doute plus exigeants, mais aussi par définition plus professionnels, si l'on répond à leur cahier des charges, ils achètent. Là, on n'a pas de cahier des charges, ou plutôt, c'est nous qui nous le sommes fixés. Jeannine frappa, puis entra dans le bureau en tenant un plateau avec deux tasses de café brûlant. Les deux hommes continuèrent leur conversation sans même lui adresser un regard. Je crois également que nous avons une cible différente, poursuivit Deval. Pour nous, c'est évident. On cible les acheteurs potentiels. En revanche, de notre côté, c'est l'ensemble des électeurs qui doit recevoir le message. Selon les études, ce sont plutôt les hommes actifs entre 30 et 40 ans qui sont susceptibles d'acheter le produit. Il leur faut une communication percutante et astucieuse qui leur fait croire qu'ils seront plus désirables au volant de cette voiture plutôt qu'une autre, et puis aussi qu'ils gagneront de l'argent, bien sûr. Moi, je dois toucher tout le monde, y compris l'électrice retraitée qui n'a pas le permis. Elle, ce qui l'intéresse, c'est l'avenir de ses enfants, de ses petits enfants. Les deux hommes se turent, prirent chacun leur tasse et firent teinter la porcelaine en délayant un sucre dans leur café. De but une gorgée du liquide bouillant en esquissant un petit rictus. Je crois que j'ai une idée, dit-il. Je vous écoute. Finalement, ce qui rassemble nos deux objectifs, c'est le préfixe écho. C'est autour de lui qu'il faut taxer notre communication. Allez-y, développez. Pour vendre notre véhicule, il faudra qu'on se positionne comme étant la solution la plus économique. Mais vos électeurs seront plutôt sensibles au côté écologique du projet. En effet, ce n'est pas mal, mais pour ce qui est d'attirer le trentenaire ou le quarantenaire, c'est un peu faible, non Ah, mais pour lui, c'est simple une femme à poil. Pardon non mais je schématise. Je suis bien conscient que ça ne collera pas avec l'image que vous souhaitez donner. Mais une jolie femme qui semble émerveillée devant le prototype garé devant une maison, avec des enfants qui jouent dans l'herbe, à côté de la voiture. D'ailleurs ce prototype n'a pas encore de nom, si on l'appelait Echo, tout simplement. Très bonne idée. On va faire ça. Qui s'occupe de faire un premier visuel? On va confier ça à une agence de communication. Je ne sais pas pour vous, mais nous on n'a pas de personnel pour faire ce genre de truc. Nous non plus, vous pensez. Jusqu'alors on n'avait aucun contact avec le grand public. Notre communication était essentiellement orientée vers l'industrie. Très bien. Nous prendrons ça sur les subventions accordées par l'État pour le pôle de compétitivité. Il y a un gros budget. On peut faire quelque chose d'assez grandiose. Comment fait on pour le cahier des charges? Deval regarda sa montre en or en faisant un geste ostensible du bras puis lui répondit Je vous propose de discuter de tout ça à table Volontiers Janine réservez deux couverts au lion d'or hurla-t-il à destination de sa secrétaire Ils se levèrent et passèrent chacun leur veste Hugo Boss avant de sortir du bureau Les heures qui suivirent achevèrent de les convaincre qu'ils étaient des créateurs talentueux venant de trouver le jeu de mots du siècle autour du préfixe éco. Paul Hache de Jérôme Vitenay, chapitre 24. Nicolas Verdier, l'écologiste, était vert de rage. Il venait d'apprendre dans la presse la date de présentation du prototype de véhicule à hydrogène et il n'avait pas encore reçu de carton d'invitation. Il avait pourtant insisté auprès de automobiles composants et du conseil régional pour être au courant de toutes les avancées du projet et pour participer à toutes les présentations publiques. Il empoigna son téléphone et composa le numéro du standard du conseil régional. Il tomba sur une hôtesse d'accueil qui, entendant la colère de son interlocuteur, le transféra rapidement au service communication où Janine lui répondit immédiatement. Service communication du conseil régional, bonjour! Bonjour, Nicolas Verdier de l'association Pour la Nature. Bonjour. Voilà, je viens d'apprendre qu'une présentation du prototype du pôle H allait avoir lieu en mai, et je n'ai toujours pas reçu d'invitation. Quelle association, dites-vous Pour la Nature. Ne quittez pas, je vous prie. Jeannine appuya sur un bouton de son téléphone, ce qui déclencha une musique d'attente dans le combiné de son correspondant. Verdier maugréa à l'autre bout du fil. Mais quelques secondes plus tard, la secrétaire le reprit en ligne. Oui, vous êtes bien sur notre liste, dit-elle. Alors pourquoi n'ai-je rien reçu Parce que nous n'avons encore rien envoyé. L'événement a lieu dans un mois et demi. Les cartons vont partir la semaine prochaine, vraisemblablement. Ah, très bien. Autre chose, monsieur Non, je vous remercie, excusez-moi. Il n'y a pas de quoi. L'écologiste s'était emporté trop vite, comme souvent. Depuis qu'il militait activement dans cette association, il avait pris l'habitude d'être mal considéré, négligé, trahi par ses interlocuteurs. Les élus ne répondaient plus à ses e-mails, les journalistes ignoraient ses communiqués, les industriels le prenaient de haut, les citoyens eux-mêmes ne faisaient plus attention à ses alertes répétées à la pollution de l'air, de l'eau, de la terre. Sa réputation d'empêcheur de tourner en rond étant faite, et son opinion se radicalisant un peu plus chaque année, il n'hésitait plus désormais à ruer dans les brancards et à téléphoner à la terre entière pour obtenir les informations qui lui manquaient. Il s'empara du dossier hydrogène qui était à côté de son téléphone et en feuilleta à nouveau les pages. Il avait collecté, bien sûr, tous les articles de journaux qui traitaient du pôle H. Mais l'épais dossier comportait également des extraits de revues scientifiques, des impressions issues de sites web, des tracts d'associations anti-voitures françaises et étrangères. L'hydrogène n'existe pas sur Terre à l'état naturel, mais on peut l'obtenir simplement par électrolyse. L'inconvénient est que cette opération consomme de l'énergie, et qu'aujourd'hui, c'est majoritairement en utilisant du pétrole ou du gaz que s'obtient l'hydrogène. Verdier savait cela depuis longtemps, et c'était selon lui une objection suffisante pour faire un trait définitif sur cette technologie mais il savait aussi que le grand public n'avait que faire du concept d'énergie grise, et qu'il devait trouver d'autres inconvénients plus frappants de nature à faire basculer l'opinion contre le véhicule à hydrogène. Il concentra ainsi ses recherches sur l'aspect explosif du gaz utilisé, et trouva en effet un certain nombre de témoignages et d'études qui faisaient état de la dangerosité de cette technologie. Un constructeur allemand qui avait fait faillite après l'explosion de son cinquième prototype en usine, Provoquant la mort d'un de ses ouvriers, avait été assigné en justice en 2001. On trouvait encore les minutes du procès ainsi que des plans techniques sur certains sites web allemands et Verdier les avait fait traduire. Un défaut avait été constaté au niveau du réservoir d'hydrogène, mais n'avait pourtant fait l'objet d'aucune modification corrective. Les ingénieurs considérant alors que les risques étaient minimes et le niveau de sécurité suffisant au stade du prototype. La société fut condamnée à verser des dommages et intérêts à la famille de la victime, ce qui précipita sa faillite. Sur les plans que Verdier avait édités, on pouvait lire la référence des réservoirs utilisés. Ils avaient été fabriqués en Chine par une société nommée SAI, qui n'avait pas été inquiétée par ce procès et continuait de fournir la plupart des réservoirs à hydrogène aux constructeurs. Verdier décrocha à nouveau son téléphone et composa cette fois le numéro de automobile composant. Une standardiste lui répondit après deux sonneries. « Automobile composant, bonjour !»« Bonjour, » répondit Verdier en prenant un accent étranger indéfinissable. « Je voudrais parler au responsable de la fabrication, s'il vous plaît. »« De la part de qui ?»« La société Saï, je suis le responsable des ventes en Europe, monsieur Ming. »« Ne quittez pas, je vous prie. » L'écologiste avait appris à mentir pour obtenir ce qu'il voulait. En l'occurrence, pour savoir si les réservoirs utilisés par Automobiles Composants provenaient bien de cette entreprise chinoise, ils devaient ruser. Une voix masculine se fit entendre. Gravard. Bonjour, Société Sai, je voulais savoir si vous aviez bien reçu nos réservoirs et s'ils vous donnaient entière satisfaction. Bonjour, oui, nous avons reçu notre première commande et nous avons commencé à les intégrer à nos châssis. Rien de particulier à signaler jusqu'ici. Très bien, très bien. Nos ingénieurs sont à votre disposition si vous avez des soucis, vous savez, nous sommes certifiés ISO 9000, tous les incidents sont remontés et analysés pour éviter les problèmes que nous avons déjà connus. Oui, je vois à quoi vous faites allusion, mais, mais nous aussi, nous avons mis en place une démarche qualité, vous devez sans doute connaître il paraît qu'elle est très utilisée en Europe, la méthode Power. Jamais entendu parler. Enfin, peu importe tous les incidents sont remontés à la direction par ce biais là, donc soyez sûr qu'on vous appellera si jamais le problème vient de chez vous. Je vois, je vois. Tant mieux, mais dites moi, ces fiches d'incidents sont elles publiques? N'importe qui peut les consulter? Oh non, ce sont des documents internes. Je ne suis même pas sûr que les autres partenaires du polage soient au courant. Vous savez, on n'est pas seul sur ce projet. Oui, oui, je connais un peu votre dossier, c'est moi qui ai répondu à votre appel d'offres. Ah. D'accord. Nicolas Verdier, à court d'imagination pour continuer la discussion, laissa un blanc s'installer dans la conversation. Allô s'inquiéta Gravard. Allô, oui, excusez-moi, j'ai un autre appel. Je vous recontacte bientôt. Merci encore. Mais de rien, au revoir. Il raccrocha en souriant. Il avait obtenu l'information qu'il souhaitait, et même plus encore. Maintenant, il devait mettre la main sur ses fiches d'incident. Paul H de Jérôme Vuitenay, chapitre 25. Comme pour déjouer le sort, Frédéric avait souhaité que ce nouveau rendez-vous avec Elodie fût différent de bout en bout. Ils ne se donnèrent pas rendez-vous sur un parking, c'est elle qui passa le prendre chez lui et qui le conduisit jusqu'au centre-ville. Ils échangèrent quelques banalités pendant le trajet, mais l'ambiance était tendue de part et d'autre, chacun veillant à ne pas faire allusion à l'échec de leur première sortie. Elodie avait imaginé surprendre Frédéric en l'emmenant à l'Opéra plutôt qu'au cinéma. Deux arguments la firent finalement changer d'avis. Aucune pièce d'opéra n'était jouée avant plusieurs semaines, et une force inexplicable la poussait à revoir Frédéric rapidement. Elle émettait de gros doutes quant à l'intérêt que pouvait susciter l'Opéra chez un jeune homme comme lui. Elle avait opté pour un film américain romantique intitulé Before Sunset. C'était ce qui lui semblait le plus adapté pour la circonstance à mi-chemin entre ses propres goûts et la culture particulière de Frédéric. Ce dernier n'avait jamais entendu parler du film, ce qui le surprit, car il croyait télécharger et visionner tout ce qui sortait en salle. En voyant l'affiche couleur sépia représentant un couple devant le soleil couchant, il retint son sourire en s'imaginant que c'était bien un film de filles. Ils s'installèrent au fond de la salle qui était quasiment déserte. Désinhibés par la pénombre, Elodie risqua une allusion à leur premier rendez-vous. On est quand même mieux installé que sur ton lit, non? Les sièges sont confortables, oui, mais j'attends de voir l'image et d'entendre le son. Tu crois que c'est moins bien que chez toi? C'est une petite salle, le son n'est même pas numérique. Et le scénario? Quoi le scénario? Le scénario, les dialogues, le jeu des acteurs, la réalisation, ce n'est pas plus important que la technique? C'est aussi important. La lumière s'éteignit progressivement, mais il put saisir, juste avant l'obscurité complète, une étincelle dans les yeux de sa collègue. Il ajusta sa position dans le fauteuil et posa sa main sur la coudoir qui le séparait d'elle. Elle fit de même, si bien que leurs mains n'étaient séparées que de quelques millimètres. Il pouvait percevoir la chaleur qui en émanait, et cela le troubla. Dans un mouvement plus ou moins involontaire, son auriculaire effleura le sien, comme une caresse accidentelle et sans conséquence. Le film commença. Le couple qui évoluait à l'écran se retrouvait après neuf ans de séparation et retrouvait toute sa complicité d'alors. Des dialogues interminables dans de jolis décors parisiens, toutes les ficelles de la romance à l'américaine eurent raison de l'attention de Frédéric, qui s'assoupit quelques minutes avant la fin du film. Lorsqu'il se réveilla en sursaut, Élodie le regardait, amusée. Tu as aimé lui demanda-t-elle. Très, mentit Frédéric. Surtout la fin inattendue, hein Ben, je te charrie. Moi aussi, j'ai failli m'endormir. Moi, je n'ai pas que failli. On s'en va Volontiers. Je ne supporterai pas une seconde séance. Tout en se levant, il se rendit compte de sa maladresse. On va manger une glace Tu semblais avoir très sommeil, ironisa Élodie. Justement, ça me réveillera. Alors d'accord pour une glace. Ils sortirent du cinéma et rejoignirent à pied un glacier qui se situait quelques rues plus loin. Ils marchaient côte à côte sans se toucher ni se parler sous la lumière fade de l'éclairage public. Chacun se demandait s'il était responsable de l'ambiance tiède qui régnait et plus ils s'interrogeaient, plus ils semblaient distants. Un serveur les installa sur une table pour deux personnes à l'écart des autres clients et prit leur commande après quoi un silence pesant s'invita à leur table. Quand cela devint insupportable, Frédéric prit la parole. Quelque chose ne va pas? Elodie, décontenancée alors qu'elle cherchait elle-même à sortir de cette torpeur, se défendit. Non, ça va, pourquoi? Je n'ai rien compris. Au film? Oui, aussi, enfin non plus. Et d'ailleurs, c'est peut-être parce que je ne comprends rien à ce genre de film que je ne te comprends pas non plus que voudrais-tu comprendre Tout ce qu'on fait là, quel sens ça peut avoir pour toi Est-ce que je suis un gros lourd qui insiste pour rien ou au contraire est-ce que tu attends plus d'investissement de ma part Le serveur reparut et disposa les coupelles de glace devant eux avant de prendre congé. Élodie ne répondit pas tout de suite. Elle sembla chercher ses mots avec sa cuillère sous la crème chantilly, évitant le regard de son collègue. Finalement, elle commença je ne sais pas, moi non plus. Tu ne sais pas. Où j'en suis Avec moi Non, où j'en suis tout court. Explique. Frédéric nageait dans la quatrième dimension. Cette discussion était surnaturelle pour lui, qui ne fréquentait habituellement que des garçons totalement hermétiques à toute forme de sentiment, en apparence au moins. Il se demanda s'il n'était pas en train d'emprunter les dialogues du film qu'il venait de voir. Son expérience dans le domaine était limitée. Il se rendit compte qu'il essayait même d'imiter le regard compatissant de l'acteur qui recueillait les confidences de sa partenaire et tenta de s'en défaire pour adopter une posture plus authentique, car assurément, les états d'âme d'Élodie le concernaient. Je ne sais pas trop comment aborder la chose, dit Elodie sans se préoccuper du regard surjoué de Frédéric, en continuant de remuer sa cuillère dans la crème glacée. Est-ce que tu m'en veux toujours pour la dernière fois s'inquiéta-t-il. La dernière fois Chez moi, répondit-il, incapable de mettre plus de mots sur ses souvenirs désagréables. Non, enfin si, un peu, peut-être, mais ce n'était qu'un détonateur qui a réactivé des choses en moi. Quel genre de choses Des moments peu glorieux de mon existence. En disant cela, elle quitta son dessert du regard et posa ses yeux au loin dehors. Frédéric perçut le reflet d'un réverbère qui brillait anormalement à la surface de sa cornée. Si tu veux en parler, je t'écoute. Elle cligna des yeux pour se reprendre et lui sourit. Mange, ça va être froid. Surpris, il lui obéit immédiatement en plongeant la cuillère dans sa glace à la vanille recouverte de chocolat chaud et de copeaux de noix de coco mais il ne la quitta pas des yeux et son regard l'invitait à parler. Je suis né dans une famille assez aisée. Mon père était avocat et ma mère médecin. Je n'ai jamais manqué de rien, si ce n'est de temps avec mes parents pour apprendre ce qu'est la vie, l'amitié, l'amour. C'est avec ma nourrice que j'ai passé le plus clair de mon enfance, et puisqu'elle était l'employée de mes parents, elle m'a élevé dans le cadre qu'ils avaient souhaité pour moi, avec leurs valeurs et leurs principes. Jusqu'ici rien de choquant. Non, en effet. Nous étions entourés, bien sûr, de relations qui faisaient partie de notre classe sociale, des chirurgiens, des professeurs, des juges, des chefs d'entreprise. Les amis de mes parents avec qui on sortait parfois à l'opéra, au club de golf. Tous ces clichés des gens riches qui sont pourtant tellement vrais. Et puis, il arrivait qu'on parte en vacances avec eux. Bien sûr, les amis de mes parents avaient leurs propres enfants, élevés comme moi avec une cuillère en argent dans la bouche, des vêtements de grandes marques sur mesure. Suivant des cours privés à domicile et leur avenir professionnel déjà assuré. Des gens de ton âge, donc, ajouta Frédéric, qui craignait de voir où elle voulait en venir. Je suis sorti avec l'un d'eux, le fils d'un médecin aussi, pendant deux ans, Antoine. Et demanda Frédéric, qui développa instantanément à son endroit une jalousie maladive. C'était un con. Paul H. de Jérôme Vuitenet, chapitre 26 La méthode Power imposait la tenue de réunions périodiques pendant toute la durée du projet. L'une d'elles, qui devait avoir lieu tous les mois, était particulièrement destinée à la remontée des problèmes au plus haut niveau hiérarchique. Jean-Clément Charles était chargé d'organiser et d'animer ces réunions, en présence de Paul Butte, qui y arrivait systématiquement en retard et sans s'en excuser. Ces réunions étaient une corvée pour tous les participants, mais elles étaient nécessaires pour suivre les préconisations de la méthode Power, inutiles mais indispensables. Quand le PDG se présenta devant la salle de réunion André Citroën, il constata la présence de quelques personnes qui n'étaient pas invitées. Il regarda sa montre ostensiblement afin de notifier son impatience aux importuns, puis ses yeux glissèrent sur le planning affiché sur la porte. Il n'avait pas fait réserver la salle. Agacé, il remit d'abord la faute sur son assistante, qui aurait dû y penser d'elle même, puis sur Thomas Flesque, qui avait eu l'idée de ce planning de réservation. Comme il ne tenait pas à ce que Paul Butte s'aperçût de cette erreur de sa part, il décida d'user de son autorité pour réquisitionner la salle. René Martinez, qui, lui, avait réservé la salle pour s'entretenir avec un groupe de fournisseurs, remarqua la présence de son patron à la porte de la salle de réunion, mais ignora d'abord ces signes de la main qui l'invitaient à interrompre son entrevue. Charles sauta pour manifester plus clairement sa présence et Martinez dut se lever pour aller à sa rencontre. Excusez-moi Martinez, mais j'ai besoin de la salle. Quand Tout de suite, c'est pour la réunion Power, cela ne peut pas être déplacé. Mais j'avais réservé. Jean-Clément Charles, du haut de son mètre 85, Toisait René Martinez qui ne dépassait pas le mètre soixante-dix. Le costume sombre, la cravate et la chemise blanche impeccablement repassée achevaient de donner l'ascendante au PDG sur son employé qui portait une simple cote de travail maculée ici et là de graisse. Mais il avait réservé. Vous n'êtes pas très nombreux, prenez donc place dans mon bureau, il y a une petite table de travail qui vous suffira amplement argumenta Jean-Clément Charles. Dans votre bureau sans attendre son consentement, Charles arbora son sourire le plus communicatif pour expliquer le changement de salle aux représentants des fournisseurs qui étaient là. Il en profita pour faire semblant de s'intéresser à l'ordre du jour de cette réunion programmée par Martinez, dont il oublia aussitôt les détails. Il chassa poliment ces personnes, puis ouvrit immédiatement les fenêtres pour renouveler l'air vicié et redonner à la salle la tenue que la réunion exigeait selon lui. Les premiers participants arrivèrent peu après. Il s'agissait de tous les directeurs de automobiles composants et d'une partie de ceux du conseil régional. Victor Lodz intervenait également en tant que consultant. Seul Paul Butte manquait à l'appel la réunion pouvait donc commencer. Jean Clément Charles ouvrit son dossier fiche d'incident, et introduisit brièvement la réunion dont tout le monde connaissait maintenant le principe et les objectifs. Les incidents évoqués dans les précédentes réunions faisaient l'objet d'un suivi mensuel, et chacun put noter que des dispositions avaient été prises pour contourner, corriger ou ignorer les problèmes qui s'étaient posés comme la méthode Power l'exigeait. Paul But arriva pendant la revue de ses anciennes fiches, le téléphone collé à l'oreille et parlant à haute voix, il s'installa sans prêter attention à la conversation en cours qui dut cesser jusqu'à ce qu'il raccroche. Bonjour, dit Charles. Ne perdons pas de temps, répondit But en regardant sa montre, j'ai une autre réunion dans une demi-heure avec le président depuis le mois dernier, trois nouvelles fiches d'incident avaient été renseignées. Jean Clément Charles lut les descriptions des deux premières qui faisaient état de problèmes au niveau de la conception du prototype. Les autocollants arborant les logos du Conseil régional et de automobiles composants avaient une dimension trop importante pour trouver leur place sur la carrosserie du véhicule. Par ailleurs, la peinture métallisée qui avait été livrée s'était révélée non conforme à ce qui avait été commandé, le fournisseur ayant fait une erreur de référence dans son catalogue. Chacun prit note de ses problèmes dans la mesure où cela le concernait, et des décisions furent prises pour y remédier. Le PDG entama la lecture de la dernière fiche qui avait été rédigée par René Martinez. Quand on fixe le réservoir sur le châssis, ça ne marche pas. Les directeurs levèrent le nez de leur calepin, les cliquetis des stylos cessèrent, et seul Paul Butte, qui tapotait sur son téléphone, ne tourna pas le regard vers Charles. Gravard, en tant que directeur de la fabrication, était directement concerné par cette fiche dont il ignorait l'existence. Après un effort de mémoire, il se souvint des questionnements de son chef d'atelier, mais préoccupé par d'autres choses à ce moment, il n'avait aucune idée de la signification réelle de cette fiche. Jean Clément Charles relut la fiche dans son intégralité et insista sur l'importance grave qui avait été mentionnée sur la fiche. Gravard dut prendre la parole pour s'expliquer. Nous avons eu des soucis pour intégrer le nouveau réservoir sur le châssis, c'est vrai, mais les derniers essais que nous avons faits semblent concluants. À ma connaissance, plus aucun problème de fixation du réservoir n'est à déplorer. De quand date la fiche du 1er mars, répondit Charles qui avait toujours la fiche sous les yeux. Oui, c'est bien ça. Ce problème est réglé, il n'aurait jamais dû faire l'objet d'une fiche d'incident. C'est un problème technique qui a été résolu dans la semaine où il a été soulevé. Il arrive que des fiches parasites apparaissent dans le système, intervint Victor Lodz. Tous les employés n'ont pas forcément compris l'intérêt et l'importance de ces remontées d'informations, et ils ont tendance à pêcher par excès de zèle. C'est naturel, on ne peut pas leur en vouloir. Dans ce cas, j'en fais quoi? Je la conserve quand même? demanda le PDG au consultant. Comme vous voulez, mais théoriquement, si elle reste dans le dossier, il faudra aborder ce point à chacune des réunions suivantes. Alors je la jette. Il prit l'affiche, en fit une boule de papier qu'il lança dans la corbeille depuis son siège. Elle tomba à côté, ce qui attira l'attention de Paul Butte. Bien tenté, dit il avec un ton moqueur. Tiens, vous êtes là, vous? lui répondit Charles avant de se lever pour remettre la boule de papier au fond de la corbeille. Paul Butte ne comprit pas sa remarque, et la mit sur le compte de la sénilité présumée du PDG. Il regarda sa montre et dit. Je dois y aller, nous avons terminé. Oui, admit Jean-Clément Charles, de plus en plus agacé par le comportement hautain du directeur général du Conseil régional. Tout le monde se leva et des discussions naquirent entre les différents directeurs sans rapport direct avec les points abordés pendant la réunion. Les directeurs de la communication des deux structures prirent soin de ranger leur stylo Mont-Blanc de façon à ce que la petite tache sur le capuchon soit bien visible dans la poche extérieure de leur veste. La salle se vida, petit à petit, et le silence s'installa jusqu'au soir. Vers dix-neuf heures, la femme de ménage entra dans la salle et entreprit son nettoyage minutieux. Elle passa d'abord un coup d'éponge sur la table, puis nettoya le tableau blanc avec un produit spécial, enfin elle passa l'aspirateur après avoir relevé les chaises sur la table et vida la corbeille à papier dans son sac plastique. Plus tard dans la soirée, juste avant de partir, elle vida ce sac plastique dans la poubelle à recyclage qui était à l'extérieur des locaux. Quand elle fut vraiment partie, Verdier, qui l'observait depuis le bar d'en face, sortit et se dirigea vers cette poubelle. Muni de gants en caoutchouc naturel qui montaient jusqu'à ses coudes, il plongea ses mains dans les papiers usagés à la recherche d'indices utilisables. Il tomba sur un nombre conséquent d'impressions ratées, tachées ou raturées, comportant des traces du tambour de la photocopieuse, ou parfois des fautes d'orthographe trop évidentes. Il pesta contre ce gaspillage faramineux de papier, à l'heure du tout informatique, et se demanda combien d'arbres cela pouvait bien représenter. Puis il trouva une feuille roulée en boule. Il la déplia soigneusement pour ne pas la déchirer, et prit connaissance de son contenu à la lumière de sa lampe de poche rechargeable. Son regard s'illumina, il referma doucement le couvercle de la poubelle, et s'enfuit sur son vélo après avoir précautionneusement rangé la feuille dans un porte document. Au lâche de Jérôme Vitenay, chapitre 27. 5h50. Le réveil strident de Thomas Flesque déchira le silence et ses tympans. Sa main se tendit machinalement vers l'objet maudit, et ses doigts le tâtèrent pour trouver enfin le bouton qui cessa le supplice. Son épouse n'avait pas bougé. Elle semblait continuer de dormir, tournée vers le côté opposé du lit. Elle ne travaillait pas ce matin. Vendeuse à mi-temps, ses horaires changeaient d'un jour à l'autre. Thomas l'observa dans la pénombre, essayant de deviner si elle dormait vraiment. Au rythme de sa respiration, il supposa que non, mais n'osa pas la toucher et se leva en silence et sans allumer la lumière. La veille, ils avaient eu des mots. Toujours les mêmes et sans plus de résultats concrets. Il ne faisait plus attention à elle, il passait le plus clair de son temps au bureau et le peu qui restait dans son association. Il était président d'un club d'athlétisme amateur, et la plupart de ses week-ends étaient envahis par des entraînements ou des compétitions amicales. Elle n'avait pas tort, mais lui n'avait pas de solution. Son équilibre personnel en dépendait. En trouvant ce nouvel emploi chez Automobile Composant, il espérait avoir initié une nouvelle période de sa vie, plus tranquille, moins stressante. Son poste précédent, Comptable dans une PME au bord de la faillite et obligé de gruger le fisc pour se tenir à flot, l'avait maintenu pendant cinq années dans un état d'anxiété permanente qui se manifestait par des malaises vagos inopinés et une absence d'appétit quasi totale. Il avait perdu du poids, ses cheveux se clairsemaient et ses ongles étaient dévorés. Sa fille lui avait demandé un jour, alors qu'il l'accompagnait chez Sanounou en voiture avant de partir au travail, ce qui se passerait s'il avait un malaise en conduisant. Il l'avait regardé dans le rétro, surpris par la pertinence de sa remarque, et des images étaient passées devant ses yeux, en accéléré, comme dans ces films où le héros se voit mourir. Il vit sa fille hurler, papa, dans une voiture qui faisait des tonneaux avant de s'immobiliser au creux d'un ravin. Il en eut des sueurs froides et un haut-le-cœur. Il donna sa démission le jour même. Pendant la période de chômage qui suivit, pour ne pas rester inactif, il prit cette responsabilité de président à l'association sportive pour une seule saison, pensait il, mais personne ne souhaitait prendre la relève, alors il continua. Le sport lui donnait confiance en lui, le détendait et améliorait sa santé. Les malaises s'espacèrent, puis disparurent. Il reprit quelques kilos et retrouva le sourire. Mais le sport agissait comme une drogue dont il ne pouvait maintenant plus se passer. Les semaines où, pour une raison ou pour une autre, il se trouvait dans l'incapacité de courir, les symptômes revenaient, des étourdissements d'abord, puis le cœur qui se mettait à battre irrégulièrement. Six heures. Il chaussa ses baskets et enfila son survêtement. Avant le petit-déjeuner, une heure de footing lui donnait la force d'entamer la journée. Le soleil se levait à peine et il faisait encore frais. Les cuisines s'allumaient une à une dans les maisons tout au long de son parcours, et quand il rentrait chez lui, il était parfaitement réveillé, tandis que la plupart de ses semblables peinaient encore à ouvrir les paupières. En veillant à ne pas réveiller sa femme et sa fille, il prit sa douche et s'habilla en se regardant dans le miroir. Tout en se rasant, il plongea ses yeux dans son propre regard et s'interrogea profondément sur le sens de sa vie. Était il condamné à rester longtemps sur ce poste de contrôleur de gestion qui ne lui plaisait pas? Quel événement dramatique, quelle maladie le pousserait cette fois à donner sa démission? Est ce du courage, de l'abnégation ou de la bêtise que de jouer cette comédie chaque jour au bureau? À quel âge devient-on véritablement adulte et prend-on le contrôle de sa vie Il se doutait que son épouse souhaitait un deuxième enfant et que c'était la cause cachée de toutes leurs disputes. Puisqu'elle savait qu'il ne pouvait envisager la chose dans cet état permanent de surmenage, elle s'attachait à lui faire lâcher prise, d'abord, avant de lui demander plus directement de faire un autre enfant. 7h30. Il termina son petit déjeuner, se brossa les dents et réajusta sa cravate devant la glace. Ses yeux étaient vides cette fois. Il avait remis son masque professionnel et perdu une part de son humanité. Il était prêt pour aller travailler. Quand sa voiture quitta la cour, il ne vit pas l'ombre de son épouse qu'il observait par la fenêtre de sa chambre. Il arriva au bureau un peu avant huit heures, d'un pas leste et en affichant son air déterminé habituel. Un homme l'attendait devant la porte de son bureau il ne le reconnut pas immédiatement. René Martinez l'attendait depuis quelques minutes. Il embauchait à sept heures trente, à l'atelier. Thomas Flesque le salua et engagea la conversation. Vous voulez me voir Oui, répondit simplement Martinez. Très bien, entrez dans mon bureau, dit Flesque en ouvrant la porte. Le chef d'atelier entra dans le bureau, mais vêtu de sa combinaison tachée de graisse, n'osa pas s'asseoir. Flesque ôta sa veste et posa son cartable sur le bureau en se demandant ce que lui voulait son interlocuteur. C'est à propos de la salle de réunion, dit Martinez. Ah. S'étonna le contrôleur de gestion. Mais vous savez, pour les réservations, ce n'est pas moi qui. Non, ce n'est pas ça. Je voulais vous signaler un problème. Un problème? De quel ordre? De l'ordre du planning, répondit Martinez, dont le français était parfois approximatif. C'est-à-dire. Je crois qu'il y a eu des erreurs d'estimation parce que la salle est toujours pleine. Toujours pleine? selon mes chiffres elle continue d'être à moitié vide. D'ailleurs, je viens de passer devant il n'y avait personne. Les chiffres, c'est une chose, mais moi, quand je veux la réserver, elle est toujours prise. Essayez de vous y prendre plus à l'avance. Je ne peux pas, d'habitude, les fournisseurs me téléphonent la veille ou le jour même, parce qu'ils sont dans le coin. Comment faisiez vous avant? Avant on avait l'autre salle, la nôtre, dans notre bâtiment mais maintenant elle sert au stockage. Vous ne pouvez pas expliquer ça à vos fournisseurs J'ai déjà essayé. Et alors Ben, ils continuent de faire pareil qu'avant. Et votre directeur, il n'a pas de solution à vous proposer, c'est qui, c'est gravard Oui. Qu'est-ce qu'il en dit lui Il me dit de réserver la salle. Et vous le faites Elle est toujours prise, je vous dis. Et quand par chance j'ai réussi à la réserver, c'est JCC qui me fait dégager. JCC. Jean-Clément Charles. Il a sans doute ses raisons. Il a ses raisons, Gravard a ses raisons, vous avez les vôtres, et moi j'ai des fournisseurs qui sont debout, et avec des plans ou des catalogues, c'est pas facile. Et dans votre bureau? Martinez esquissa un sourire gêné. J'en ai pas de bureau, je suis à l'atelier. Ah. Oui, c'est juste. Du coup, je fais comment? Écoutez, je ne sais pas, je vais y réfléchir, mais pour moi, sur le papier, il n'y a pas de problème. La salle est encore largement disponible. Je ne peux pas retourner voir notre PDG en lui disant que la salle n'est pas plus occupée qu'avant, mais qu'il faut quand même réaménager une seconde salle. Ce n'est pas crédible. Bon. Je suis désolé. Flesque le raccompagna jusqu'à sa porte et lui souhaita une bonne journée. En revenant à son bureau, il s'assit sur son siège et contempla la photo de sa fille qu'il avait mise dans un cadre et posée sur son plan de travail. Elle avait quatre ans aujourd'hui. Il ne s'en souvenait pas. Polache de Jérôme Vitenay, chapitre 28. Les jours qui suivirent leur dernier rendez-vous, Frédéric dormit peu. Les propos énigmatiques d'Élodie se prêtaient à toutes les interprétations, des plus sordides aux plus dramatiques. Elle n'avait pas souhaité en dire davantage et il n'avait pas eu le courage ou le culot de la questionner plus avant. Sans doute était-ce trop tôt. Ces nouvelles informations donnaient à leur premier rendez-vous un relief encore plus gênant pour Frédéric. Avait-il rouvert une cicatrice qui se refermait déjà péniblement? Cette nuit, il tourna et se retourna dans son lit sans parvenir à trouver le sommeil. Vers deux heures du matin, après avoir bu un verre de lait, essayé de s'endormir en musique, pris un comprimé effervescent d'aspirine, il se leva et alluma l'écran de son ordinateur qui, lui, était sous tension 24 heures sur 24 il s'aperçut que Sébastien lui avait envoyé plusieurs mails auxquels il n'avait bien sûr pas répondu. Son camarade et collègue s'inquiétaient de son absence sur les jeux en ligne auxquels ils participaient ensemble et qui lui avaient causé de cuisantes défaites. Frédéric s'aperçut que l'idée de voir ses armées virtuelles décimées l'indifférait totalement. Pourtant, il y a quelques semaines à peine, c'est sans doute cela qui l'eût empêché de dormir. Il parcourait machinalement, sans les lire, quelques forums où il avait ses habitudes quand le signal musical de réception d'un nouveau mail retentit. De Élodie elodie .fr, à Frédéric fred freefr Date 5 avril 2005 2h35 Objet Insomnie Je n'arrive pas à dormir. Notre dernière conversation tourne en boucle dans ma tête. Je pense que tu dois me prendre pour une folle. Je n'arrive pas à faire une croix sur un certain nombre d'événements de mon passé récent. Pourtant, rien de grave. Je ne sais pas comment en sortir. Je pensais que j'y arriverais mieux par mail, mais non. Tu vas me trouver encore plus débile. Tant pis, j'en vois quand même. Hello. Frédéric lut le message en silence, plusieurs fois. Puis il réalisa qu'elle était encore sans doute devant son ordinateur et rédigea à la hâte une réponse qu'il envoya sans se relire. De Frédéric, fred76 @free .fr, à Elodie, elodie.wanadu.fr, date 5 avril 2005, 2h37, objet re-insomnie. Hello, hello. Je ne dors pas non plus. Fred. Il cliqua sur Envoyer puis fit claquer la souris sur le bureau en voyant ses fautes de frappe. Les minutes qui suivirent, il pressa anxieusement sur la touche F5 de son clavier, chaque seconde pour actualiser sa messagerie. Au bout de deux minutes, il ralentit la cadence, comme pour ne pas stresser sa correspondante avec ses rappels intempestifs dont elle ne pouvait bien sûr pas se douter. La réponse n'arriva que huit minutes plus tard, délivrant une charge de dopamine dans le cerveau de Fred. De Elodie, elodie .fr, à Frédéric, fred 76 .fr, date 5 avril 2005, 2h45. Objet, re-insomnie. Que fais-tu debout à 7h Encore à télécharger des trucs sur Internet Enfin, merci, je me sens moins seul. Mon message précédent ne t'a pas fait peur Hello. De Frédéric, fred 76 .fr, à Elodie, elodie atwanadou.fr. Date 5 avril 2005, 2h46. Objet re-insomnie. Je ne dormais pas parce que je pensais à toi. Et rien de toi ne me fait peur. Par contre, j'aimerais bien t'aider et comprendre. Fred. De Elodie, elodie .fr, à frédéric-fred76-atfri.fr. Date 5 avril 2005, 2h49. Objet re-insomnie. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est moi qui ai tendance à être compliqué. Je ne sais pas si quelqu'un pourra un jour comprendre. Pas ma famille, en tout cas. Hello. PS, tu pensais à moi De Frédéric, fred76atru.fr à, à Elodie, Elodie à fr. Date 5 avril 2005, 2h50. Objet, re-insomnie. Je sais comment fonctionne un ordinateur et même maintenant le principe de la pile à combustible. Tu penses que tu es plus compliqué que ça Fred. PS, tout le temps. De Elodie, ElodieAtoinadou.fr à Frédéric, Fred76, atfri.fr, date 5 avril 2005, 2h53, objet re-insomnie. Ne sous-estime pas le degré de complexité d'une fille. Et puis, je ne suis pas fourni avec une notice. Ça se passe bien au boulot Hello. PS, menteur. De Frédéric Fred76 at free .fr, à Elodie, Elodie .fr, date 5 avril 2005, 2h55, objet Re Insomnie. S'il faut écrire la notice soi-même, je sais faire aussi, mais il faut que tu sois coopérante. Au boulot ça va, mais ne change pas de sujet. Fred, PS, mince, démasqué. De Elodie, Elodie .fr, à Frédéric Fred76 at free .fr, Date 5 avril 2005, 2h57, objet « Re-insomnie ». Coopérante Qu'est-ce que tu entends par là Ok, on parle plus de boulot. Hello. PS. Gouja. De Frédéric, fred 76 atrifr à, à Elodie, Elodie fr Date 5 avril 2005, 2h58, objet « Re-insomnie ». Ne me ménage pas, ne me cache rien. Laisse-moi faire le tri, je ne te jugerai pas. Je veux juste t'aider. Fred. PS. Et toi? De Elodie. Elodieatwanadoo.fr à Frédéric. Fred76atree.fr. Date 5 avril 2005. 3h1. Objet re-insomnie. Je ne te cache rien. Je veux dire, ce n'est pas l'objectif. C'est juste que certains mots ne veulent pas sortir. Par pudeur peut-être. Ou bien parce que je me sens trop bête. C'est pas contre toi en particulier. Hello. PS. Quoi moi? De Frédéric Fred76 at Free.fr à Elodie Elodie date 5 avril 2005, 3h03, objet re-insomnie. Je me demande si je préférerais pas que ce soit contre moi, au moins je comprendrais, peut-être. Fred, PS, il t'arrive de penser à moi De Elodie Elodie .fr, à Frédéric Fred76 at Free.fr, date 5 avril 2005, 3h05, objet re-insomnie. T'es déjà senti honteux au point de ne pas pouvoir avouer quelque chose à tes meilleurs amis, à ta propre famille Hello. PS. Ça m'arrive. De Frédéric Fred76 atree.fr à Elodie elodie à .fr. Date 5 avril 2005 3 h 07 Objet Re insomnie. Oui régulièrement. Il y a des tas de choses personnelles que je ne dirais sans doute à personne. Sauf, euh, enfin je sais pas. Fred. PS, les points de suspension qui veulent tout dire et rien dire. De Elodie à Frédéric, date 5 avril 2005, 3h10, objet insomnie. Des choses personnelles, ok, mais des choses honteuses. Sauf quoi Hello. PS, des points de suspension de fille. De Frédéric à Elodie, date 5 avril 2005, 3h12, re-insomnie. Honteux, c'est subjectif, moi j'aurais honte de ne pas savoir imprimer un billet de train par exemple. J'allais dire sauf à toi, mais c'était prématuré, tu ne me fais pas confiance. PS, je note ça pour la rédaction de ma notice. De Elodie à Frédéric, date 5 avril 2005, 3h15, insomnie. Tu sais qu'il est 3h du mat' Il y a des trucs objectivement honteux, mais si je te fais confiance, et c'est quoi ces points de suspension Hello PS prévoit plusieurs milliers de pages. Je ne suis pas aussi simple que Windows. De Frédéric à Elodie, date 5 avril 2005, 3h16. Insomnie. Je sais bien l'heure qu'il est et je m'en fous tant que tu m'écris je te réponds. Puisque tu me fais confiance, je vais t'avouer un truc honteux. J'ai déjà pris des notes sur les habitudes de vie de quelqu'un, ses heures d'arrivée et de sortie du bureau, ses vêtements. J'ai aussi le droit de mettre des points de suspension de garçon. Fred. PS. J'ai déjà vu ton BSOD. De Elodie à Frédéric, date 5 avril 2005, 3h20, insomnie. Je vais bientôt arrêter l'échange parce que le sommeil me gagne. De quoi aurais-je l'air demain au bureau? Qui as-tu pisté comme ça au boulot? Seb? Hello. PS. BSOD? De Frédéric à Elodie, date 5 avril 2005, 3h21, insomnie. Tu seras parfaite comme d'hab. Si tu es en retard, je le noterai sur ta fiche. Fred. PS. Blue screen of death, c'est quand Windows plante. Tu m'as déjà planté une fois ou deux, j'ai l'habitude. De Elodie à Frédéric, date 5 avril 2005, 3h24, insomnie. Dernier mail de la nuit, tu as vraiment fait une fiche sur moi Mais depuis quand Hello. PS, je vais essayer d'être plus stable à l'avenir, mais il faut me laisser dormir. De Frédéric à Elodie, date 5 avril 2005, 3h25, insomnie. Depuis le premier jour où je t'ai vu, je crois. C'est pour ma notice. Reste encore un peu. PS, bonne nuit. Frédéric cliqua une dernière fois sur envoyer et attendit malgré tout une réponse. Vers 3h45, 15 minutes après son dernier mail, il se résolut à regagner son lit. Il ne s'endormit pas facilement, mais son esprit était beaucoup moins sombre. Paul H de Jérôme Vitenay, chapitre 29. Le 6 mai approchait et les préparatifs de la présentation du prototype devenaient de plus en plus tendus. Contrairement à ce qui avait été annoncé, le véhicule ne serait pas en état de rouler ce jour-là. Des difficultés de mise au point du moteur à hydrogène avaient poussé les ingénieurs d'automobiles composants à abandonner l'idée de faire une démonstration, même limitée sur circuit, de la conduite du véhicule. Quand il l'a pris, Paul But était en vacances. C'est François Pernier lui-même, le président de région, qu'il avait dérangé sur son portable alors qu'il errait dans la rue piétonne d'une ville du sud de la France. L'élu était en colère, l'opposition n'avait pas manqué de lui faire remarquer que sa politique volontariste prenait l'eau de toutes parts, et la presse s'était moquée de ses projets publics pharaoniques qui prenaient toujours du retard. Aussitôt, Paul Butte appela le PDG d'Automobile Composant pour connaître les raisons de ce dérapage, et lui transmit la colère du président en utilisant le même ton et les mêmes mots. Cependant, s'il y avait une relation hiérarchique entre Paul But et le président de région, Jean-Clément Charles n'avait pas d'ordre à recevoir du directeur général du conseil régional. La discussion fut donc houleuse et se conclut par la programmation d'une réunion de crise dès le lundi suivant. Jean-Clément Charles détestait maintenant ouvertement Paul But et leurs rencontres étaient chaque fois plus musclées, plus électriques. Pourtant, le PDG de Automobiles Composants ne se fit pas prier pour que la Réunion se tînt à l'hôtel de région. Il arriva en avance, particulièrement en avance même, pour échanger quelques mots avec Martine, la secrétaire de Paul Butte. S'il se sentait vieillir presque chaque jour, lorsque le sommeil le fuyait, quand sa digestion devenait problématique et les douleurs musculaires de plus en plus inattendues et durables, Jean-Clément Charles retrouvait son teint et sa vivacité d'esprit de jeune homme en présence de Martine. Il n'avait jusqu'ici jamais trompé son épouse et n'envisageait pas sérieusement de le faire, mais ce flirt gratuit avec la secrétaire de son pire ennemi du moment lui était très agréable. Cette fois il était allé jusqu'à lui acheter une boîte de chocolat, et il se demandait bien quel prétexte il allait pouvoir trouver pour la lui offrir sans passer pour un séducteur en série. Mais même ce léger stress lui procurait un certain plaisir. Après tout, si à son âge, avec son expérience, il ne pouvait pas se permettre d'être spontané. Quand le pourrait-il Martine était en train de remettre de l'ordre dans le bureau de son directeur. Elle mit en évidence sur son plan de travail le parafeur qu'il avait encore oublié de signer, retardant d'autant le fonctionnement quotidien de tous les services de la région. Elle débrancha le téléphone pour pouvoir en démêler les fils correctement et vérifia que la tonalité était présente avant de le reposer délicatement à sa place. Jean-Clément Charles l'observait discrètement virevolter autour du bureau et volait de temps à autre l'image fugace de la bretelle de son soutien-gorge qui apparaissait sur son épaule. Bonjour, finit-il par dire pour ne pas que ce soit elle qui le surprenne dans la position indélicate du voyeur. Ah, bonjour, répondit-elle en levant la tête. Déjà là? J'étais en ville, je n'ai pas eu le courage de retourner au bureau pour revenir aussitôt ici, j'aurais passé mon temps dans la voiture. Installez vous sur un fauteuil, et je vais vous préparer un café. Monsieur Butte devrait bientôt arriver. Merci, Martine. Le prénom lui échappa. Cette familiarité était inappropriée, puisqu'elle ne lui avait jamais officiellement donné son prénom. Il l'avait saisi dans une conversation entre son directeur et elle, et bien sûr mémorisé aussitôt. Par ailleurs, il aurait pu dire Merci, Martine, en une seule phrase, d'un seul bloc, mais sa langue et sa bouche avaient marqué une pause, une hésitation qui en disait long cela signifiait en quelque sorte est-ce que je peux vous appeler martine voir jusqu'où notre relation peut-elle aller il prit conscience aussitôt de sa maladresse mais une fois encore au lieu de s'en sentir gêné il ressentit des picotements très agréables au niveau de la nuque je vous ai apporté des chocolats continua-t-il en tendant la boîte devant lui pour moi s'étonna-t-elle en battant des cils ce qui accentua chez lui les picotements de nuque vous m'offrez des cafés à chacune de mes visites, je vous dois bien ça. Je sers le café à beaucoup de monde, et personne ne me donne jamais rien en retour, à part mon salaire, bien sûr. Il rit sans savoir si cela était vraiment un trait d'humour de sa part. De toute façon, à ce moment de la conversation, il avait prévu de rire quoi qu'il arrive. Elle prit la boîte de chocolat et alla la poser sur son bureau. Je vais les donner à mon fils, c'est un gros gourmand. Le sourire du PDG se figea imperceptiblement. Il eût préféré, bien sûr, que ces friandises exaltent leur saveur fine sur le palais de Martine, ou qu'ils en grignotent quelques uns ensemble ici mais, pour faire bonne figure, il accepta de bon cœur que ces chocolats finissent sur les doigts et les vêtements de son fils. Il s'assit dans un fauteuil et attendit le retour de Martine avec son café brûlant. Vous n'en prenez pas un avec moi? lui demanda t-il. Monsieur Butte n'aimerait pas ça. Mais vous, vous aimeriez? C'est-à-dire que j'en ai déjà pris un ce matin en arrivant. Oh, et puis vous avez raison, je m'en resserre un petit. Si But arrive, je lui expliquerai que c'est de ma faute. Elle disparut dans son bureau et revint avec une tasse rose sur laquelle un smile jaune était imprimé. Cependant, elle n'osa pas s'asseoir dans le fauteuil qui faisait face à celui de Charles. Vous restez debout? Oui, je préfère, répondit-elle en prêtant attention au bruit qui venait des couloirs. Vous craignez qu'il arrive? Craindre, c'est beaucoup dire, mais vous savez je tiens à mon poste et ce serait dommage de le perdre pour des bêtises comme ça. Il vous virerait pour ça? Non, mais il pourrait me mettre ailleurs ou me rendre la vie impossible ici. Jean Clément Charles réfléchit et se demanda si sa propre secrétaire pouvait avoir ce type de réflexion. À cet instant il se considérait bien plus humain et agréable que Paul Butte mais est ce que dans son entreprise sa simple position hiérarchique pouvait induire ce type de comportement chez ses subordonnés. Sans doute, admit-il intérieurement, et cela le déstabilisa. Je crois qu'il arrive, dit Martine en finissant son café. Effectivement, quelques secondes plus tard, le directeur apparut, le nez dans son téléphone. Il serra la main de Charles sans prononcer un mot et lui intima d'entrer dans son bureau dans lequel ils s'enfermèrent. Jean Clément Charles retrouva instantanément toute sa haine envers son interlocuteur, et fit le vide dans sa tête pour s'apprêter à défendre les intérêts de son entreprise. Expliquez moi ce que c'est que ce foutu retard, commença Paul Butte, directement désagréable et condescendant. C'est un retard industriel comme il en existe parfois, vous ne pouvez pas comprendre, répondit Charles sur le même ton. L'industrie, le secteur privé, qui n'a de cesse de critiquer la lenteur de la sphère publique, son incompétence parfois, L'industrie prend du retard? Le process industriel est pavé de problèmes techniques dont vous ne mesurez pas les conséquences. Parce que vous croyez que nos problèmes à nous sont plus prévisibles, les réglementations et les lois qui changent au gré des gouvernements ou même des décrets d'application, nous ne pouvons même pas choisir librement nos fournisseurs. Quel est le problème technique? Expliquez moi. Vous ne comprendriez pas. François Pernier m'a demandé des détails précis du problème, je vous somme de me les communiquer. C'est une question de pression et de température. Les matériaux que nous avons choisis ne résistent pas aux contraintes qu'ils subissent pendant l'utilisation. Il y a un risque d'explosion du moteur. Qui a fait de mauvais choix? fit Butte d'un ton inquisiteur. Personne. Tout le monde. Ce sont les fournisseurs qui avaient de mauvaises données, mes ingénieurs qui ont mal évalué les contraintes, la conception qui est à revoir. Ce n'est pas juste un idiot qui s'est trompé de chiffres en tapant sur sa calculatrice. C'est un projet complexe et il passe nécessairement par ce genre d'étapes. Mais pour le 6 mai, le 6 mai, nous aurons un prototype tout à fait présentable. Avec. Il roulera Non. Même pas quelques mètres Le risque est trop important. Vous imaginez une explosion devant la presse Vous imaginez une voiture qui ne roule pas Devant la presse On peut leur expliquer. Surtout pas. La presse a déjà fait ses choux gras du retard annoncé, il est hors de question qu'il diffuse l'idée que le véhicule à hydrogène puisse être dangereux. Dans ce cas, il faut que la voiture roule. Mais je vous l'ai dit, c'est impossible. Il nous faut revoir la conception entière du moteur, et son positionnement dans faites la rouler avec un autre moteur. Jean Clément Charles fixa son interlocuteur pour tenter de comprendre son idée. Un autre moteur? Électrique, par exemple. Mais le POLACH, le véhicule à hydrogène Je ne vous parle que de la présentation du 6 mai. Êtes-vous capable, oui ou non, pour le 6 mai, de me faire une voiture qui roule, au moins quelques mètres, sans faire de bruit, ni dégager de gaz d'échappement Le PDG réfléchit un instant, surpris par la tournure que prenait le projet et cette discussion. Peut-être, admit-il, sans trop s'engager, mais c'est une perte de temps. Pourquoi? Le temps que mes équipes adaptent le prototype pour qu'il roule à l'électrique retardera encore plus le moment où nous aurons un vrai véhicule à hydrogène. Et alors? Industriellement, c'est un non-sens. Politiquement, c'est la seule solution. Et puisque ça prend du retard, nous allons demander une rallonge. Une rallonge? À l'État. Mais pour cela, il nous faut un prototype qui roule le 6 mai. Et faire en sorte que tout le monde voit que ce projet représente l'avenir de l'automobile en France. Ce n'est pas qu'une question d'argent, il y a. C'est toujours une question d'argent. Vous doublerez vos équipes pour attraper votre retard, mais pour cela, j'insiste, il faut que les représentants de l'État, qui seront là aussi le 6 mai, en prennent plein la gueule. Il faut les convaincre que c'est LE pôle de compétitivité qui mérite le plus de subventions. Doubler les équipes Paul Butte ne répondit pas. Il se leva. Et accompagna Charles jusqu'à la porte qu'il referma aussitôt et sèchement derrière lui. Le PDG de Automobiles Composants, perturbé par ce qu'il venait d'entendre, se remémora une blague entendue lors d'un séminaire de formation à la gestion de projet. Un chef de projet, c'est quelqu'un qui croit qu'avec neuf femmes, on peut faire un enfant en un mois. Paul H de Jérôme Vuitennet, chapitre 30. Un moteur électrique Sébastien n'en croyait pas ses oreilles. Depuis plusieurs mois, il travaillait à l'intégration du moteur à hydrogène sur le châssis conçu par le département fabrication. Jean-Clément Charles lui demandait aujourd'hui de tout abandonner pour se consacrer à la mise en place d'un moteur électrique. Il s'agit juste de réaliser un prototype roulant pour le 6 mai. Vous pourrez reprendre votre travail sur la pile à combustible juste après, dit le PDG pour essayer de rassurer l'ingénieur. Pour le 6 mai, mais on n'aura jamais quelque chose de fiable pour cette date, c'est dans quelques jours. La fiabilité n'est pas notre principal souci pour cette fois. Le prototype ne roulera que quelques mètres et nous serons au volant pour contrôler que tout se passe bien. Mais les journalistes, que vont-ils penser de ce revirement technique de dernière minute Les journalistes n'en sauront rien. Pour eux, le prototype roulera à l'hydrogène. Nous laisserons d'ailleurs le réservoir bien visible et cacherons la batterie. Cacher la batterie Vous avez une idée de la taille d'une batterie de voiture électrique Je ne vous demande pas une autonomie de 200 km. Trouvez un moteur de tondeuse électrique et adaptez-le pour que la voiture puisse rouler une trentaine de mètres. Cela suffira. C'est du travail de sagouin, et c'est une duperie. Je refuse de participer à cette mascarade. D'autant que je ne suis pas certain que cela soit seulement possible dans les délais impartis. Vous n'êtes pas là pour juger des choix stratégiques de l'entreprise, monsieur Prost. Vos états d'âme n'ont pas d'importance dans ce projet d'envergure nationale. Le PDG usa de son autorité et fit changer la tonalité de la discussion en une seule phrase. Par l'emploi de la formule Monsieur Prost, il mettait de la distance entre son employé et lui, et l'allusion aux enjeux nationaux rendait les arguments de Sébastien soudain sans objet. L'ingénieur encaissa la remarque sans quitter Charles des yeux, estimant qu'il avait passé l'âge de se faire traiter comme un enfant un enfant qu'il était resté pourtant à bien des égards, lorsqu'il jouait encore à des jeux vidéo ou qu'il ramenait son linge sale à laver à sa maman chaque week-end. Sans charge de famille, sans engagement dans la vie réelle, seule son existence virtuelle pouvait témoigner de son sens de la responsabilité et de sa véritable personnalité adulte. Modérateur apprécié sur plusieurs forums de discussion, engagé dans la défense des logiciels libres, créateur de talents à ses heures perdues, son allure d'éternel adolescent ne laissait pas paraître sa maturité réelle. Jean Clément Charles, qui avait deux fois son âge, avait un côté paternel assez agaçant, qui se manifestait par de régulières crises d'autorité. Au lieu d'associer son employé dans la recherche d'une solution, il lui imposait sa vision des choses, en omettant de lui expliquer le contexte du problème. Sébastien quitta Charles des yeux pour fixer son fond d'écran qui représentait Yoshi tirant la langue en direction d'une pomme verte flottant dans l'air. Il réfléchit un instant, puis lâcha les armes. Ok, je vais regarder ce que je peux faire. Jean Clément Charles se leva, satisfait, et croisa Frédéric en sortant du bureau. Il revenait de l'étage supérieur où Élodie l'avait appelé pour un dépannage informatique. Il perçut d'emblée l'atmosphère électrique dans le regard du PDG et la mine de son collègue, et son sourire béat s'éteignit donc aussitôt. Il attendit que Charles sorte pour interroger Sébastien. Et y a un blême il faut qu'on mette un moteur électrique sur le proto. De quoi Pour le 6 mai. Ils veulent que le truc roule à tout prix. Il faut qu'on monte un moteur à l'arrache. Mais pourquoi faire Il ne me l'a pas dit, évidemment. On ne peut jamais savoir ce qu'il a derrière sa tête de caboche. Les deux ingénieurs gardèrent le silence pendant quelques secondes, chacun analysant ses nouvelles données en scrutant son écran. Les yeux de Sébastien s'illuminèrent alors. Le FEN. Le, le moteur du Fenwick de l'atelier. Ne me dis pas que on n'a pas le temps de faire dans la dentelle. On va démonter le moteur du Transpalette et on va le coller sur le châssis. Mais et les batteries Il pèse deux tonnes le Transpalette. On peut ne prendre qu'une seule unité de batterie. Il y en a quatre. Mais l'autonomie On s'en fout de l'autonomie. Il veut juste pouvoir faire quelques mètres avec. On va rouler à vingt ou trente kilomètres heure. Ce sera bien suffisant. C'est en intérieur, je te rappelle. Tu n'as pas tort. Tu penses qu'on peut démonter ça facilement? Viens, on va voir Gravard. Sébastien avait retrouvé toute son énergie, il se leva d'un bond, et entraîna Frédéric avec lui dans le bâtiment B qui abritait les ateliers. L'arrivée impromptue des deux jeunes ingénieurs dans l'atelier attira les regards méfiants des ouvriers qui y travaillaient. René Martinez reconnut ses deux collègues, contre lesquels il n'avait pas de grief particulier, si ce n'est que, comme tous ses supérieurs hiérarchiques, il ne l'écoutait jamais. Il les vit pénétrer dans le bureau de Gravard et se mit à imaginer ce qu'il pouvait se dire et comment cela allait impacter son travail. Personne dans l'entreprise, à part le PDG, Frédéric et Sébastien, n'avait eu connaissance du changement d'orientation technique pour la présentation du 6 mai. L'information était confidentielle et devait le rester. Charles avait insisté sur ce point. Depuis l'atelier, Martinez voyait les trois hommes gesticuler dans le bureau de Gravard sans qu'ils ne puissent deviner le sujet de leur discussion. Puis il vit les autres ouvriers éteindre leurs machines et se diriger vers les vestiaires. Il regarda sa montre, midi. Il quitta lui aussi l'atelier après s'être changé et remarqua que les trois hommes palabraient toujours. À son retour, vers 13h15, l'endroit était désert. La sonnerie stridente du téléphone de l'atelier perça ses tympans déjà bien fatigués. Il décrocha. « Martinez, à l'atelier ?»« Une livraison pour vous. »« Ok, j'arrive. » Il raccrocha et alla chercher dans son bureau la clé du Fenwick. Il monta dans l'engin, tourna la clé, mais lorsqu'il appuya sur la pédale pour démarrer, il resta cloué sur place. Polache de Jérôme Vuitenay, chapitre 31 François Pernier prit connaissance de la dernière note de Paul Butte concernant le pôle H juste avant de recevoir John Fishing, le patron d'une multinationale pharmaceutique nommée Pharmed. La note était exagérément optimiste, mais l'élu vit au moins que son coup de pied dans la fourmilière avait eu un peu d'effet. En voyant que son DG demandait un nouveau coup de pouce financier, il tiqua. C'était lui qui devait maintenant négocier avec les services de l'État pour obtenir la rallonge. Il rangea le document dans son tiroir et son rendez-vous entra dans le bureau. Good morning, Mr. Fishing, mais vous parlez français, je crois. Bonjour, installez-vous. Juste un petit peu, articula difficilement l'Américain. Surtout n'hésitez pas à me faire répéter si besoin. Farmed envisageait d'implanter un centre de distribution dans la région, son deuxième en France. À la clé, un millier d'emplois nouveaux, peut-être deux. Si la région parvenait à faire délocaliser le centre administratif de la compagnie, aujourd'hui situé en Allemagne. Mais pour cela, il fallait être particulièrement attractif. François Pernier le savait car il était confronté au problème de plus en plus souvent. Les entreprises faisaient jouer la concurrence entre les sites potentiels d'implantation. La négociation portait sur les subventions accordées par les collectivités territoriales, les taxes professionnelles. Certaines régions n'hésitaient pas à offrir les terrains et parfois les locaux, après les avoir entièrement rénovés et raccordés au réseau au débit, à leurs frais. Bien évidemment, les autoroutes et les voies de chemin de fer qui desservaient le lieu entraient dans l'argumentation, et de ce point de vue, la région de François Pernier était sinistrée. Il lui fallait donc surenchérir les subventions et estimer ce que les régions concurrentes étaient prêtes à consentir pour obtenir cette implantation chez elles. John Fishing observait son interlocuteur avec un certain amusement. Il n'avait même pas à forcer son talent de négociateur pour obtenir ce qu'il voulait. Les enchères montaient toutes seules, au gré de ses déplacements, et il avait plusieurs propositions déjà très alléchantes dans ce pays et deux autres au moins ailleurs. Grâce à l'efficacité des transports, dont le coût global était lui aussi largement assumé par la collectivité qui entretenait les routes, les dégageait en hiver, autorisait la circulation de camions de plus en plus lourds, L'emplacement géographique de ces entrepôts n'avait plus aucune importance. Plusieurs pays, gangrénés par le chômage, se battaient pour voir ces entreprises s'implanter sur leur territoire, même si, au final, ils n'y payeraient pratiquement ni impôts ni taxes. La holding qui chapeautait son activité en Europe était domiciliée au Luxembourg et l'essentiel du chiffre d'affaires y était affecté. Il songea à ses bureaux luxembourgeois qui n'embauchaient que trois personnes à plein temps, dont une femme de ménage, et sourit en calculant mentalement ce que chacun d'eux rapportait théoriquement. Tout cela était légal, et portait le doux nom d'optimisation fiscale. La concurrence que se livraient les régions d'Europe entre elles n'était rien à côté de celle qui déchirait les grandes zones économiques mondiales. Les États Unis, la Chine, l'Europe affichaient toutes publiquement leur combat sans merci contre les paradis fiscaux, tout en entretenant plus ou moins secrètement leur propre zone franche, où les impôts et les taxes étaient réduits à leur plus simple expression. De petites îles perdues au milieu des mers ou des océans, sans aucun habitant, abritaient plusieurs sièges sociaux de filiales importantes de grands groupes internationaux. L'opacité totale en la matière n'avait d'égal que le volontarisme affiché des dirigeants politiques mondiaux, sincères ou non. François Pernier n'ignorait pas tout cela, mais comme ses homologues, il faisait partie d'un jeu planétaire dont il ne contrôlait pas les règles. Soit il acceptait de vendre son âme au diable pour que Farmé de daigne s'installer chez lui, soit il perdait mille emplois, les élections suivantes et, objectivement, un vrai coup de pouce pour la région et ses habitants. Il songea à tous ces chômeurs qu'il avait encore interpellés lors du colloque sur l'emploi le mois dernier, à l'espoir qu'il leur avait redonné, en prononçant un discours engagé et vibrant sur l'attractivité du territoire. Cette vision lui fit perdre le sens de la mesure. Il annonça à son interlocuteur, sans transition Un million. One what Un million d'euros de subvention si vous vous implantez chez nous, la moitié maintenant dès l'installation et l'autre moitié dans un an si nous avons bien mille emplois sur place. John Fishing jubila intérieurement. Les enchères venaient encore de monter de plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'opération s'annonçait blanche pour son groupe, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas à débourser un seul centime pour ouvrir ce nouveau site. C'était un cadeau des contribuables. Mais il n'était pas dans l'habitude de ce genre d'individu de remercier. Il se permit même de critiquer l'emplacement qu'on lui proposait gracieusement, en raison de sa surface limitée et de son accès difficile depuis les pays du sud de l'Europe. François Pernier s'excusa pour cet état de fait et promit une amélioration dans les cinq prochaines années avec la construction d'une bretelle vers l'autoroute qui menait au sud. Il savait la chose impossible pour l'avoir fait étudier par ses services, mais l'Américain méritait bien ce mensonge en face de son arrogance. John Fishing regarda sa montre en se moquant de ce dernier argument. Il avait un autre rendez-vous dans l'après-midi, en Italie. Son jet l'attendait sur le tarmac de l'aéroport le plus proche, il devait partir. L'élu se leva pour raccompagner son invité, cachant son amertume derrière un sourire de façade. Il n'aurait pas de réponse aujourd'hui. Peut-être n'en aurait il jamais, et il apprendrait, dans la presse, que Farmed a finalement choisi l'Italie ou l'Espagne pour son nouveau site. Et il verrait l'élu local, en photo, tout sourire, inaugurer les entrepôts aux côtés du patron américain, qui les fermerait trois années plus tard en accusant la conjoncture économique, laissant sur le carreau des hommes et des femmes qui s'étaient investis dans l'entreprise, avaient abandonné leur famille, peut-être, pour emménager non loin de leur nouveau lieu de travail. Cette nouvelle vision, plus pessimiste, lui fit presque regretter sa proposition financière astronomique, d'autant qu'il l'avait élaborée seul, sans l'assentiment de sa majorité à l'Assemblée régionale. Il referma la porte. Et appuya son dos contre elle, observa son bureau depuis là, l'esprit vide. Son téléphone sonna, il repartit pour un tour. Paul H. de Jérôme Vuitenay, chapitre 32. Vendredi 6 mai 2005, Al Multisport. Nicolas Verdier consulta sa montre nerveusement. Il réalisa que c'était la date anniversaire de l'explosion du Zeppelin Hindenburg, et y vit comme un signe. Fort des informations qu'il avait pu obtenir en fouillant les poubelles de automobiles composants, il savait maintenant que son intuition était la bonne, le véhicule à hydrogène ne serait jamais sûr et sa commercialisation dangereuse. Un peu paniqué à l'idée que la voiture explose pendant la démonstration de ce jour, il avait tenu néanmoins à être présent pour pouvoir expliquer aux nombreux journalistes à quel point il avait raison avant tout le monde. Depuis les gradins où le service de sécurité l'avait placé, il repéra la sortie de secours d'un œil inquiet et s'aperçut que des barrières en métal avaient été disposées de telle sorte que toute sortie d'urgence fût impossible. Il s'en avisa à un homme vêtu d'un gilet fluorescent qui passait devant lui. Excusez-moi, est-ce normal que la sortie de secours soit inaccessible? Je vous demande pardon La sortie de secours, là-bas, elle est derrière les barrières de sécurité. Ah oui, ne vous inquiétez pas, il y en a une autre ici. Il lui indiqua une autre sortie, de l'autre côté, parfaitement dégagée. Merci, on ne sait jamais avec ces prototypes. Il prononça cette phrase suffisamment fort pour que tous ses voisins pussent entendre ses paroles. L'un d'eux commit l'erreur de s'intéresser à ses propos. Nicolas Verdier put alors sortir son dossier complet sur la pile à combustible et énumérer les risques que les spectateurs présents encouraient en cas de fuite ou d'explosion du réservoir. Il ne précisa pas qu'il avait justement intercepté un document confidentiel qui faisait état d'une anomalie au niveau de cet élément. Il gardait cette information pour les journalistes. Jean-Clément Charles et Paul Butte s'apprêtaient à rejoindre la tribune officielle en compagnie de François Pernier et du représentant du ministère qui pouvait vérifier ainsi que les deniers de l'État étaient convenablement utilisés. En coulisses, ils avaient examiné le véhicule avant tout le monde. Jean Clément Charles avait fait ouvrir le capot à l'un de ses techniciens, mais s'était arrangé pour attirer l'attention sur autre chose que le moteur électrique de l'engin élévateur dont l'intégration avait été bricolée en urgence il plaisanta sur les traces de soudure encore visibles en expliquant que les modèles de série seraient beaucoup mieux finis paul but insista de son côté sur l'important travail qui restait à faire notamment pour répondre aux normes de sécurité et qui nécessiterait sans doute des moyens supplémentaires l'envoyé du ministère acquiesça d'un air concerné même s'il n'avait aucune idée de ce en quoi consistait le développement d'un tel prototype toute sa vie professionnelle il avait usé ses pantalons sur les sièges des plus hautes instances étatiques, et la dernière fois qu'il avait mis les pieds dans un atelier, c'était en cours d'éducation manuelle et technique au collège, voilà plus de vingt ans, et il en gardait de très mauvais souvenirs. François Pernier fit semblant de s'intéresser à l'équipe technique qui préparait le prototype, il serra quelques mains et posa des questions pointues qui lui semblaient pertinentes, mais n'avaient aucun sens pour ses interlocuteurs. Quand il demanda à Gravard si la dynamique du châssis n'était pas réduite par le poids du véhicule, celui-ci bredouilla une réponse de Normand et dévia rapidement sur un autre sujet que l'élu ne comprit pas davantage, mais qui sembla le passionner. La délégation officielle sortit enfin des coulisses, sous le crépitement des flashs des journalistes, et prit place dans sa tribune. Pendant que Sébastien stressait à l'idée que le moteur du Fenwick tombe en panne, frédéric envoyait des sms à élodie toutes les trois minutes tu ne veux pas lâcher ton bidule et vérifier avec moi une dernière fois que tout est ok frédéric rangea son téléphone dans sa poche avec regret et essaya de rassurer son collègue on a vérifié la batterie dix fois elle est chargée à bloc les essais nous ont permis de faire rouler la voiture à 40 km heure pendant 20 minutes elle va bien tenir cinq minutes à 5 km heure oui, mais si la soudure du moteur électrique lâche, tu as vu ce qu'ils ont fait de la caisse? La carrosserie avait été décorée aux couleurs de la région, ce qui donnait au véhicule un aspect plus robuste et sportif. Ce n'est pas trois autocollants qui vont augmenter le poids total. C'est vrai que ça fait bizarre de voir cette carrosserie pour nous qui savons qu'il y a un moteur d'engin élévateur sous le capot. Mais les gens ne s'en doutent pas, eux, et objectivement on ne va pas faire plus de choses qu'un chariot élévateur aujourd'hui. Le scénario de présentation, qui avait été concocté conjointement par les deux directeurs de la communication de la région et d'automobiles composants, prévoyait en effet un parcours simple et court du prototype sur un tapis rouge à l'intérieur de la salle. La voiture devait finir sa course dans une courbe élégante face aux journalistes qui avaient été judicieusement placés par l'équipe d'organisation. Pour accentuer la mise en scène, une musique tonitruante et psychédélique était diffusée pendant le film de présentation du projet et devait s'arrêter d'un coup alors que la voiture pénétrait dans la salle, dans le silence le plus absolu, pour souligner le confort sonore et l'aspect écologique du moteur prétendument à hydrogène. La vidéo était projetée sur grand écran et Frédéric pouvait la voir, à l'envers, depuis les coulisses, à travers le tissu. Des prises de vue avaient été faites les semaines précédentes dans les bureaux de automobiles composants, et il attendait de voir si la photo de groupe du personnel avait été gardée au montage. Il y figurait aux côtés d'Elodie qu'il tenait par l'épaule. Il gardait un souvenir précis et troublant de la chaleur de son corps dans la paume de sa main à ce moment. La photo apparut, pendant une seconde à peine, comme un éclair fugace dont il s'imprégna les rétines. Sébastien le secoua et chuchota. Elle ne démarre pas. De quoi Sébastien courut se poster à nouveau au volant. La vidéo se terminait dans quelques dizaines de secondes. Il devait entrer en scène. J'ai mis le contact, j'appuie sur la pédale et rien. Ouvre le capot. On n'a pas le temps. Ouvre le capot, je te dis. Sébastien s'exécuta en jetant un œil angoissé à la vidéo. La séquence finale avait commencé. Elle durait une minute exactement. Les deux ingénieurs se penchèrent sur le moteur électrique, le touchèrent pour vérifier sa température, suivirent les fils de connexion jusqu'à la batterie. Tout semblait correct. Le testeur, vite Ils branchèrent un ampermètre dans le circuit entre la batterie et le moteur et mirent le contact. L'aiguille ne broncha pas. Putain, elle est vide Va chercher l'autre batterie, je démonte celle-là Mais pourquoi elle est vide On s'en fout, c'est pas le moment Frédéric sortit une clé de sa poche et commença à dévisser l'un des quatre boulons qui maintenaient la batterie dans son logement. Il lança un regard en direction de l'écran, plus que quelques secondes. Sébastien arriva avec l'autre batterie et dévissa le dernier boulon pendant que Frédéric s'acharnait sur le troisième. Ils firent valser la batterie hors du capot, elle fit un bruit sourd en tombant sur la moquette rouge. Puis ils placèrent la nouvelle batterie et vissèrent chacun un boulon. Sébastien s'apprêtait à prendre le troisième, mais Frédéric l'arrêta. C'est bon, ça tient. Ils s'écartèrent tous les deux et fermèrent le capot juste quand la vidéo se termina. Le silence s'installa dans la salle, créant une atmosphère étrange. Les deux directeurs de la communication, qui ignoraient ce qui se passait en coulisses, savourèrent leur effet en bombant le torse sous leur chemise Lacoste. Quelques secondes passèrent, et leur sourire laissa la place à une sourde inquiétude qui se lisait sur les traits de leur visage. Nicolas Verdier s'attendait à une explosion il plissa les yeux et mit la main devant son visage par précaution. Il murmura. Ça va péter. Au plus fort de l'instant dramatique, le véhicule entra enfin, lentement, silencieusement. Il parcourut quelques mètres avant que le public n'applaudisse spontanément. L'écologiste, lui, garda ses mains près de son visage, on ne sait jamais. Au volant, Sébastien serrait les fesses, et s'appliquait à rester bien au milieu du tapis rouge. Il n'avait aucune idée du niveau de charge de la batterie de secours, et si la première s'était déchargée si vite, c'est qu'il devait y avoir un court-circuit quelque part, qu'il n'avait bien sûr pas eu le temps de diagnostiquer. Il jeta un œil dans son rétroviseur et vit Frédéric rester en coulisses qui levait le pouce en souriant. Puis il vit son sourire s'éteindre et son regard scruter le tapis. Un des boulons non revissés venait de tomber. Dans la précipitation, ils avaient refermé le capot sans récupérer les boulons supplémentaires. Personne ne sembla s'apercevoir de l'incident. Le véhicule poursuivit sa trajectoire sous les applaudissements jusqu'à la courbe finale où les flashs des appareils photos n'en finissaient plus de clignoter. Sébastien sortit du prototype et referma la porte faisant tomber le second boulon inutilisé sous la voiture. Pendant que tous les regards étaient braqués vers lui, Frédéric récupéra le premier discrètement et le ramena en coulisses. Les journalistes interrogèrent le jeune pilote d'essai. Qu'est ce que ça vous fait d'être le premier à la conduire? Est ce que c'est aussi silencieux à l'intérieur? Avez vous le sentiment de respecter la nature avec ce moteur à hydrogène? Des questions qui laissaient déjà augurer du contenu des articles de la presse locale du lendemain, qui, pour la plupart, étaient déjà rédigés. Les occupants de la tribune officielle vinrent féliciter Sébastien comme s'il avait effectué une performance hors du commun mais c'était avant tout un prétexte pour apparaître sur les photos devant le prototype. François Pernier s'installa même au volant en feignant une passion soudaine pour l'automobile mais aucun des journalistes n'ignorait qu'il n'était même pas titulaire du permis de conduire. Un agent de la région le conduisait dans un véhicule de fonction pour tous ses déplacements. Nicolas Verdier était rassuré pour sa sécurité, mais déçu par le déroulement de l'événement. Et s'il s'était trompé? Non, il n'avait pas inventé cette fiche de signalement d'un problème sur le réservoir. Il s'approcha du véhicule, un peu, mais pas trop, et prit Sébastien à part pour l'interroger, pendant que les journalistes plaisantaient avec les élus et commençaient à repérer le buffet. Tout a fonctionné comme prévu? À peu de choses près, oui, répondit honnêtement Sébastien. Vous avez eu des problèmes? poursuivit Verdier en sautant sur l'occasion. Oh, rien de grave, c'est l'effet des mots, comme on dit. C'est-à-dire Il y a toujours un truc qui cloche au dernier moment pour nous faire stresser. C'était au niveau du réservoir Sébastien parut surpris par la question. Il se demanda si l'écologiste avait découvert le poteau rose. Verdier, de son côté, interpréta la surprise de l'ingénieur comme un aveu. Il avait touché le point sensible. Non, pas du tout, se défendit Sébastien. Je ne suis pas journaliste, vous pouvez me le dire. Je vous assure, cela n'a rien à voir avec ça. Voulez vous que je vous montre le réservoir? Verdier eut un mouvement de recul. Non, merci. Puis il partit sans demander son reste. Sébastien rejoignit les coulisses où Frédéric l'attendait. Alors tu vois, ça s'est bien passé. Tu le connais, le Gugus qui m'a parlé à l'instant? Lui? C'est Verdier, un écolo hostile au projet. Il est bizarre. Qu'est ce qu'il te voulait? Et il voulait savoir si on avait eu un problème au niveau du réservoir ah le con s'il savait ricana frédéric oui mais du coup ça m'a semblé bizarre tu crois qu'il se doute de quelque chose ça m'étonnerait beaucoup c'est un illuminé il ne faut pas lui prêter attention bon et cette batterie qu'est-ce qu'elle a eu demanda-t-il en désignant celle qui était restée sur le tapis je sais pas mais on s'en fout lundi on remonte le moteur dans le fenwick et on reprend la pile à combustible pour le proto Qu'est-ce que tu fais ce week-end On va faire un peu de VTT ensemble J'ai besoin de décompresser. Ah non, ce week-end je ne peux pas. Je suis avec Elodie. Paul H. de Jérôme Vitenay, chapitre 33. Depuis leurs échanges de mails nocturnes, les relations entre Frédéric et Elodie avaient pris une orientation plus détendue. Chacun d'eux avait maintenant une conviction raisonnable de l'intérêt que l'autre lui portait, il s'agissait de transformer ce sentiment abstrait en quelque chose de concret. Frédéric estimait que s'ils avaient échoué à le faire jusque-là, c'était en raison de leur ancrage trop prononcé dans la vie réelle. Au restaurant, au cinéma ou chez lui, les clichés des premières rencontres venaient polluer leurs discussions, l'environnement trop commun pourrissait l'ambiance. Aussi proposa-t-il à Elodie une sortie plus audacieuse, selon lui, qui les transporterait petit à petit dans un autre monde, loin de leur quotidien et de la civilisation, une randonnée. Surprise, elle avait accepté son invitation pour le week-end, et s'était mise en quête du matériel nécessaire. Un sac de couchage, des chaussures et une tenue adaptée à la marche, un sac à dos dans lequel elle glissa un objet incongru, après avoir mûrement réfléchi et longtemps hésité. Ignorant le niveau réel de Frédéric dans cette discipline, elle craignait de s'être engagée dans une épreuve sportive au-delà de ses forces. Il passa la prendre chez elle et la conduisit en voiture jusqu'à une trentaine de kilomètres de là, au pied d'un relief qui culminait à mille mètres environ. Il avait repéré cet endroit lors d'une sortie VTT avec son collègue, puis avait passé plusieurs soirées à préparer l'itinéraire, en jonglant entre les cartes d'état-major et son GPS qu'il venait de recevoir. Et en lequel il fondait beaucoup d'espoir. Un petit sentier sinueux s'enfonçait dans les arbres sous lesquels il avait garé sa voiture. Il vérifia secrètement sur sa carte que c'était bien le point de départ qu'il avait repéré et annonça avec assurance C'est par là Après avoir endossé leur sac et verrouillé la voiture, ils partirent d'un bon pas en direction de la forêt. Tu marches beaucoup demanda Elodie, comme pour se rassurer. Non, admit-il. Mais tu sais où on va, s'inquiéta-t-elle. On va là, répondit-il en montrant un point sur la carte. Élodie avait déjà mal aux pieds. Ses chaussures neuves n'étaient pas très confortables, mais l'autre paire que lui avait présenté la vendeuse était beaucoup trop fluo pour elle. Il faut souffrir pour être belle. Frédéric attendait ce moment depuis plus d'une semaine, depuis le moment où il avait proposé cette sortie à sa collègue et qu'elle avait accepté. Mais il prit soudain conscience de sa responsabilité, et de son inexpérience relative, en constatant que le sentier se divisait devant lui en deux, et que ce détail ne figurait sur aucune des cartes qu'il avait emmenées. Il prit sans hésiter l'embranchement qui lui semblait le plus large, et alluma dans sa poche, l'air de rien, son GPS qui avait l'inconvénient majeur de mettre plusieurs minutes à se caler sur les satellites. Au fait, ça s'est bien passé la démonstration du prototype? demanda t-elle en essayant de masquer son essoufflement. Oui, dans l'ensemble, ça va. Et dans le détail? On a eu notre effet Bonaldi, mais rien de grave. L'effet Bonaldi? C'est une théorie qui tire son nom du présentateur télé de Canal. Tu vois qui c'est? Oui. Il était connu pour présenter des inventions qui avaient la fâcheuse habitude de ne jamais fonctionner en direct, alors qu'elles fonctionnaient parfaitement pendant les répétitions, bien sûr. Le prototype est tombé en panne? Juste un problème de batterie, rien de grave. Je croyais qu'il fonctionnait à l'hydrogène. Pas ce prototype, non, mais c'est un secret, ne va pas répéter ça à un journaliste. Le chemin présentait à nouveau une intersection. Frédéric jeta discrètement un œil au GPS dans sa poche. Celui-ci s'était initialisé, mais n'avait toujours pas trouvé le troisième satellite nécessaire à la triangulation de leur position. Il indiquait bêtement un point géographique au beau milieu de Paris en attendant une approximation plus fiable qui lui viendrait des cieux. Après une heure de marche, ils arrivèrent à un belvédère qui offrait une vue panoramique sur la vallée. Elodie en profita pour demander une pause, officiellement pour prendre des photos, mais officieusement pour soulager l'ampoule qui commençait à se former sur son orteil gauche. Frédéric accepta et sortit le GPS de sa poche en espérant qu'il capte mieux dans cet endroit dégagé. Il nota au passage que la moitié de la batterie avait été utilisée et songea que l'adaptateur allume-cigare qu'il avait apporté ne lui serait d'aucun secours ici. Il posa l'appareil sur un tronc couché où il s'était assis à côté d'elle et sortit une gourde dont il but une gorgée et des biscuits secs qu'il proposa à Elodie. Tu sais parler aux femmes, toi, lui dit-elle en acceptant un biscuit. Je suis prête à te donner tout le paquet pour te soutirer des informations. C'est pour rédiger ta notice sur moi, ironisa-t-elle en faisant allusion à leur discussion par mail. Elle n'avance pas beaucoup, j'en suis encore à chercher les vis pour accéder à l'intérieur. Et si ce que tu y trouves te déçoit? Alors je l'améliorerai. Et si ce n'est pas possible? Je m'adapterai. Elle se tut et jeta son regard au loin dans la vallée. Une goutte de sueur glissa le long de sa tempe et entraîna avec elle une larme qui perlait à l'extrémité de son œil droit elle l'essuya de l'index et réajusta sa casquette d'un geste faussement désinvolte. Tu crois qu'on peut voir nos bureaux depuis ici? demanda t-elle en se levant pour changer de sujet de conversation. Peut-être. Il se leva à son tour et considéra qu'il ne devait pas insister davantage pour l'instant. Elle n'était visiblement pas prête à lui confier ses secrets, et il s'en voulut d'avoir provoqué cette discussion de manière si directe. Il avait tout le week-end pour le faire. Il déplia sa carte, et l'orienta avec sa boussole, puis regarda au loin dans la direction qu'il estimait être la bonne. Ça doit être par là, dit il, en montrant sans le savoir une toute autre ville que la leur. Ah. Oui, je crois bien que je reconnais ces immeubles là, mentit elle en pointant un doigt vers l'horizon. Ils repartirent un quart d'heure plus tard, par un sentier tellement étroit qu'ils ne pouvaient plus marcher côte à côte. Frédéric ouvrait la marche, et se fiait au bruit de pas dans son dos pour s'assurer qu'Elodie suivait toujours. Au bout de quelques minutes, elle se mit à parler, toute seule et sans interruption. L'autre jour, je t'ai parlé d'Antoine, le fils de médecin avec qui j'étais sorti. Notre histoire a duré plusieurs mois. Je le trouvais plutôt drôle, pas trop bourge, un peu fils à papa, bien sûr, mais pas au point d'être détestable. Il me faisait la cour depuis l'adolescence. Nos familles partaient en vacances ensemble, au ski. Il skiait super bien, et il nous en mettait plein la vue à ces occasions là mais il était quand même attachant, et assez beau, il faut le dire. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça comme si j'en avais honte, ce n'est pas de ça que j'ai honte. Frédéric écoutait avec une telle attention qu'il ne regardait même plus où le menaient ses pas. Il se rendit compte qu'il y avait peut-être eu un autre chemin qui montait là, juste avant, quand elle a commencé à parler, mais il n'osa pas se retourner pour vérifier de peur d'interrompre les confessions d'Élodie. Le GPS venait de se synchroniser avec les satellites, et il indiquait maintenant sa position exacte, le tronc d'arbre sur lequel Frédéric l'avait laissé il y a quelques minutes. Il adorait les trucs électroniques dernier cri. Il a été le premier dans mon entourage à avoir un téléphone portable. Il avait une guitare électrique qu'il branchait sur un appareil qu'il appelait une pédale, et il en sortait des sons tout bizarres. Je crois que c'est en le voyant jouer avec ça que j'ai cédé à ses avances. Il ne jouait pas très bien, mais le son qui est sorti de ses haut-parleurs ce jour-là m'a rappelé ce titre de Dyer Street, Money for Nothing, que j'adore. Enfin bref, on est sortis ensemble au départ à l'insu de nos parents respectifs. J'avais dix-sept ans passé, il en avait vingt. Le hasard a fait qu'après le bac, j'ai poursuivi mes études dans la même ville que lui. Techniquement, nous avions chacun notre appartement, mais souvent on dormait l'un chez l'autre, et nos parents étaient au courant de notre relation cette fois. Il était en fac de médecine, il voulait être chirurgien. C'est assez spécial les études de médecine il ne faut pas avoir peur de la mort, de ce qui est glauque. Je l'ai vu se transformer petit à petit. Il est devenu un peu distant, cassant, et puis blasé de tout. Il a pris encore plus d'assurance. J'avais l'impression que, de plus en plus, il s'amusait avec moi. J'étais un passe-temps comme un autre pour finir ses soirées. Mais je ne me rendais pas compte à quel point, et puis, sans doute à l'époque, n'avais je pas suffisamment de recul sur ce qu'est la vie à deux pour me faire une idée. L'exemple parental ne m'a été d'aucun secours, évidemment. Frédéric marchait devant comme un zombie, captivé par l'histoire d'Élodie qui l'emmenait comme ce chemin de bois. Dieu seul savait où. Son goût pour les gadgets électroniques n'avait pas diminué. Son dernier joujou était un caméscope numérique, un des premiers qui a été commercialisé pour le grand public, qui enregistrait des films sur des mini DVD. Il m'a énormément filmé avec ce truc, à mon insu souvent alors que je révisais mes leçons à voix haute, ou même lorsque je prenais ma douche. Peut-être que ça a coïncidé avec une maturité acquise avec l'âge, mais je n'ai plus trouvé ça drôle, et rapidement j'ai même considéré que cela devenait insupportable. Je lui ai dit, il a rigolé, j'ai laissé un peu de temps passer et finalement j'ai rompu. Ils continuèrent à marcher en silence pendant quelques minutes. Frédéric profita de ce répit pour consulter sa carte, toujours discrètement, il n'avait maintenant aucune idée de l'endroit où il pouvait se trouver, et pire, il était incapable de faire marche arrière, tant le paysage lui paraissait secondaire depuis le belvédère. Elodie reprit le cours de son histoire, après avoir cherché les bons mots pour exprimer sa colère et sa honte. Il a très mal vécu notre séparation. Plusieurs fois il est venu frapper à ma porte, et je n'ai pas osé lui ouvrir. J'avais même laissé quelques affaires scolaires chez lui, dont j'avais besoin, mais après cela, il me faisait trop peur. Son ton devenait plus menaçant. Je crois qu'une fois, il était ivre ou drogué. Il avait accès à la pharmacie de la fac de médecine. Je ne voulais pas en parler à mes parents parce qu'ils connaissaient les siens et je ne voulais pas foutre en l'air leur relation à eux. Enfin, je sais pas, j'avais honte de leur dire. Un jour, il est venu et a glissé une enveloppe sous ma porte. Dedans, il y avait un de ses midi disques de caméscope et un message. Tu ne voudrais pas que tes parents te voient comme ça? J'ai repensé à tout ce qui s'était passé depuis qu'il avait acheté ce truc, à toutes les fois où j'ai hurlé quand il me filmait, mais surtout à toutes les fois où je ne me suis rendu compte de rien, comme cette fois où j'ai cru voir clignoter la petite lumière témoin de l'enregistrement alors que nous faisions. Sa voix s'étrangla, et Frédéric étouffa lui même un sanglot. Il ne savait plus quoi faire, et continuait de marcher comme un robot à travers la forêt. Dans son dos il sentit des mouvements inhabituels, et des bruits de fermeture éclair. Elle lui glissa un objet dans la main. C'est ce disque. Je n'ai jamais vu ce qu'il y a dessus parce que je n'ai pas d'appareil pour le lire. Toi, tu peux sûrement en faire quelque chose, l'effacer ou je ne sais pas. De toute façon, je suis certaine qu'il en a une copie chez lui, sur son ordinateur, sinon il ne me l'aurait pas donné. Il n'a toujours pas lâché l'affaire, ça fait deux ans maintenant. J'ai dû abandonner mes études et m'enfuir loin de lui pour oublier et reconstruire une vie ailleurs. Mais il m'a retrouvé. Il me fait chanter avec ses enregistrements qu'il menace maintenant de diffuser sur Internet, avec mon nom et mon adresse, pour attirer les satires. Mes parents ne comprennent pas, ils ne comprennent rien. Ils croient que je suis devenu subitement folle, et bien sûr, lui est tout mielleux avec eux. Il s'inquiète pour moi, soi-disant. La tristesse d'Élodie laissa place à la colère, et Frédéric sentit ses jambes donner des coups de pied dans les feuilles mortes tout en marchant. Il examina le mini disque par transparence et vit qu'il n'était pas vierge. Il le rangea dans une poche de son sac d'où il retira sa gourde. Sans dire un mot, il ralentit son pas progressivement pour laisser à Élodie le temps d'accepter l'idée d'affronter son regard. Il s'arrêta enfin et se retourna. Elle fit un pas de plus pour s'écrouler dans ses bras en pleurs. de Jérôme Vitenay, chapitre 34 Thomas Flesque n'avait pas de compétition ce samedi. Les relations avec son épouse s'étaient encore compliquées depuis l'oubli de l'anniversaire de sa fille, mais il attendait beaucoup de ce week-end vide qu'il s'était promis de consacrer à sa famille. Il se réveilla tôt, vers 6 heures, et reconnut les symptômes précédant ses malaises passés, un mal de tête prononcé, les paupières lourdes et les yeux qui suivent difficilement les mouvements transversaux. Il dut s'y prendre à deux fois pour s'extraire du lit où sa femme dormait encore profondément. Il lança deux comprimés d'aspirine effervescents dans un verre d'eau avant toute chose, et n'attendit pas leur dissolution complète pour avaler le breuvage. Appuyé sur le cadre de la fenêtre, il força ses yeux à s'habituer à la lumière naissante du jour. Le ciel était nuageux, la météo annonçait de la pluie pour la nuit prochaine, tout le printemps avait été maussade, lui aussi songea-t-il. Il, il s'installa dans un fauteuil, ressentant déjà le besoin de se reposer alors qu'il sortait du lit. Il entendit sa fille gigoter à l'étage, alors il s'efforça de ne pas faire de bruit pour ne pas précipiter son lever. Vers sept heures trente sa femme apparut, en bâillant, les traits tirés, surprise de le voir assis là. Tu es déjà revenu? Revenu. De courir. Je n'ai pas couru ce matin, la flemme. Elle s'enferma aux toilettes. Il se rendit compte que son argument ne la convainquait pas et qu'elle se doutait déjà et craignait le retour de ses ennuis de santé. Tout en se lavant les mains, elle le questionna. Tu fais quoi aujourd'hui Je n'ai rien de prévu, et toi Pareil. J'avais pensé. Il hésita un instant, se demandant si son état lui permettait vraiment de faire ce qu'il avait prévu. Quoi Dit-elle depuis la salle de bain, Je ne t'entends pas. J'avais pensé qu'on pourrait aller pique-niquer avec la gamine. Pique-niquer Par ce temps Il ne fait pas si moche, c'est ce soir que ça se gâte, paraît-il. Sa fille surgit dans l'escalier. Oui, on va pique-niquer Il lui sourit. La douleur avait pratiquement disparu. Quelques minutes plus tard, ils prenaient le petit déjeuner ensemble, dans une ambiance plutôt positive, quand le téléphone sonna. Il était huit heures cinq, Thomas Flesque décrocha. Oui, allô? Charles à l'appareil. C'est vous, Flesque? Oui, que se passe t-il? Oh. Rien de grave, mais j'étais au bureau là, et je me demandais si vous aviez cinq minutes pour passer. Passer, mais maintenant? Il croisa le regard agacé de sa femme, se retourna immédiatement pour faire face au mur. Il passa une main dans ses cheveux encore ébouriffés, sentit son mal de tête reprendre de plus belle, et continua. Cela ne peut pas attendre lundi? C'est à dire qu'avec la présentation du prototype et le jour férié, on a pris pas mal de retard cette semaine, et je dois m'absenter la semaine prochaine. Mais peut-être avez vous autre chose de prévu? Un pique-nique avec ma fille, aurait il voulu répondre mais il était encore à l'essai jusqu'au mois de septembre, et ses premières recommandations de gestion ne faisaient pas l'unanimité dans l'entreprise. Il devait défendre son point de vue à chaque occasion, y compris le samedi. Il regarda sa fille tremper une tartine dans son bol de chocolat, puis le regard lourd de reproche de son épouse, avant de répondre. J'arrive dans une demi-heure. Il raccrocha et enfonça son pouce et son index sur ses paupières pour calmer les douleurs oculaires de son début de migraine avant de faire face à sa famille. C'était qui questionna sa femme. Mon patron, répondit-il d'un ton las. Il sait que tu n'es pas payé pour travailler le samedi aboya-t-elle. Tu sais que je suis encore en période d'essai, répondit-il sur le même ton en le regrettant aussitôt. Tu vas retomber malade, lui dit-elle sans le ménager. Mais non, c'est différent, répondit-il mollement. Et ça, c'est quoi? demanda-t-elle en montrant sur l'évier le verre vide dont la paroi était constellée des restes d'aspirine effervescente. J'avais un peu mal à la tête ce matin, ça arrive à tout le monde, et ce n'est pas de ma faute quand même. Elle leva les yeux au ciel, abandonnant la discussion stérile. On va au pique-nique, papa Peut-être pas aujourd'hui, ma chérie. Papa doit aller travailler. Oh non On ira demain. Demain, il va pleuvoir, interrompit la femme. On verra. Je dois y aller maintenant. Il s'enfuit presque dans la salle de bain pour prendre une douche et s'habiller. Une fois prêt, il passa juste la tête dans l'encadrement de la porte de la cuisine pour dire Bon ben, j'y vais. À tout à l'heure. Pendant tout le trajet, Thomas Flesque maudit Jean Clément Charles en maugréant dans sa voiture. Son vieux patron, qui n'avait plus d'enfants à charge, sans doute plus de vie sexuelle et pas d'autre passion que celle de faire vivre sa boîte, venait l'emmerder un samedi matin. Pas n'importe lequel. Le samedi matin où ses symptômes reprenaient, celui qu'il avait choisi de consacrer à sa famille, alors que la météo était pour une fois clémente et qu'il n'avait rien à faire au club d'athlétisme. C'est passablement énervé qu'il monta dans le bâtiment administratif vide, et qui ne frappa à la porte entrouverte de la salle de réunion, où Charles, particulièrement détendu et souriant, était assis à côté de Victor Lodz, le consultant. Ah, Flesque, vous voilà Vous avez fait vite, dites-moi Le contrôleur de gestion secoua la tête imperceptiblement. Je voulais vous voir à cause de ce problème de salle de réunion. On était en train de regarder ça avec Lodz parce qu'on a eu une fiche d'incident, et même plusieurs qui sont remontées grâce à la méthode Power, vous savez. Oui, oui, je sais, répondit Flesque immédiatement agacé par un millier de choses au moins. L'attitude exagérément sympathique de son patron, le fait qu'il l'ait dérangé un samedi pour une telle broutille, la présence du consultant, ses douleurs aux tempes et aux yeux. Je pense qu'il y a eu des erreurs de calcul en chéri Lodz. De calcul, s'étonna Flesque. Oui, vos tableaux de bord laissent entrevoir une disponibilité de la salle de plus de soixante cent. Or tous ceux qui veulent l'utiliser disent qu'elle n'est jamais disponible. Je doute qu'ils mentent tous. Je ne crois pas qu'ils mentent, mais regardez les plannings, comptez les heures de réunion. Les meilleurs jours, elle est prise pendant six heures seulement, soit un quart de la journée. Si on considère une journée de 24 heures, oui, mais vous savez comme moi que les horaires de bureau ne sont pas si étendus. Oui, c'est pour ça qu'on tombe, en moyenne, à un taux d'occupation de 40%, en enlevant les week-ends et la nuit. Vous pensiez vraiment que j'avais fait cette erreur grossière répondit Flesque sur la défensive. Cette erreur, il l'avait effectivement faite au début. Il tombait sur un taux d'occupation de la salle de moins de dix pour cent. Il avait perdu beaucoup de temps avant de se rendre compte qu'il divisait le nombre d'heures de réunion hebdomadaire par les cent soixante huit heures d'une semaine complète, jour et nuit. Non, non, bien sûr, se défendit Lodz, mais il doit bien y avoir un truc qui nous échappe. Est ce que vous avez des statistiques sur les tranches horaires les plus utilisées? demanda Charles. Oui, mais cela ne nous donne pas beaucoup d'enseignements. Les plages horaires de neuf à onze heures le matin et de quatorze à seize l'après midi sont les plus prisées, comme on pouvait s'y attendre. Et la durée moyenne d'une réunion? Un peu plus d'une heure, répondit Flesque, qui, malgré son esprit embrumé par la douleur, avait les chiffres bien en tête. Les trois hommes se turent et observèrent les tableaux de bord les uns après les autres. Lodz émit une hypothèse. Admettons, je souhaite réserver la salle pour une réunion. Je jette un œil au planning, poursuivi le PDG, et je cherche une plage qui correspond à tous les participants. Enfin, je dis je, mais c'est Jocelyne qui s'en charge pour moi habituellement. Avant neuf heures, tout le monde n'est pas arrivé dans les bureaux, et puis il faut laisser le temps aux éventuelles personnes de l'extérieur d'arriver. Par exemple, pour ma part, je peux difficilement arriver avant huit heures quarante-cinq, ajouta à midi, tout le monde ne pense plus qu'à manger. En général, j'évite de prendre des réunions après 11h. D'autant que la réunion précédente a tendance à s'éterniser. On ne peut entrer dans la salle que vers 11h15. Ça ne laisse que quarante-cinq minutes. Et encore, pendant les dix dernières, tout le monde se contorsionne pour masquer les bruits d'estomac vide. Voilà sans doute la source du problème. Sur les quatre heures ouvrables de la matinée, seules deux sont efficaces. Et si d'aventure la première réservation enregistrée commence à 9h30 pour se terminer à 11h, le taux d'occupation baisse encore. Je vois bien où vous voulez en venir, interrompit Flesque, mais il faut bien mesurer les choses telles qu'elles sont et prendre des décisions pour les améliorer. Si l'on considère que la salle n'est disponible que deux heures au mieux sur les quatre heures de la matinée, on fausse évidemment tous les calculs. On pourrait même arriver à la conclusion que la salle est occupée à 150% dans ce cas. Flesque a raison, dit Charles. Si l'on ne change pas nos comportements pour prendre en compte les limites de nos ressources, on ne fait jamais d'économie. Victor Lodz s'apprêta à argumenter, mais se rappela soudain de son rôle dans l'entreprise. Après tout, si ses clients persistaient dans l'erreur, cela n'était pas son problème, d'autant que les limites de la politique du chiffre, que mettait en exergue ce problème d'occupation de salles de réunion, pouvaient très bien s'appliquer à la méthode power qu'il défendait. Toute tentative d'abstraction et de modélisation des organisations humaines se heurtait tôt ou tard à ce genre de problématique. L'homme s'y adaptait et les présupposés qui avaient permis d'échafauder une théorie solide sur des bases quasiment scientifiques changeaient dès lors que la théorie était appliquée sur le terrain. Flesque et son patron continuèrent toute la matinée à chercher des solutions en ajoutant de nouvelles contraintes à la réservation, qui toutes seraient finalement contournées ou détournées. Pour correspondre aux besoins des utilisateurs, engendrant de nouveaux problèmes plus complexes encore. Lodz se contenta d'acquiescer de temps à autre et factura au final une journée de prestations complètes au tarif du week-end. Quand ils sortirent tous du bureau, une copieuse averse de pluie rinçait le parking. Polash de Jérôme Vuitenay, chapitre 35 Frédéric serra Élodie dans ses bras pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que ses sanglots cessassent. Désemparé et gêné par les sacs à dos qu'ils portaient tous les deux sur leurs épaules, il lui tapota lentement le bas du dos avec le plat de sa main, sans trouver un seul mot à dire. Elle rompit le silence quand elle eut recouvré ses esprits. Elle desserra lentement l'étreinte et fit un effort pour regarder son collègue dans les yeux. Elle y lut beaucoup de tristesse, mais aussi de la détermination. Il dit enfin Je vais t'aider. Comment Je ne sais pas encore, mais fais-moi confiance. Elle lui sourit, pas tout à fait rassurée, mais soulagée d'un poids qui entravait leur relation depuis le début. Maintenant il savait, et non seulement cela ne l'avait pas fait fuir, mais il proposait de l'aider. Alors on continue Reprit-elle après avoir avalé une gorgée d'eau. On y va. C'est par où lui répondit-il. Quoi, tu ne sais pas où on est demanda-t-elle, mi-amusée, mi-inquiète. Je plaisante. Il ne plaisantait pas. Après avoir regardé sa carte deux secondes, sans avoir aucune idée de leur position réelle, il montra une direction et s'engagea sur un chemin enserré par les ronces. Elle le suivit sans se plaindre des épines qui s'accrochaient à ses chaussures et lacéraient ses mollets. Préoccupé par leur itinéraire autant que par l'histoire d'Élodie, il tâta sa poche en espérant y trouver son GPS, mais réalisa qu'il l'avait oublié au belvédère. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Le soir arrivait doucement. Il avait prévu de camper dans une clairière dégagée, non loin d'une route qui menait au col et d'un parking équipé de toilettes mais il n'avait aucune idée de la direction à prendre pour rejoindre cet endroit. Depuis plusieurs kilomètres déjà, il n'avait plus vu aucun symbole sur les arbres, ni aucune indication sur des panneaux destinés aux randonneurs. Dans son dos, les pas d'Élodie se faisaient plus lourds. Elle trébuchait régulièrement dans les ronces et expirait de plus en plus bruyamment. Lorsqu'il entendit l'orage gronder au loin, il se dit qu'il devait prendre une décision rapidement. Les arbres se clairsemèrent un peu et ils débouchèrent dans un endroit presque plat où il était possible de déployer et monter la tente. Frédéric fit semblant de consulter sa carte et dit d'un ton assuré C'est là C'est là que quoi demanda-t-elle, incrédule. C'est là qu'on va dormir. Elodie examina l'endroit rapidement, les mains sur les hanches. Il y avait moins de ronces et d'arbres le relief était moins escarpé mais elle se faisait une autre idée d'un lieu idéal pour le bivouac. Le tonnerre gronda un peu plus fort, Frédéric avait posé ses affaires et il sortait déjà les sacs de couchage et la tente pliable. Elle admit qu'elle n'y connaissait rien et qu'elle devait se fier à son collègue. Dès que la tente fut dressée, ils s'engouffrèrent à l'intérieur pour échapper à la pluie qui commençait à tomber à grosses gouttes. Un éclair zébra le ciel, suivi quelques secondes après d'un coup de tonnerre assez sec. Ce n'est pas dangereux d'être sous des arbres? s'inquiéta Elodie. Comment veux tu faire autrement en forêt? Je ne sais pas. Le son de leur voix était couvert par le bruit des gouttes sur la toile de tente. Ils restèrent assis face à l'ouverture pendant plusieurs dizaines de minutes, sans dire un mot. L'atmosphère devint moite, et les chaussures qu'ils avaient enlevées en entrant dans la tente diffusaient une odeur rance à l'intérieur. Frédéric s'était imaginé un moment plus romantique et agréable. Il regretta d'avoir eu cette idée débile de randonnée et s'en voulut d'avoir perdu son GPS. Il avait les muscles ankylosés, l'esprit ailleurs, il était incapable de parler, et il lui semblait qu'Élodie était prête à partir en claquant la porte, si la tante en avait une. La jeune femme frottait ses mollets griffés par les ronces quand elle sentit sa cuisse gauche se contracter involontairement. La crampe l'obligea à s'allonger sur son sac de couchage pour étendre les jambes. La douleur s'estompa immédiatement, ce qui la fit sourire, puis rire nerveusement en contemplant le toit de leur abri de fortune. Frédéric s'allongea à ses côtés, surpris. Qu'est ce qui te fait rire comme ça? C'est ma crampe. Tu as une crampe? Oui, enfin non, elle est passée déjà. C'est la douleur, la fatigue, puis le repos, la situation, c'est ça qui me fait rire. Je suis désolé, je ne. Je suis vraiment bien ici, l'interrompit elle. Détrompe toi. Ah bon? C'était une super idée, je te remercie vraiment. J'ai pu mettre des mots sur des sentiments qui étaient enfouis très profondément en moi. J'ai pu parler à quelqu'un, c'est inestimable, et je crois qu'il me fallait ce genre de conditions pour que ça sorte. Ce genre de conditions météo, tu veux dire? Non, tout. La marche pour venir jusqu'ici, la peur de l'orage, le fait d'être perdu en forêt. On n'est pas perdu, se défendit Frédéric. Oh. Je te fais confiance. Demain tu vas nous trouver un chemin plein de ronces et de pièges à loups pour nous sortir de là. Avec toi je n'ai pas peur, ni des éléments qui se déchaînent, ni de tes réactions. Alors cette racine qui me ruine le dos, la gouttière que j'ai sur le coude, l'odeur de nos pieds qui envahit la tente, c'est juste ce qu'il me fallait pour sortir de ma zone de confort et me mettre à nu. Tu vas pouvoir la rédiger ta notice, et le pire, c'est que je la lis en même temps que tu l'écris, et j'apprends plein de trucs sur moi même. Dans ce cas, autant que tu le saches, on est complètement paumé. Je ne sais pas du tout où on peut être, et j'ai perdu mon GPS. Elle se redressa d'un coup. C'est vrai? Puis elle partit dans un fou rire incontrôlable qui secoua la tente. Des larmes coulaient le long de ses joues, tandis que Frédéric, toujours allongé, l'observait à contre jour. En tendant le bras, il recueillit une goutte salée au bout de son index et caressa sa joue avec ses autres doigts. Elle cessa de rire, et le regarda droit dans les yeux, interdite. La pluie s'arrêta rapidement, mais les arbres autour continuèrent de distribuer leurs réserves d'eau pendant près d'une heure. La nuit tombait, Frédéric sortit un réchaud à gaz de son sac, une boîte de raviolis, deux assiettes en plastique, des couverts et un ouvre boîte, il pendit une lampe électrique au montant central de la tente et s'installa sous l'avant-toi. Tu as prévu un lave-vaisselle aussi Non, j'ai pensé que tu serais là, plaisanta-t-il. Elle lui administra une tape dans les cheveux, puis il reprit. Non, mais c'est tout à fait moi ça. J'ai pensé à des détails extrêmement précis de notre sortie. J'ai même des oreillers gonflables et un jeu de cartes. En revanche, je n'ai pas du tout pris de point de repère ou mesuré les distances sur la carte. Peut-être que l'endroit où je voulais aller est inaccessible à pied en une journée. J'y suis venu en VTT avec Sébastien et je pensais que je retrouverais facilement. Quand je vais lui raconter ça... — T'es folle Il ne faut pas lui en parler, il va se foutre de moi pendant des semaines. — Tu es prêt à lâcher combien de raviolis contre mon silence ?— J'ai une faim de loup. — Tiens, en parlant de loup, dit Frédéric en regardant en direction du bois. Élodie sursauta, puis se jeta en arrière au fond de la tente. — Un loup tu es prête à lui donner combien de tes raviolis pour qu'il parte, lui dit il en remuant le contenu de la boîte qui frémissait. Mais. Euh... Elle revint à ses côtés et s'assit en tailleur, tendant impatiemment son assiette vers le réchaud. Après avoir méticuleusement compté et partagé les raviolis en deux portions égales, ils mangèrent rapidement, car la fraîcheur du bois humide alentour les saisit. Elle s'empara de l'assiette de Frédéric et d'une gourde, puis s'éloigna de quelques pas. Je fais la vaisselle ce soir, mais ne considère pas que c'est un acquis, lança-t-elle en souriant. Elle se rendit compte que, par cette phrase, elle projetait déjà une éventuelle vie de couple avec Frédéric. Cela la surprit autant que lui, qui ne put contenir un sourire à cette idée. Ils s'allongèrent chacun dans leur sac de couchage respectif. La fatigue et leur pudeur les plongèrent aussitôt dans un sommeil chaste, duquel ils furent tirés par le bruit des animaux dès l'aube. Tu as bien dormi lui demanda-t-il en se frottant les yeux. On ne peut pas dire ça, voit elle. Moi non plus, concéda t-il. Où comptes tu aller m'acheter des croissants pour le petit déjeuner? demanda t-elle d'un air précieux. Promis, si on retrouve le chemin de la civilisation, je t'en offrirai volontiers. On est vraiment si loin que ça au milieu de la forêt? Je n'ai pas entendu un seul moteur, ni une seule voix humaine. On a marché des heures dans la même direction, et la forêt d'ici doit faire plusieurs dizaines d'hectares. On va essayer de rebrousser chemin, c'est le plus sûr. Ils se vêtirent en grignotant des biscuits secs devenus humides pendant la nuit et replièrent la tente non sans mal. Je vais faire pipi derrière cette butte avant de partir, dit Elodie. Tu m'attends, hein Ne t'inquiète pas. Elle disparut mais revint presque aussitôt. Tu as déjà fini Devine ce qu'il y a derrière ce talus. Une falaise Non. Un parking avec des toilettes. Paul H. de Jérôme Vuitenay, chapitre 36 Jean-Pierre Gravard rêvassait au volant de sa voiture qui la conduisait presque toute seule jusqu'au siège de automobile composant. Depuis vingt ans, il empruntait le même trajet de vingt-trois kilomètres pour se rendre sur son lieu de travail. Il en connaissait chaque virage et chaque parcelle de paysage. Il arrivait justement à l'endroit qu'il préférait, ce qui le sortit un instant de sa rêverie. Devant ses yeux, un étang paisible apparaissait à peine derrière la brume matinale. Il songea à son week-end au bord de l'eau, à ses cannes alignées dès sept heures du matin, aux bouchons qui flottent à la surface et aux oiseaux qui chantent dans les arbres au-dessus de lui. Juste après le virage suivant, changement de décor, les premiers immeubles et la première file interminable de voitures derrière le même stupide feu tricolore. Un feu qui ne servait à rien, d'ailleurs. À un carrefour banal, où jamais il ne vit d'accident et où les automobilistes s'entendaient miraculeusement pour réguler la circulation eux-mêmes. Mais ça, c'était avant l'aménagement du carrefour. Il immobilisa sa voiture à côté de celle d'un employé d'une autre usine, ou d'un professeur de lycée, ou d'un artisan. Tous avaient la même tête de lundi matin qui déchante, le même regard vide posé sur la plaque d'immatriculation du véhicule précédent. Les narines respirant les mêmes gaz d'échappement avec la même lassitude. Chacun estimait le nombre de jours à tirer avant les prochaines vacances, avant la retraite, ou répétait in petto le discours, l'intervention, la leçon, le rôle qu'il allait devoir jouer aujourd'hui. Un rôle de plus en plus ingrat et vide de sens, stupide et inutile comme le feu tricolore, songea Gravard. La file de voiture avança de quelques mètres, exhalant une nouvelle bouffée de microparticules cancérigènes qui s'engouffrèrent aussitôt dans les systèmes de ventilation des véhicules suivants. Le directeur de la fabrication se souvint qu'il commençait la journée par une réunion bilan de la présentation du prototype au public. A cette idée, son moral descendit d'un étage supplémentaire. La réunion s'annonçait longue et ennuyeuse, comme cette file de voitures inerte. Un vélo se faufila entre les voitures et doubla toute la file en quelques secondes. Gravard observa son compteur de vitesse qui montait jusqu'à 220 km par heure en soupirant. Le poids des chaînes qui le bloquaient dans cette voiture lui paraissait bien lourd aujourd'hui. Son crédit hypothécaire se terminait gentiment, mais c'étaient les études des enfants qu'il devait maintenant financer. Deux appartements en location à l'autre bout de la France, des voitures à entretenir et à nourrir d'essence. Son salaire et ses conditions de travail plus que correctes. Ne l'empêchait pas de se considérer comme un esclave, tant il devait développer un effort surhumain pour trouver le courage de se lever le matin et aller travailler. Ses voisins automobilistes du lundi matin semblaient éprouver les mêmes sentiments, et il imaginait la vie autrement plus compliquée des ouvriers à la chaîne ou des sans-emploi. Alors il continuait à se faire une raison, sans vraiment comprendre le sens réel de tout ceci. Il arriva avec le retard habituel à son bureau et se dit qu'il lui faudrait rattraper cela en partant plus tard ce soir. Il se refusait à se lever plus tôt pour arriver à l'heure au prétexte qu'il était toujours parti de chez lui au même horaire. Or, il y a vingt ans, il arrivait dix minutes en avance en procédant de la sorte. Il eut juste le temps de poser ses affaires avant de rejoindre la salle de réunion André Citroën, où tous les cadres de automobiles composants étaient déjà installés. Jean-Clément Charles commença par féliciter tous les participants au projet, puis informa ceux qui étaient absents à la grande messe de l'accueil chaleureux de la presse et du public pour ce premier prototype roulant. Il invita ensuite ses collaborateurs à redoubler d'efforts pour mener à bien cet audacieux défi qu'ils s'étaient collectivement lancé. Le directeur de la fabrication, qui dessinait des engrenages sur sa feuille, leva les yeux pour lire dans les regards de ses collègues l'effet de l'audacieux challenge il fut rassuré de constater qu'il n'était pas le seul à n'avoir aucune espèce d'engouement pour ce projet, comme pour tous ceux qu'il avait pu mener depuis une bonne dizaine d'années. Même les plus jeunes du département RD semblaient être préoccupés par d'autres affaires alors qu'ils avaient été mis sur le devant de la scène lors de la présentation du prototype. Le directeur des achats demanda la parole, et Charles lui donna volontiers, puisqu'il avait terminé son intervention et n'avait rien à ajouter. Olivier Bourras était l'illustration parfaite du principe de Peter, qui postule que tout employé tend à s'élever dans la hiérarchie jusqu'à son niveau d'incompétence. En effet, tant qu'il obtient de bons résultats à son poste, l'employé est proposé par ses supérieurs pour être promu à des responsabilités plus importantes, jusqu'à ce qu'il ne soit plus suffisamment brillant pour obtenir ce type de promotion. Il reste alors le plus souvent à vie, à ce niveau, où il a pourtant fait preuve de son incompétence relative je voulais attirer l'attention de tous sur le fait que nous sommes en train d'exploser le budget des achats sur ce projet de nombreux aléas techniques nous ont contraints à changer de fournisseurs et nous n'avons pas suffisamment de volume chez eux pour obtenir des prix intéressants j'aimerais que chacun soit bien conscient au moment de passer les futures commandes et que nous essayions tous de trouver des solutions techniques de contournement plutôt que de changer le modèle des pièces ce qui le plus souvent ne règle pas le problème vous avez un exemple en tête demanda charles ah, euh, non, je, je n'ai pas pensé à. Mais je vous enverrai un mail. Quelques sourires convenus s'échangèrent entre les participants. Bien, vous mettrez Flesk en copie il jettera un œil. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres points à aborder Oui, je voulais savoir quelle était la roadmap à partir de maintenant. Sur quelles échéances sommes-nous engagés Comment doit-on entretenir le buzz après cette première apparition publique demanda Demestre, directeur de la communication. Nous avons, dans un premier temps, des efforts techniques de fiabilisation à fournir, mais ceci n'intéresse pas le public et ne doit donc pas faire l'objet d'une campagne promotionnelle, évidemment. L'horizon de ce projet, que nous ne maîtrisons pas totalement, je le rappelle, puisqu'il est mené conjointement avec la région et les laboratoires de recherche de l'université, c'est la fin d'année. Le pôle Hydrogène s'est engagé à produire un modèle commercialisable pour Noël, dans un premier temps, bien sûr, pour équiper le Conseil régional lui-même et pas directement le grand public. Suivra alors une période de test sur route ouverte avec ses premiers véhicules, et on peut envisager une production à la chaîne dix-huit mois plus tard. La prochaine deadline, c'est Noël donc, s'assura de Maistre. C'est ça, confirma le PDG. Frédéric n'écoutait plus les échanges depuis longtemps. Il observait le disque numérique qu'Elodie lui avait donné comme s'il cherchait à en décrypter le contenu à l'œil nu. Sébastien, qui était assis à côté de lui, s'étonna de le voir s'intéresser à cet objet. Tu fais de la vidéo, toi, maintenant chuchota-t-il. Hein ah, Non, laisse tomber. C'est quoi Tu l'as dit, c'est un disque vidéo d'un vieux caméscope. Et tu n'as plus de lecteur pour en récupérer le contenu Non, non, ce n'est pas ça. Explique, merde j'aimerais savoir s'il existe une copie de ce qu'il y a là-dessus c'est à qui c'est pas à toi je non ce n'est pas à moi demande au propriétaire de ce machin s'il en a fait une copie ou est le problème il n'est pas du coin il habite euh, loin envoie lui un email répondit sébastien sans comprendre l'embarras de son collègue Frédéric manipula l'objet pendant quelques secondes encore et vit son regard se refléter sur la surface brillante du disque. Il esquissa un sourire. Tu as raison. Je vais lui envoyer un email. Paul H. de Jérôme Vuitenay, chapitre 37 de Frédéric, fred76atfree.fr à antoine.x.hotmail.com. Antoine Date 9 mai 2005, 20h45. Objet, photo d'Élodie. Salut On ne se connaît pas, mais Élodie m'a parlé de toi. Jolie fille, hein Je suis photographe amateur et j'ai pris quelques clichés d'elle qui pourraient t'intéresser. Elle a une façon de prendre la lumière tout à fait étonnante. Tu as déjà remarqué Bon, je ne te cache pas qu'elle était fâchée quand elle a vu ces photos, et c'est à cette occasion qu'elle m'a parlé de toi. J'ai réussi à trouver ton adresse sur son ordinateur. Je pense qu'on a des choses à s'échanger, si tu vois ce que je veux dire, entre collectionneurs. Je te mets en pièce jointe un échantillon de mes prises de vue sous forme de diaporama exécutable. Elle est bien mieux encore sur les autres que je te garde au chaud. Tiens-moi au courant. Fred. Pièce jointe, elodie.ex. Paul H de Jérôme Vitenay. Chapitre 38 Nicolas Verdier ne décolérait pas depuis la cérémonie de présentation du prototype. L'accueil dithyrambique de la presse sur le véhicule à hydrogène, malgré ses nombreux avertissements adressés à la presse et à la terre entière sur son blog, l'agaçait. Personne ne voulait entendre la voix de la raison. Là, de passer pour l'oiseau de mauvais augure, anti-progrès, anti-technologie et anti-tout, il tournait en rond dans son appartement, en cherchant une technique imparable pour qu'enfin la vérité apparaisse au grand jour. Le prototype aurait dû sauter, ou au moins s'enflammer, il l'avait lu sur cette fiche volée dans les poubelles de automobiles composants. Bien sûr, cette pièce à conviction n'avait aucune valeur, car lui seul pouvait attester de son authenticité. Même ses amis écolos semblaient lui rire au nez quand il exhibait ce morceau de papier chiffonné en guise de preuve. Il sortit la feuille froissée de sa pochette plastique pour la relire une nouvelle fois. À sa grande surprise, il n'était pas fait mention de risque d'explosion sur le document. Son imagination avait interprété le descriptif du problème de manière extrême, comme tous les gens très impliqués et passionnés par leur engagement au point d'en faire leur centre d'intérêt principal il faisait une lecture orientée des documents qui lui passaient sous la main, négligeant tout ce qui ne correspondait pas à son idéologie ou ses idées préconçues, et surévaluant les détails les plus infimes qui allaient dans son sens. Le simple avertissement de ce Martinez s'était ainsi transformé sous les yeux de Verdier en prophétie cataclysmique. Il reconnut lui même son erreur et son emballement prématuré, mais ne baissa pas les bras. Il fallait qu'il sache de quoi il retournait exactement. Il attrapa son téléphone et composa le numéro de l'atelier d'automobile Composant. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à monsieur Martinez, s'il vous plaît Ne quittez pas. Verdier entendit un bruit de clé à molette tombant sur le ciment, puis un homme lui répondit. Martinez. Bonjour monsieur Martinez, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle au sujet d'un problème que vous avez signalé à propos d'un réservoir à hydrogène. Lequel? Pourquoi il y en a plusieurs? On n'a que des problèmes avec ces réservoirs. Verdier jubila, mais n'en laissa rien paraître. Il essaya de tirer le maximum d'informations de cet interlocuteur qui lui semblait coopérant. Ah. Vous aussi, mentit il. Figurez vous qu'on installe le même type de réservoir sur nos véhicules à Montélimar, dans nos ateliers, et nous rencontrons pas mal de soucis. Vous avez le même fournisseur que nous Verdier paniqua un instant, il n'avait plus en tête le nom du vendeur de réservoir. Il fouilla dans ses notes rapidement et le retrouva. Oui, c'est le chinois Sai, c'est ça Oui. Comment avez-vous fait pour le prototype Vous avez pu contourner tous ces problèmes Pour le prototype. L'écologiste réalisa qu'un assembleur de Montélimar ne pouvait pas avoir connaissance de la présentation publique d'un prototype de chez Automobile Composant, et se mordit la langue, puis improvisa une explication. Oui, j'ai reçu une invitation de votre directeur, Jean Clément Charles. Malheureusement, je n'ai pas pu venir, mais la presse semble avoir apprécié. J'en déduis que le prototype a bien fonctionné. Je n'ai pas participé à cette présentation. Je suis désolé. Comment ça, vous êtes bien la personne qui a en charge toute la partie qui concerne le réservoir, non? Oui, mais un instant. Jean-Pierre Gravard, qui écoutait depuis son bureau, interrompit la conversation téléphonique de Martinez. Qui c'est demanda-t-il. Un assembleur de Montélimar, répondit Martinez en posant la main sur le combiné. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Montélimar Vous êtes sûr Nous n'avons pas de concurrent à Montélimar, s'étonna Gravard. Vous m'avez bien dit Montélimar demanda Martinez au téléphone. Oui, pourquoi « Un instant. » Puis, posant à nouveau la main sur le combiné, Martinez s'adressa à Gravard. « Ils ont peut-être une solution pour ce problème que je vous avais signalé sur la fiche d'incident. »« De quoi Passez-le-moi. » Gravard lui prit le téléphone des mains et continua la conversation. « Allô Oui, je suis le responsable d'atelier. Quel est le nom de votre entreprise, s'il vous plaît ?»« Faye, » Ça y est. répondit machinalement Auverdier, décontenancé par le changement d'interlocuteur soudain. Votre entreprise, pas notre fournisseur. Oui, bien sûr, euh, attendez. Il feuilleta son dossier à la recherche d'un nom crédible, mais n'en trouvant pas, bredouilla une excuse incompréhensible. Je ne peux pas vous le donner, le nom de mon entreprise. Et pourquoi ça euh, Personne ne sait que nous travaillons sur ce projet. Dans ce cas, nous ne pouvons pas vous répondre. Au revoir. Gravard raccrocha le téléphone immédiatement et adressa un regard noir à son chef d'atelier ignorant qu'il s'était fait piéger de la même manière, par la même personne, quelques semaines plus tôt, il lui dit. Vous devriez faire attention à ce que vous dites au téléphone. Pourquoi? demanda naïvement Martinez. Les journalistes ne savent pas que le prototype roulait sur batterie personne ne doit l'apprendre. Mais ce n'était pas un journaliste, c'était un assembleur. C'est ce qu'il vous a dit. Moi je ne connais pas d'assembleur à Montélimar. À Montélimar ils font du nougat, pas des voitures à hydrogène. Et si c'était vraiment un assembleur et qu'il soit plus en avance que nous Que vous a-t-il dit exactement Rien, vous avez accroché avant qu'on ait eu le temps d'échanger quoi que ce soit. Et que lui avez-vous dit Je ne sais pas, rien non plus. Gravard se passa la main dans les cheveux en regardant le sol, visiblement embarrassé. Il y a un souci, s'inquiète à Martinez, j'ai fait une connerie Je me demande si je dois parler de ça à JCC. À M. Clément Mais pourquoi ce n'est pas si grave, paniqua le chef d'atelier. Ce concurrent à Montélimar, s'il existe, il pourrait nous faire du tort, expliqua Gravard. Il tourna le dos à Martinez et fit quelques pas dans l'atelier en regardant vaguement vers la chaîne de montage. Je vais monter le voir. Ne répondez plus au téléphone. Ok, mais dites pour ce problème de. Oh, on verra plus tard, répondit Gravard agacé. Le directeur de la fabrication traversa la cour pour rejoindre le bâtiment A et monta à l'étage de la direction. Il frappa à la porte du PDG qui le fit entrer aussitôt. Tiens, Gravard, qu'est-ce qui vous amène Est-ce que vous auriez connaissance d'un de nos concurrents qui travaillerait sur la pile à combustible à Montélimar À Montélimar Oui. Charles fronça les sourcils quelques secondes, puis répondit Cela ne me dit rien du tout. Moi non plus, mais nous venons de recevoir un appel étrange à l'atelier qui pourrait laisser croire que nous avons un concurrent là-bas. Il y a bien un constructeur d'engins élévateurs là-bas, je ne sais plus leur nom, mais j'ai déjà croisé leur patron sur un salon. Ils se seraient mis à l'hydrogène Ou alors, comme nous, ils font partie d'un pôle de compétitivité, il y en a un peu partout. Ce ne serait pas bon pour nous. Pour nos financements, surtout, qui viennent de l'État, ils ne vont pas envoyer de l'argent sur deux projets concurrents. Encore que, ils ne sont plus à sa Charles regarda Gravard comme s'il cherchait une réponse dans ses yeux, puis finit par décider. Je vais en parler à Butte. Il est peut-être au courant de choses qu'on ignore. De toute façon, je devais aller le voir pour d'autres raisons. Voilà, j'ai pensé qu'il valait mieux vous avertir. Vous avez bien fait, Gravard. Merci. Autre chose Non, c'est tout, c'était juste ça. À bientôt. À bientôt. Gravard s'éclipsa et entendit Jean-Clément Charles ailer sa secrétaire. Prenez-moi un rendez-vous avec Paul Butte, s'il vous plaît. Oui, dès que possible. Paul H de Jérôme chapitre 39 Les jours qui suivirent cette entrevue avec Gravard, Jean-Clément Charles fut d'une humeur particulièrement badine. La perspective d'une nouvelle réunion avec But le contrariait au plus haut point, mais celle de revoir Martine, sa secrétaire, le ravissait. Et le ravissement l'emportait sur la contrariété. Le jour venu, il revêtit un costume clair qu'il n'avait plus porté depuis plusieurs années ce qui ne manqua pas d'étonner son épouse, qui lui fit remarquer qu'il n'était plus très à la mode. Il douta un instant en se regardant dans le miroir, mais resta finalement sur son avis il devait porter ce costume aujourd'hui. Il avait rendez vous avec Paul Butte à neuf heures, mais savait pertinemment qu'il n'arrivait jamais au bureau avant neuf heures trente, au mieux. Pourtant, il s'assura d'arriver dès huit heures et demie pour patienter en compagnie de Martine, qui lui offrirait sans doute, comme à son habitude, un café. Cette fois il n'avait pas apporté de boîte de chocolat, et s'était retenu d'acheter des fleurs, il ne voulait garder la possibilité de faire marche arrière au dernier moment. Si Butte avait été là plutôt que prévu, ou si Martine avait montré des signes d'agacement en sa compagnie. Au contraire, celle ci parut enchantée de le voir, et lui sourit radieusement alors qu'il arrivait au bout du couloir. Cette fois il ne pouvait plus reculer. Les jambes en coton et la bouche sèche, il accepta volontiers le café qu'elle lui proposa et lui servit comme toujours sans plier les genoux, offrant au PDG une vue panoramique sur sa poitrine. Ils discutèrent de choses et d'autres comme il l'avait fait de nombreuses fois depuis quelques mois, mais Jean-Clément Charles orienta peu à peu la discussion vers un registre plus personnel. S'intéressant à son fils et plaisantant sur la chance qu'il avait d'avoir Martine comme mère, il installa bientôt l'ambiance propice à sa déclaration d'intention. L'objectif non avoué de sa visite à Paul Butte lui proposait de boire un verre à la sortie du bureau, dès ce soir. Vous faites quoi ce soir? lui demanda t-il, non sans un effort pour tenter de réguler les battements de son cœur. Ce soir? J'amène mon fils au judo, répondit Martine, croyant naïvement que Jean Clément Charles s'intéressait simplement à son emploi du temps familial. Je peux vous offrir un verre pendant la séance de judo de votre fils? la secrétaire posa sa tasse de café et adopta une autre posture. Elle croisa les jambes et les bras et recula instinctivement dans son fauteuil. Avant qu'elle ne répondît, Charles sut à quoi s'en tenir et regretta ses paroles. Je suis désolée, dit elle sans méchanceté, je crois que cela ne va pas être possible. Je comprends, et j'espère que vous saurez me pardonner cette maladresse. J'ai cru que enfin, cela n'a pas d'importance. J'ai beaucoup apprécié nos discussions et ces moments qu'on a passés ensemble. Cela m'a permis d'oublier un peu le fichu caractère de mon patron mais Mais, interrogea Charles qui était encore plus sous le charme de son hôte depuis qu'elle l'avait été conduit. Mais vous êtes trop vieux, finit-elle par lâcher maladroitement, sans trouver de manière plus polie d'exprimer ce qu'elle ressentait. Elle essaya de sourire et décroisa les jambes pour atténuer la force de l'argument mais il atteignit néanmoins le PDG en plein cœur. Il posa à son tour sa tasse de café en tremblotant, et c'est à ce moment que Paul Butte fit irruption dans le petit hall, devant son bureau où se tenait la scène. Tiens, monsieur Charles, vous êtes déjà là? Joli costume. Hurla t-il presque. Le PDG se leva sans quitter la secrétaire des yeux, comme pour poursuivre la conversation par télépathie. On pouvait lire dans son regard de la tristesse, bien sûr, mais aussi quelque chose comme de l'empathie, voire de la pitié. Il tendit la main à Martine en la remerciant sobrement pour le café, puis disparut dans le bureau de Paul Butte, où celui-ci s'était déjà engouffré. Que se passe-t-il, cher ami Vous avez souhaité me voir commença Paul Butte en surjouant l'amitié qui n'avait jamais existé entre les deux hommes. Je voulais vous parler de Montélimar, répondit Charles sèchement, immédiatement remis en selle par son aversion pour l'homme qu'il avait en face de lui une aversion peut-être teintée de jalousie. Montélimar? Pourquoi? Vous envisagez d'y passer vos vacances? continua Butte sur un ton toujours aussi désagréable. Une rumeur laisse penser qu'eux aussi travaillent sur un projet de véhicule à hydrogène. Je voulais savoir si vous en aviez connaissance. Une rumeur? Mais d'où vient cette rumeur? Nous avons reçu un appel d'un assembleur qui prétend rencontrer les mêmes problèmes techniques que nous. Comme nous n'avons pas de concurrent direct à Montélimar, en tout cas, à notre connaissance, nous avons pensé que cela ne pouvait être qu'une structure nouvelle, comparable à celle qui nous relie. Un autre pôle de compétitivité sur la pile à combustible, vous voulez dire? Exactement. Ne serait ce pas inquiétant pour nos financements futurs? L'État peut il se permettre de mener de front deux pôles sur le même thème? En effet, c'est ennuyeux, mais, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul projet comme le nôtre. Je vais essayer de me renseigner. Je vous tiendrai au courant. Sinon, ça avance. Les deux directeurs échangèrent quelques mots sur la poursuite du projet et les échéances à venir. Paul But renouvela avec insistance son empressement à obtenir des véhicules pour sa flotte interne, en invoquant le président de région et les échéances électorales qui ne manqueraient pas de précipiter les exigences de résultats des élus. Quand Jean-Clément Charles sortit du bureau, Martine n'était pas dans le sien. Il s'y attendait, mais cela la trista quand même. Paul Butte téléphona aussitôt à François Pernier, qui participait à une réunion des présidents de région au Sénat. Ce dernier accueillit la nouvelle froidement et, avant même de raccrocher, repéra du regard son homologue de la région Rhône-Alpes, qui était en train de fanfaronner auprès d'autres élus. Il s'approcha de lui et l'interrompit sans ménagement. Désolé d'interrompre ton sketch, mais j'ai hâte de parler. Surpris, l'élu de la région Rhône-Alpes s'excusa auprès de son assistance, et suivi Pernier dans un coin de cette immense hall du palais du Luxembourg. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Si tu essaies de me doubler sur la pile à combustible, je lance une fabrique de nougats. De quoi s'étonna l'autre qui visiblement ne comprenait rien. La voiture propre, c'est chez moi qu'elle se fera. Ta région ne manque pas de projets importants et soutenue par l'État. Chez nous, c'est désertique et on n'a même pas le tourisme pour nous sauver. Si tu pars sur l'écologie, je ne manquerai pas de te rappeler publiquement le fait que l'Ardèche est le seul département sans gare ferroviaire. Je vais torpiller ton plan de com. Mais je n'ai jamais eu l'intention de faire des voitures à hydrogène. Qui t'a mis ça dans le crâne J'espère bien. Si tu tiens à ton investiture du parti pour le prochain mandat, ce serait mieux pour toi que je me trompe. Range tes menaces. Je te dis qu'on ne fait rien autour de l'hydrogène. Enfin, c'est insensé. La conversation s'arrêta net et les deux élus se séparèrent immédiatement. Dès que Pernier fut assez loin, l'autre empoigna son téléphone et composa le numéro de son DG. Oui, Franck, c'est Pierre. Oui, la pile à combustible, ça te dit quelque chose On a des boîtes qui sont là-dessus par chez nous Bon, prends-nous des rendez-vous avec tous ceux qui gravitent de près ou de loin avec l'automobile il y a de la subvention à grappiller. Apparemment, du lourd, parce que le pôle de compétitivité commence à flipper. Ouais, le pôle H. Ils doivent ramer, et l'État doit s'impatienter, je suppose. Il y a peut-être moyen de les doubler. T'inquiète pas pour la forme juridique que ça prendra, je m'en occupe. Je vois le ministre des Transports cet après-midi, il est de notre côté. Ok, merci. D'humeur maussade, le PDG de automobile Composants sortait de l'hôtel de Région et s'apprêtait à regagner sa voiture. Il n'avait aucune envie de retrouver son bureau, d'attaquer une journée de travail après l'échec qu'il venait d'essuyer trop vieux, et si Martine avait raison. Sa remarque l'avait blessé très profondément, car elle faisait écho à un sentiment diffus qui le travaillait depuis plusieurs mois maintenant. Il n'avait jamais imaginé sa vie après le travail, sa propre retraite. On n'envisage jamais vraiment sa retraite elle vous tombe dessus, et puis voilà. Il avait toujours trouvé étrange ces gens qui l'attendent impatiemment, parfois dès l'âge de quarante ans. Pour lui, c'était avant tout une antichambre de la mort. Se forçant à oublier le refus de Martine, juste pour se réchauffer le cœur, il essaya de rallumer la flamme qu'il animait ce matin en arrivant, quand il l'aperçut dans sa robe plissée. Il ressentit un léger frisson tout le long de sa colonne vertébrale à cette idée. Il se dit alors que, s'il était trop âgé, peut-être pour conquérir de nouveaux territoires, pour gagner des parts de marché, ou pour entamer des projets novateurs, il ne l'était assurément pas pour vivre encore et ressentir des choses fortes. Il pensa à son épouse qui, ce matin, sans se douter, et avec bienveillance, lui conseillait de changer de tenue pour aller voir sa rivale. Il pensa à ses enfants et ses petits-enfants qu'il n'avait pas vus depuis longtemps et qu'il connaissait si peu, en fin de compte. Il se surprit à imaginer construire avec eux une cabane dans les grands arbres qui bordent sa propriété, faire un feu de bois pour manger des saucisses grillées, et tenter de leur transmettre l'envie d'entreprendre et d'aller de l'avant comme il l'avait fait tout au long de sa vie et comme son grand père l'avait fait avec lui. C'était dans l'ordre des choses, et il en prenait conscience seulement aujourd'hui. Transmettre. Tout son mal-être des derniers mois tenait dans ce mot. À son âge, il devait maintenant s'attacher à transmettre, transmettre le flambeau de son entreprise qui lui survivrait sans doute et porterait encore longtemps la marque de son PDG, transmettre ses valeurs aux générations futures, en commençant par ses propres descendants, pour qu'il ne devienne pas des Paul But. rendre à son épouse ce qu'elle lui a donné, de son temps pour qu'il bâtisse sa carrière alors qu'elle s'occupait des enfants, de sa patience quand il rentrait tard, fatigué ou préoccupé par son travail, de son amour inconditionnel même quand il envisageait ce matin de lui être infidèle. Il sourit en voyant son reflet dans la vitre de sa voiture. C'est vrai que ce costume était désuet. Il se dit que Paul Butte l'avait sans doute remarqué, mais qu'il s'en fichait dorénavant. Il rentra à la maison pour se changer. Sa femme n'était pas seule. Paul H. de Jérôme Vitenay, chapitre 40 Frédéric sursauta en entendant sonner le téléphone. Jamais personne ne l'appelait sur sa ligne fixe, et il était en train de rédiger une réponse compliquée. À un message posté sur un forum de discussion qui nécessitait toute sa concentration. Il inspira et expira lentement avant de décrocher. Allô? C'est Elodie. Il sentit dans le ton neutre qu'elle employait que quelque chose clochait. J'ai eu des nouvelles d'Antoine. Ah bon? Il m'a dit que tu lui avais écrit un email. Oui, attends, il faut que je t'explique. C'est inutile. Ne m'adresse plus jamais la parole. Mais attends, je. Il entendit la tonalité dans son combiné et raccrocha violemment à son tour. Il se maudit de ne l'avoir pas prévenu plus tôt de ses intentions. Il abandonna son message en pleine rédaction et ferma toutes les fenêtres ouvertes sur son ordinateur. Il lança une application nommée Elodie.exe, qu'il avait conçue lui-même mais une simple fenêtre grise et inerte apparut sur son écran. Fais chier, cria t-il en lançant sa souris sur le bureau. Son plan avait échoué, et Élodie lui en voudrait à jamais, sans doute, faute de pouvoir lui expliquer. Il souffrait souvent de ne pas pouvoir communiquer avec ses proches de ses activités informatiques. L'abstraction et les connaissances nécessaires à la compréhension de ce monde virtuel échappaient au commun des mortels, ce qui l'obligeait à ne partager ses sentiments qu'avec des geeks de son espèce. Cette fois c'était encore pire, il ne pourrait même pas en parler à Sébastien de peur de lui dévoiler la vie personnelle de sa collègue. Et il avait compris depuis longtemps que le déballage anonyme sur un espace de discussion en ligne n'apportait pas le réconfort souhaité, quand il ne tournait pas au bashing pur et simple. Il allait devoir surmonter ce double échec technique et sentimental seul. Il avait mal estimé la personnalité de son ennemi. Il avait pensé que l'ancien petit ami d'Élodie tomberait dans le piège, suffisamment attiré par des photos érotiques de son ex et pas assez compétent en informatique pour mesurer le risque de double-cliquer sur la pièce jointe d'un inconnu. À moins que ce ne soit son logiciel qui ait défailli, il fut pris d'un doute. Il examina une nouvelle fois son programme et exécuta mentalement chacune des instructions, notant la valeur de chaque variable. Il ne remarqua pas tout de suite le petit voyant clignotant en bas de son écran. Quand il l'aperçut, il s'insulta intérieurement et cliqua dessus frénétiquement. Son pare-feu de connexion lui signalait un blocage. Il empêchait son propre logiciel de fonctionner correctement. Il désactiva immédiatement la protection et aussitôt relança son programme. Des icônes apparurent et le fond gris laissa place à une image de montagne enneigée. Il exulta. Bingo! Il attrapa son téléphone, euphorique, et composa le numéro qui venait de l'appeler. Élodie lui répondit en pleurs. Laisse-moi tranquille, La Chatelle. Ne raccroche pas s'il te plaît, j'ai réussi. Quoi Je ne peux pas t'expliquer, il faut que tu viennes voir, c'est important. Tu te fous de moi Tu crois que j'ai envie de te voir maintenant Il faut que tu me fasses confiance, je ne peux pas t'expliquer au téléphone, tu ne comprendrais pas. Tu me prends pour une conne j'ai programmé un cheval de Troie pour faire de la prise de main à distance. Je comprends rien, s'énerva t-elle. Tu vois, il faut que je te montre. Ce sera plus simple, et puis ce sera utile que tu le vois de tes yeux. Elle laissa le silence s'installer. Il dura plusieurs secondes qui semblèrent infiniment longues à Frédéric. Finalement elle accepta. Je te donne cinq minutes. C'est plus qu'il n'en faut, dit il pour la rassurer. Mais dès qu'elle eut raccroché, il commença à paniquer. Et si cela ne marchait pas S'il ne trouvait pas ce qu'il cherchait Il osait à peine regarder son écran, toucher son clavier, tandis qu'Elodie était sur le trajet. Il ne l'attendait pas avant une demi-heure, le temps de prendre la voiture, d'emprunter le boulevard et de trouver une place pour se garer. Il jetait un œil à sa fenêtre de temps en temps, mais s'assurait que tout se passait comme prévu du côté de l'ordinateur. Il trépignait d'impatience et regrettait soudain de l'avoir fait venir. Il aurait pu faire ça seul et profiter de l'occasion qui lui était donnée plutôt que de vouloir faire une démonstration à celle qui l'attendait. Il passa la main dans ses cheveux, il hésita, il ne savait plus. Enfin, elle arriva. Il alla l'accueillir à la porte, et l'ouvrit avant qu'elle ne se manifestât. Elle entra d'un pas décidé, et il essaya de lui dire Merci d'être. Elle lui administra une gifle sur la joue gauche, tout en entrant dans son appartement d'un pas décidé il resta figé sur le seuil. Ça, c'est fait, se dit il. Il courut derrière elle pour lui expliquer son plan. Songeant à l'ultimatum qu'elle lui avait donné, il parla vite et sans réfléchir en se frottant la joue. J'ai envoyé ce mail à Antoine dans l'unique but de le faire cliquer sur une application que j'ai créée. Cela a installé sur son ordinateur un cheval de Troie, un code malicieux qui me donne accès à sa machine. Maintenant je vois tout ce qu'il fait sur son ordinateur. Si je bouge ma souris, ça bouge le pointeur chez lui. Elle marcha vers l'ordinateur, en tapant des pieds, et le désigna du doigt. C'est depuis cet ordinateur-là Oui, je n'en ai qu'un. Je ne vois rien. Il se précipita vers l'écran et constata que la fenêtre était redevenue uniformément grise. En oh, le con, il a éteint son PC Je savais qu'il fallait que je le fasse avant que tu arrives. Tu insinues que c'est de ma faute questionna-t-elle en s'approchant de lui. Mais non, se défendit-il en esquissant un geste pour protéger son visage. Puis l'écran clignota. Et Frédéric se mit à tressauter sur place. Regarde, il a redémarré, ça marche, ça marche. Élodie s'effondra sur le fauteuil, hypnotisée. Je reconnais ce fond d'écran. C'est une photo qu'il a prise en vacances avec moi. Frédéric, debout à ses côtés, mais penché sur le bureau, s'empara de la souris et expliqua le moindre de ses faits et gestes. On n'a pas beaucoup de temps avant qu'il ne s'aperçoive de la supercherie. Il voit tout ce que nous faisons je commence par désactiver son clavier et sa souris. À partir de maintenant, la seule issue pour lui, c'est d'éteindre son ordinateur. Mais la surprise de voir le curseur de la souris bouger de façon désordonnée devrait l'inciter à ne pas le faire immédiatement. Et puis éteindre son ordinateur en appuyant sur l'interrupteur est la dernière chose qu'on cherche à faire si on ne veut pas perdre ses données. Regarde, je vais aller fouiller dans ses fichiers. Il a deux disques durs. Le premier contient les fichiers système, il semblerait, c'est assez courant, et cela ne nous intéresse pas. Voyons ce qu'il y a sur le second. Voilà ces données. Tu vois, il y a un répertoire avec des photos. J'en ouvre une pour voir. C'est sa mère, s'étonna Elodie. Nous sommes donc bien chez le bon individu. Voyons ce répertoire intitulé Vidéo. Que trouve-t-on à l'intérieur Oh Des fichiers issus d'un caméscope numérique. De quand date-t-il Les premiers sont de 2003. Ça correspond à la date d'achat de son caméscope. C'est pas de chance, je viens malencontreusement de supprimer tout le répertoire contenant ces vidéos, dit Frédéric d'un ton moqueur. Tu as fait ça demanda Elodie en souriant. Je crois bien, oui. Suis-je maladroit Et tu sais quoi Je m'apprête à faire la même chose avec son dossier de photos. On ne sait jamais. Voyons ce qui traîne encore par ici. Dis-moi, il est très méticuleux, tout est bien rangé. Tiens, voilà CMP MP3. Dis-moi, il a les moyens de s'acheter de la musique, ce brave homme. Allez, hop, poubelle. Il ne faudrait pas qu'il croie qu'on est venu juste pour effacer tes vidéos. Tu crois qu'il ne va pas faire le lien avec ton mail Bien sûr que si. Il n'est pas sot. Enfin. Il a quand même cliqué comme un con sur mon exécutable, et il avait rôlé son PC. Oh. Pendant que j'y pense, je vais installer ce petit programme de ma fabrication. C'est quoi? demanda Elodie, qui, passée la colère et la stupéfaction, commençait à vraiment s'amuser. C'est un outil qui va formater tout support amovible qu'il branchera sur cet ordinateur. On ne sait jamais s'il avait une sauvegarde de tout ça sur un disque externe, il en sera pour ses frais. Comme tu es cruel, dit elle faussement indignée, mais elle avait maintenant un sourire jusqu'aux oreilles. Il y a autre chose que tu voudrais voir? Montre sa messagerie. Ah ben non, ça c'est trop personnel, je ne peux pas lui effacer, dit Frédéric en la regardant d'un air grave. Ah, s'excusa Elodie un peu honteuse. Mais tu as raison, il faut qu'on aille voir ça, renchérit-il en riant. Il ouvrit sa messagerie et effaça quelques mails, dont le sien, pour éviter qu'il ne s'en serve pour retrouver sa trace sur Internet, et il supprima également tous ceux qu'il avait échangés avec Elodie. Ils se moquèrent ensemble de certains échanges qu'il avait eus avec ses parents et ses amis. Puis la fenêtre se figea et redevint grise quelques secondes plus tard. Au revoir docteur. Au plaisir. Dit Frédéric en faisant semblant de soulever la visière d'une casquette invisible. Le jeune homme ferma cette fenêtre grise et remit de l'ordre sur le bureau de son poste informatique, en attendant qu'Elodie sorte de son mutisme. Il fixait volontairement l'écran et sentait le regard de sa collègue peser sur lui. Il jubilait intérieurement, mais ne voulait surtout rien en laisser paraître. Merci finit elle par chuchoter. De rien, ce fut un plaisir, répondit il toujours sans la regarder, en se frottant la joue où l'empreinte rouge des doigts de la jeune fille restait imprimée. Elle s'approcha et déposa un baiser sur la zone endolorie. Il lâcha souris à clavier, mais resta les yeux brillants rivés sur l'écran. Elle renouvela son baiser sur sa joue, il tourna alors la tête dans sa direction, leurs lèvres se rejoignirent enfin. Polache de Jérôme Huitner, chapitre 41. Article du Dauphiné Libéré, 23 juin 2005. Drôme, Montélimar. Une voiture à hydrogène sur les routes avant la fin de l'année. Pierrick Filippetti est fier d'ouvrir le capot de son prototype. À l'intérieur, surprise, un simple réservoir d'eau propre. Alimentant une pile à combustible qui propulse le véhicule à 60 km/h de moyenne pendant 3 heures, soit une autonomie de près de 200 km, sans émettre un seul gramme de CO2. Le jeune directeur de l'entreprise FreeMotion, basée à Montélimar, annonce des performances encore meilleures pour la fin de l'année, période où les premiers prototypes seront livrés à quelques entreprises pour finaliser la mise au point le principal défi n'est pas technique c'est le financement assure m philippetti qui prétend avoir ce projet de voiture propre dans ses cartons depuis plusieurs années avec l'appui de la région rhône-alpes du conseil général de la drôme et de quelques partenaires privés l'usine qui fabriquait jusqu'ici des vélos électriques a été reconvertie en quelques semaines en chaîne de montage de véhicules à hydrogène l'hydrogène cet atome miraculeux à une densité énergétique près de trois fois supérieure à celle du diesel, 33,3 kWh par kilo contre 12,6 kWh par kilo, mais n'est pas disponible à l'état naturel. C'est dans l'eau que l'on trouvera le gisement le plus important après l'avoir séparé de l'oxygène par électrolyse. Cela fait des dizaines d'années que l'on sait obtenir de l'hydrogène à moindre coût, mais le lobby pétrolier a retardé l'industrialisation du procédé explique le jeune entrepreneur. Un lobbying aujourd'hui dépassé par les contraintes écologiques et économiques qui pressent la société tout entière à devenir moins dépendante du pétrole. Silencieuse, économe et propre, la voiture produite par Free Motion va attirer l'attention des Dromois pendant les fêtes de Noël, où elle commencera à circuler sur les routes, un cadeau original pour les entreprises qui auront la chance de faire partie des testeurs M. L. Paul H de Jérôme Vuitenay, chapitre 42. François Pernier jeta le journal dans sa poubelle en grognant. Il composa le numéro de Paul Butte immédiatement et attendit qu'il décrochât en tapotant nerveusement la surface de son bureau avec les doigts de sa main libre. Allô, Butte Oui, c'est moi. Vous avez lu l'article du Dauphiné Pas encore, mais on en a parlé. Qui Jean-Clément Charles, je l'ai eu au téléphone ce matin. On doit faire quelque chose. C'est certain, mais quoi Vous voulez que je convoque la presse Pour leur dire quoi Qu'on ne sera prêt que six mois plus tard, au mieux C'est ennuyeux, mais. Mais qu'est-ce qu'ils foutent chez Automobile Composant Ils se comptent les doigts de pied Ils m'assurent que cela ne peut pas se faire si vite, trop de contraintes techniques. Ils nous mènent en bateau ceux de Montélimar en sont au même point que nous en quelques semaines, soi-disant. Pourquoi nous mèneraient-ils en bateau Ce n'est pas dans leur intérêt. Pour toucher plus de subventions de l'État, pardi. S'ils se font doubler par un concurrent, leur projet. notre projet tombe à l'eau. Ils le savent, ça. Je n'en suis pas certain. Je pense qu'il faut leur rappeler. Expliquez-leur que nous stoppons tout financement à la fin de l'année qu'ils se débrouillent pour nous faire quelque chose qui roule dans ce délai. Vous croyez que. Ce projet commence à me courir sur le haricot. Ça nous coûte un bras, ça n'avance pas, il n'y a aucune retombée économique ou politique, il n'y a jamais rien à montrer au public. On a quand même fait la démonstration du prototype. Parlons-en. Une voiture qui fait dix mètres sur un tapis, c'était impressionnant. Merci. Mais nous étions d'accord sur. Eh bien, je ne suis plus d'accord, s'énerva le président. Démerdez-vous comme vous voulez pour que ce projet avance. Sinon, la région avancera sans vous. Qu'insinuez-vous Vous, vous m'avez très bien compris. Au revoir, But. Paul Butte raccrocha son téléphone, la figure maussade. La menace était claire, son poste était en jeu. Il n'y tenait pas particulièrement et savait pouvoir retrouver une place équivalente ailleurs dans une autre collectivité, s'il le souhaitait. Mais se faire remercier en milieu de mandat était le signe d'une incompétence manifeste ou d'un désaccord profond avec l'élu. Dans les deux cas, cela marquait négativement sa carrière. Pendant quelques secondes, il envisagea de poser sa démission immédiatement avant que le pot lâche ne s'écroule de lui-même et l'entraîne avec lui au fond de l'abîme. Mais dans un sursaut d'orgueil vis-à-vis de Jean-Clément Charles, il changea d'avis. Il décrocha à son tour son téléphone et demanda qu'on lui passât le PDG de Automobile Composants. Celui-ci répondit sèchement, comme à son habitude Charles. Rebonjour Jean-Clément, c'est Paul Butte à nouveau. Je viens d'avoir notre président. Ah hein il a lu l'article dont vous me parliez ce matin, et il est très en colère. Ah bon? Il se demande pourquoi un illustre inconnu au fin fond de la Drôme a réussi à bricoler une voiture à hydrogène dans son garage, alors que vos talentueuses équipes échouent à faire rouler un prototype sur plus de dix mètres. Jean Clément Charles apprécia la critique à sa juste mesure, mais son esprit était ailleurs. Avant de sauver son entreprise, il songeait à sauver son couple. Mais Paul Butte ne devait rien en savoir, évidemment. Demandez donc à ce monsieur Philippetti de vous prêter sa voiture pour faire un tour avec. On verra s'il est toujours aussi enthousiaste, répliqua le PDG de Automobile Composant. Vous pensez que le dauphiné est libérément? Cet article pue la publi information. J'aimerais bien savoir qui tenait la plume du journaliste. Cela ne m'étonnerait qu'à moitié que cela soit un collègue de votre président. Ce que vous insinuez est grave, mais surtout vous n'en avez aucune preuve. Est ce que vous ne seriez pas en train de maquiller votre propre incompétence? Automobile Composant existe et fait vivre cette région depuis des dizaines d'années, bien avant que vous et votre président n'arrivent ici. Si vous doutez de nos compétences pour mener à bien ce projet, que ne l'avez vous confié à quelqu'un d'autre? Justement. Il s'agit bien de ça. Le président vous fait savoir que le financement du projet stoppera dès la fin de cette année. Faites en sorte de terminer les travaux d'ici là, faute de quoi vous n'aurez plus notre soutien. Comment? Mais le pôle de compétitivité. Le pôle est une construction juridique comme une autre, elle peut se défaire, surtout si l'un des partenaires ne tient pas ses engagements, auquel cas il devra rembourser les sommes qui lui ont été versées, bien sûr. Nous avons toujours tenu nos engagements, tempêta Charles sous la menace. Le tribunal administratif en jugera quand il apprendra que votre prototype prétendument à hydrogène roulait sur batterie électrique. Quelle malhonnêteté. C'est vous qui avez insisté pour qu'on mette en scène cette supercherie. En avez vous la preuve? Jean Clément Charles garda le silence. Effectivement, cette décision avait été prise oralement et les seules traces écrites qu'il pouvait exhiber étaient ses propres consignes destinées à ses services. Paul But reprit sur un ton plus calme :« Nous n'en sommes pas encore là. Vous et moi, nous jouons notre avenir sur ce coup-là. C'est un challenge, peut-être le dernier de notre vie professionnelle. Vous n'allez pas terminer votre carrière sur un tel échec. » À l'idée d'entraîner Paul Butte dans sa chute, Jean Clément Charles hésita un instant. Mais les événements de ces dernières semaines l'avaient profondément affecté, et il n'imaginait pas subir une humiliation supplémentaire, professionnelle cette fois. Il pensa à sa femme qui lui avait avoué une liaison avec un voisin juste au moment où il avait failli la trahir lui-même. Il voulait maintenant la reconquérir et lui montrer qu'il n'était pas un homme fini. Vous aurez votre fichu voiture à hydrogène au mois de novembre. Après quoi, je ne veux plus entendre parler de vous, je me retirerai. C'était la première fois qu'il évoquait sa retraite avec quelqu'un. Il fallait que cela fût avec son pire ennemi. Paul Butte profita de cet aveu de faiblesse pour enfoncer le clou avec son ton toujours empreint de fausse politesse. Félicitations, vous avez raison, il faut savoir s'arrêter. Jean-Clément Charles raccrocha, puis maugréa pour lui-même. Il faut savoir arrêter d'être con aussi. Paul H de Jérôme Vuitennet, chapitre 43 L'été s'annonçait radieux pour Élodie et Frédéric, qui sortaient maintenant régulièrement ensemble. Ils avaient prévu de passer une semaine dans un camping au bord d'un lac et d'y parfaire leur expérience naissante de randonneurs. Élodie s'était chargée, puisque c'était son métier, de remplir les bons de congé et de les envoyer en signature à la direction. Mais à sa grande surprise... Un seul des deux bons, le sien, était revenu signé. Elle composa le numéro de poste de Frédéric qu'elle connaissait par cœur et lui fit part de son étonnement. « D'habitude, J.C. Carré signe tous les bons de congé ensemble. Je ne sais pas ce qui lui a pris. »« Je dois te laisser. Il vient de programmer une réunion de crise à l'instant. On va sans doute savoir ce qui se trame. » Frédéric raccrocha et chercha dans les yeux de Sébastien une explication à ce branle-bas de combat. Tout ce que l'entreprise comptait d'ingénieurs et de techniciens affluait maintenant vers la salle de réunion beaucoup trop petite pour accueillir tout ce monde. Jean Clément Charles lui même parut surpris par l'affluence, et se leva en constatant que personne ne pourrait se tenir assis. Sa grande taille lui permit d'éviter de monter sur une chaise pour haranguer son personnel. Un cercle d'un mètre de diamètre s'était formé autour de lui il entendit dans le brouhaha des allusions à sa future retraite, et une rumeur de rachat de l'entreprise par un groupe étranger. Les chuchotements stoppèrent quand il commença à parler. Mesdames et Messieurs, chers collègues, merci d'avoir répondu à ma convocation d'urgence. Rassurez vous, la réunion ne va pas durer longtemps. J'ai eu la semaine dernière un coup de téléphone de Paul Butte, le directeur général du Conseil régional, m'indiquant qu'une autre entreprise française travaillait d'arrache pied sur un véhicule à hydrogène. Vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil régional, notre partenaire dans ce projet est aussi la source principale de nos financements à travers les aides de l'État qui sont attribuées au pôle de compétitivité. Le contexte évolue aujourd'hui en raison de cette concurrence inattendue et nous oblige à revoir nos délais et nos plannings, sous peine de voir le financement s'arrêter net dès la fin de cette année. Des murmures indignés se firent entendre dans l'assistance. Au vu des circonstances exceptionnelles, j'ai dû prendre des mesures exceptionnelles ainsi, je me suis engagé à livrer un modèle définitif du véhicule en novembre. De cette année? lança une voix incrédule dans la foule. De cette année, bien sûr, mais je sais que certains délais incompressibles rendront la chose difficile. Aussi j'espère que vous comprendrez l'effort que je vous demande maintenant. Jean Clément Charles laissa le silence s'installer, chercha ses mots, et reprit son souffle avant de continuer. L'entreprise ne fermera pas ses portes cet été, et je ne signerai aucun congé pour l'équipe technique avant la livraison du véhicule. Tollé dans l'assistance. Mais j'ai déjà réservé mon séjour. Pas question que je reste ici tout l'été. Qu'est-ce qu'en disent les responsables syndicaux Le PDG tenta de calmer tout le monde en dosant aussi finement que possible les menaces et les encouragements. J'ai rencontré les responsables syndicaux et leur ai expliqué la situation. Pour sauvegarder l'emploi et la survie même de l'entreprise, ils ont validé ma proposition. J'ajoute que ces dispositions pourront être assouplies si nous avançons suffisamment vite. Avec vos chefs de service, nous étudierons au cas par cas les demandes. Et s'il s'avère que la partie du véhicule qui vous concerne est déjà au point, il n'y a pas de raison que je refuse vos congés. Soulagement pour environ un tiers des personnes présentes qui étaient déjà en phase de finalisation de leur partie du projet. En revanche, tous ceux qui étaient concernés par la partie moteur à hydrogène, au premier rang desquels Frédéric baissèrent les épaules. René Martinez prit la parole. Mais qu'est-ce qui va se passer si on ne trouve pas la solution Quelle solution demanda Charles. Le réservoir, il ne marche pas, c'est pas de notre faute. Ce n'est pas le lieu pour avoir une discussion technique. Parlez-en avec Gravard qui verra ça avec moi. Jean-Pierre Gravard jeta un œil sombre à Martinez qui ne poursuivit pas l'échange. Les murmures reprirent de plus belle. Frédéric, de son côté, piétinait d'impatience. Je vais démissionner, dit-il à Sébastien. Tu déconnes Je devais partir avec Élodie dans trois semaines. Il n'y a aucune chance que le moteur tourne correctement et soit fiable d'ici là. Effectivement, ça paraît difficile, mais ce n'est pas la fin du monde. Tu partiras avec elle à la montagne cet hiver, dit Sébastien pour le consoler. Tu parles Quoi Cet hiver, ça ne sera pas mieux. Avec Élodie je ne comprends pas. J'ai un mauvais pressentiment. Je ne le sens pas du tout, ce projet. De toute façon, même si tu démissionnes, tu as un préavis de plusieurs mois. C'est mort pour tes vacances. Jean Clément Charles appela à nouveau au calme, en levant les bras pour terminer son intervention d'une voix vibrante, inhabituelle. S'il vous plaît. Je suis conscient des sacrifices que je vous demande, et je vous promets qu'ils seront récompensés en cas de réussite du projet. Pour ma part, c'est le dernier que je mènerai à vos côtés, et je tenais à ce que vous sachiez le plaisir que cela a été de travailler avec vous pendant toutes ces années. Automobile Composant est connu partout en Europe, et nous fournissons la plupart des constructeurs automobiles majeurs. Tout cela grâce à notre travail commun, et je compte sur cette coopération fructueuse pour nous permettre une nouvelle fois de franchir cet obstacle. Un peu refroidi par la solennité de l'annonce du départ de leur PDG, les ingénieurs et techniciens se turent pendant quelques secondes, se demandant s'ils devaient applaudir ou revendiquer leur droit à congé. Puis Jean Clément Charles se fraya un passage pour sortir de la pièce, visiblement éprouvé par son discours et par la situation. Pendant qu'il regagnait son bureau, les discussions reprirent, et la foule évacua la salle petit à petit. Frédéric et Sébastien rejoignirent leur bureau sans échanger une parole. Ce dernier n'était pas affecté plus que ça par l'annonce de l'annulation des congés, comme à son habitude, il n'en avait pas posé et n'avait pas l'intention de le faire. Mais par empathie pour son collègue, il essaya de crever l'abcès, maladroitement, dès qu'ils s'assirent devant leur écran. Ça craint, dit-il en redoutant la réaction de Frédéric. Il faut que je téléphone à Elodie. Comment je vais lui dire ça Elle doit déjà le savoir. La moitié de la boutique était dans cette salle. Ça a déjà dû fuiter. Tu as raison. Il faut que je l'appelle tout de suite. Il empoigna son combiné et appuya la touche bis. Depuis quelque temps, il n'appelait plus qu'elle au bureau. Élodie, c'est moi. Alors, répondit-elle inquiète. Tu ne sais pas encore Non Les congés sont annulés. Mais comment, mon bon est revenu signé Pour l'équipe technique seulement. La bagnole doit sortir en novembre. On s'est fait doubler par un concurrent. Dans ce cas, j'annule les miens. Tu n'es pas obligé, toi aussi tu as besoin de repos. Je n'ai pas besoin de repos, j'ai besoin de toi. Allô? Non, c'est rien, je me suis évanoui. De quoi? Tu prononces des mots parfois, ça me surprend. Tu ajouteras un chapitre? Hein? À ta notice. Arrête de me charrier avec ça, c'était une plaisanterie. Je sais. Par contre, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Ne me parle pas de tes lèvres, par pitié. Tu l'as regardée? Quoi? Tu le sais très bien. Ah, ça! dit-il en jetant un œil à Sébastien. Oui, ça. Non, je n'ai pas le lecteur adéquat. Sébastien, qui écoutait la moitié de la conversation par la force des choses, réagit en entendant ces paroles. Il plongea sous son bureau et sortit un sac en plastique dans lequel se trouvait un vieux caméscope entouré de câbles. Il chuchota à Frédéric, espérant lui faire plaisir :« Je l'ai trouvé le lecteur qui va bien, c'est pour elle ?» Frédéric lui fit un geste de la main pour lui signifier de ranger cet objet. Puis reprit sa conversation au téléphone. De toute façon, cela ne m'intéresse pas. Je ne te remercierai jamais assez. Il t'a foutu la paix Il ne m'a jamais rappelé. Ah, je te laisse, ma chef arrive, bisous. Frédéric raccrocha et fronça les sourcils en s'adressant à Sébastien. Qu'est-ce que tu fous avec ce truc dit-il en montrant le sac plastique contenant le caméscope. Tu en cherchais un, non Non, mais j'ai réglé l'affaire autrement. C'était pour Elodie? Non, enfin oui, mais ne t'occupe pas de ça. C'est une vieille vidéo de famille, et plus personne n'a de quoi lire son contenu, c'est ça? Mon oncle est dans le même cas. Il a tout filmé en Super 8, et maintenant qu'il voudrait montrer ça à ses gosses, il n'y a plus un appareil qui sait lire la bande. Voilà, c'est ça, mentit Frédéric pour avoir la paix. Comment t'as fait alors? Pour? pour régler l'affaire autrement. Je lui ai dit que le disque était foutu, inventa Frédéric, pris de court. Mais t'es con, regarde, j'ai tout ce qu'il faut! Frédéric paniqua un instant. Sébastien était en train de déballer l'appareil et de lui expliquer son histoire, l'endroit où se branchaient les câbles, l'alimentation qu'il avait dû bricoler au fer à souder parce qu'elle ne fonctionnait plus. Si Elodie entrait dans le bureau maintenant, il ne lui faudrait que quelques secondes pour en conclure des tas de choses compromettantes. Il coupa à court à la démonstration de son collègue. Très bien, tu as raison, je vais lui montrer ça. Remets tous les câbles dans le sachet, j'y vais. Quoi maintenant? Oui, tout de suite. Sébastien s'exécuta en expliquant à nouveau la fragilité du bloc d'alimentation et les mesures de précaution à prendre pour la manipuler, mais Frédéric l'aida sans ménagement à tout faire entrer dans le sac plastique en quelques secondes. J'y vais, dit-il en partant avec le sac dans les mains. Fais gaffe, c'est fragile, je te dis. Mais son collègue avait déjà disparu dans le couloir. Il mit son empressement sur le compte du sentiment amoureux qu'il animait depuis qu'il avait rencontré Élodie. Il consulta machinalement sa messagerie et les différents forums qu'il suivait, puis son œil fut attiré à l'extérieur sur le parking. Frédéric était en train de ranger le sac plastique dans le coffre de sa voiture. À cet instant, Élodie entra dans le bureau, son bon de congé déchiré à la main et le sourire aux lèvres. Elle s'étonna de l'absence de Frédéric auprès de Sébastien, qui crut bon de la rassurer. Il range le caméscope que je lui ai trouvé dans sa voiture. Ne t'inquiète pas, on va le récupérer le contenu de ce disque. Paul H de Jérôme Vitenay, chapitre 44 L'été fut laborieux chez Automobiles Composants sous les toits en tôle mal isolés des ateliers. La chaleur pesait sur les corps et énervait les esprits. Victor Lodz et sa méthode Power furent appelés à la rescousse pour gérer la situation de crise et établir des priorités dans l'urgence. En quelques semaines à peine, la plupart des employés comprirent qu'il ne fallait plus faire remonter aucun dysfonctionnement à travers les fiches d'incidents prévues à cet effet, sous peine de voir l'espoir de quelques jours de congé fin août s'envoler définitivement. Chaque service s'attacha alors à camoufler les incidents techniques, à bâcler les tests les plus élémentaires et à fournir les indicateurs les plus encourageants pour tenir les délais. C'était le travers évident de la politique du chiffre. Si l'on ne juge plus votre travail qu'à la faveur d'une valeur dans un tableau, il devient beaucoup plus efficace et facile de garder comme seul objectif l'obtention d'un bon chiffre. C'est ainsi que les policiers déclassent les plaintes et que les chômeurs sont radiés des listes de demandeurs d'emploi pour améliorer respectivement les chiffres de l'insécurité et du chômage. René Martinez ignorait tout de ses théories sur la politique du chiffre, même s'il en pressentait les conséquences. Seul avec son problème de réservoir défectueux, il n'était toujours pas parvenu à alerter son supérieur de ses observations, qu'il ne s'expliquait d'ailleurs pas lui-même. Il avait changé à plusieurs reprises le système de fixation et avait fait de nombreux tests en remplissant le réservoir d'eau, mais à chaque fois, dans les conditions réelles, la panne se manifestait à nouveau, insidieuse, invisible, mais réelle. Gravard ignorait le problème. Ses autres chefs d'atelier le harcelaient pour qu'ils résolvent rapidement leurs soucis avant la fin des beaux jours, si possible. La date de présentation du modèle définitif fut annoncée au milieu de l'été. Un salon de l'automobile était organisé à Toulouse du 19 au 27 novembre 2005 et le samedi 26 fut identifié par les deux services communication d'automobiles composants et de la région comme la date idéale pour dévoiler le véhicule au grand public. Alors que les premières plaquettes promotionnelles et les porte-clés aux couleurs du véhicule commençaient à envahir les bureaux, Frédéric se morfondait en pianotant sur son ordinateur. Elodie avait finalement pris ses congés sans lui, et elle était retournée dans sa famille pour quelques jours. Elle ne lui avait pas expliqué directement les raisons de son départ, mais il se doutait que la gaffe innocente de Sébastien y était pour quelque chose. Il avait vraisemblablement sous-estimé le traumatisme causé par ses vidéos et s'en voulait de n'avoir pas simplement dit la vérité à tout le monde dès le début. Les circonstances voulurent que Sébastien et Frédéric se côtoyassent nettement moins depuis le départ d'Élodie. Les dernières mises au point du moteur à hydrogène accaparaient Sébastien dans les différents ateliers, tandis que Frédéric restait au bureau à peaufiner les calculateurs qui analysaient les données du véhicule en temps réel pour en améliorer les performances. Le plus souvent, il restait donc seul en face de son écran, et son regard fuyait régulièrement par la fenêtre vers le ciel bleu immaculé. Il n'avait aucun moyen de rejoindre Elodie, car il ne connaissait pas l'adresse de ses parents. Il avait bien tenté une recherche dans les pages blanches sur Internet, mais leur nom de famille était trop courant pour que cela permît de filtrer efficacement les résultats. Il ne lui restait plus que le courrier électronique, mais il doutait du fait qu'Elodie relevât régulièrement sa boîte aux lettres pendant les vacances, si ses parents avaient bien une connexion internet fonctionnelle ses cinq premiers mails étaient restés sans réponse il désespérait une mélodie inhabituelle retentit dans les haut-parleurs de son ordinateur il reconnut immédiatement le son qu'il avait choisi pour indiquer l'arrivée d'un mail d'élodie et paniqua un instant en cliquant partout pour arrêter le programme de simulation du prototype qu'il regardait sans voir depuis plusieurs minutes le courrier électronique était sobrement intitulé Salut, et ne faisait aucune allusion à ses mails précédents. De Elodie, elodie .fr, à Frédéric, Fred76 at Free.fr, date 25 août 2005, 14h20, objet Salut. Est-ce que tu connais un site internet où on peut trouver des billets d'avion à la dernière minute pas cher ?»« Hello. Le ton était froid, la question purement technique. Et Elodie ne semblait plus considérer Frédéric que comme un vulgaire conseiller en nouvelles technologies. Néanmoins, c'était un contact et il prit mille précautions pour le prolonger en répondant immédiatement mais en pesant chaque mot. De Frédéric, Fred76, at fr à Elodie, Elodie, at fr Date 25 août 2005, 14h22. Objet, re, salut. Le plus connu est lastminute.com, mais je ne l'ai jamais utilisé personnellement. Tu pars Fred. La perspective de voir Elodie s'envoler sous d'autres latitudes lui glaçait le sang, mais il s'efforça d'accueillir la nouvelle avec détachement. Il attendit sa réponse impatiemment, n'étant plus capable de se concentrer sur son travail. Heureusement, elle arriva rapidement, mais fut brève. De Elodie, elodie .fr, à Frédéric, fred 76 Free.fr. Date, 25 août 2005, 14h30. Objet, re-salut. Non, c'est pour mes parents. Merci. Hello. Frustré par sa réponse laconique, mais soulagé d'apprendre qu'elle n'était pas en partance pour l'autre bout du monde, il essaya à nouveau de prolonger la conversation. D'expérience, il savait que très peu d'internautes laissaient des questions directes sans réponse lors des échanges électroniques. Si elle prenait le temps de lire son mail, alors elle y répondrait aussitôt. À condition, bien sûr, qu'il puisse l'envoyer avant qu'elle n'éteigne son ordinateur ou passe à autre chose. Il rédigea rapidement le mail suivant. De Frédéric, fred76atfri.fr à Elodie, -elodie -at fr Date 25 août 2005, 14h32. Objet re-salut. Tu m'en veux toujours? Fred. Il cliqua sur envoyer et regretta immédiatement. C'était trop direct. Ou alors elle allait répondre oui, et la conversation se terminerait là. Et ce smiley final, comment allait elle l'interpréter? Comme de la moquerie peut-être? Genre tu m'en veux toujours, idiote? Lui, ce qu'il voulait, c'était atténuer la brutalité de la question, montrer qu'il était dans le bon état d'esprit, compréhensif, prêt à se faire pardonner, à s'excuser mais comment fait on passer tout ça dans un mail de cinq mots qu'on doit envoyer dans les trente secondes? Comment? Elle ne répondit pas. Trente minutes passèrent, et Frédéric, pétri d'angoisse, dut se lever et faire les cent pas dans son bureau pour réfléchir. Toutes les issues semblaient fermées. Il devrait attendre le retour de sa collègue pour lui parler de vive voix, à condition qu'elle accepte la discussion. C'était l'affaire de plusieurs jours, des semaines même, une éternité. Il mit un coup de pied dans la corbeille à papier qui, heureusement, était vide. Elle traversa la pièce et finit sa course sur la vitre, puis s'écrasa au pied de la fenêtre. Il retourna à son bureau et empoigna le clavier, l'air décidé. Il rédigea un nouveau mail. Ou presque, il ne renseigna que l'objet, sans autre contenu. Il cliqua sur Envoyer, en risquant le tout pour le tout. De frédéricfred 76 .fr à Elodie -elodie -at Date 25 août 2005, 15h06. Objet j'ai vu tes vidéos. Avec un peu de chance, elle était encore sur un site de voyage à chercher une destination pour ses parents. Elle verrait peut-être la fenêtre surgissante lui indiquant l'arrivée d'un mail, et l'objet de ce courrier électronique lui sauterait aux yeux. La faire réagir, c'était l'objectif. Quelques minutes plus tard, elle répondait. De Elodie, Elodie, à, .fr, à Frédéric, Fred 76, à fr Date 25 août 2005, 15h13. Re, j'ai vu tes vidéos. C'est vrai Hello. De Frédéric, Fred76, à truc.fr Elodie, Elodie, à Elodie, Elodieatoinadou.fr. Date 25 août 2005, 15h14. Objet, Re, j'ai pas vu tes vidéos. Non, mais il faut absolument que je te parle et que tu me répondes. C'est un malentendu, un de plus, il faut qu'on l'éclaircisse. Fred. De ElodieAtoinadou.fr à Fred76Atfree.fr 25 août 2005, 15h20. Re, j'ai pas vu tes vidéos. Et tu crois que je fais quoi là Hello. De Fred76Atfree.fr à ElodieAtoinadou.fr 15h22. Tu cherches des billets d'avion pour tes parents et tu snobes mes mails Fred. De Elodie at .fr à Fred76 at .fr, 15h28. J'envoie mes parents loin d'ici pour t'inviter à la maison ce week-end, pour qu'on soit seuls. Voilà ce que je fais. Hello. Paul H. de Jérôme Vitenet, chapitre 45 Nicolas Verdier avait entouré en rouge sur son calendrier la date du Salon de l'Automobile de Toulouse. Il avait réservé son billet de train et élaboré un plan machiavélique. Là de n'être pas entendu par les médias traditionnels, il leur avait tendu un piège sur le tout nouveau réseau social Facebook. En ajoutant au feutre rouge la mention « danger d'explosion » sur l'exemplaire de la fiche d'incident qu'il avait numérisé puis floutée, et en inventant les témoignages dramatiques de plusieurs entreprises fictives situées à l'autre bout du monde et dont l'existence était invérifiable pour des journalistes locaux, il avait donné naissance à un mensonge cohérent qu'il posta sur son profil. Ses quelques amis sur le réseau ont rapidement repris l'information qui finit par toucher de proche en proche les instances dirigeantes des partis écologistes régionaux qui lui ont fait prendre soudain une envergure nouvelle. Il a alors lâchement supprimé toute allusion à cette affaire sur son profil personnel, pour que son anonymat soit conservé et pour que personne ne puisse remonter jusqu'à la source de la rumeur. François Pernier n'avait aucune idée de ce que pouvait être Facebook, mais il fut interpellé par un conseiller écologiste de la région qui exhiba sous ses yeux une copie imprimée de la fiche d'incident sur laquelle on pouvait reconnaître le logo de automobile composant. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade à dans la tribune de l'Assemblée régionale La nouvelle a fait le tour de l'internet, répondit son interlocuteur comme pour justifier l'authenticité du document. Je n'ai pas connaissance d'un tel problème avec notre moteur à explosion. Puis il se rendit compte du lapsus et corrigea notre moteur à hydrogène. Nous vous croyons sur parole, assura le conseiller écologiste en ricanant, voulant souligner ainsi sa méconnaissance du dossier qui avait pourtant englouti un budget considérable. À l'issue de la séance, Pernier se rendit dans le bureau de Butte qui avait assisté à la scène et avait déjà appelé Charles pour faire toute la lumière sur cette affaire. « C'est un faux », affirme-t-il, commença Paul Butte, avant même que le président de région n'ouvre la bouche. « J'ai reconnu le logo d'Automobile Composant », empêta Pernier. « Le logo N'importe qui peut le photocopier ou même le trouver sur leur site Internet et éditer du papier à en-tête aux couleurs de l'entreprise en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. » Et sur le site de la région, il y a notre logo? Bien sûr. Enlevez le sur le-champ. Cette merde d'Internet est en train de foutre en l'air la société. Croyez moi, il n'en sortira rien de bon. Maison, si n'importe qui se met à écrire n'importe quoi, et qui plus est de façon anonyme, alors où va t-on, je vous le demande? Cette évolution nous échappe très largement. Eh bien, permettez moi de le déplorer. Où en est la voiture? Le véhicule à hydrogène? Bien sûr. De quoi voulez vous que je vous parle? Je pense qu'on sera prêt pour novembre. Quoi. C'est tout? La date est fixée. Que voulez vous que je fasse de plus? Vous m'emmerdez, Butte, et Automobile Composant m'emmerde, les écologistes m'emmerdent, et Internet me fait chier. Est ce que c'est bien clair? Pernier sortit en claquant la porte. Butte plaqua les mains sur ses dossiers qui s'envolèrent sous le courant d'air. Les accès de colère du président devenaient de plus en plus fréquents, et le directeur de la région n'en ignorait pas la cause. Un ennemi de l'intérieur, un autre conseiller du même parti que le président, avait été pris sous l'aile d'un des cadres dirigeants. Son ascension fulgurante devenait inquiétante et il était probable qu'il se disputerait l'investiture aux prochaines échéances électorales. François Pernier, vieillissant et inaudible au plan national, ne pouvait plus compter que sur un excellent bilan pour sa réélection. Or, sur nombre de dossiers, dont le pôle de compétitivité hydrogène, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Il était plus de 23 heures quand Paul Butte sortit de son bureau. La ville était calme, le ciel étoilé. Son appartement spacieux et moderne était toujours aussi déprimant. Il trouva dans le réfrigérateur de quoi grignoter un peu avant de se coucher. Allongé sur le dos, seul dans son lit, la lumière allumée, il essaya de ralentir les palpitations de son cœur. Sans succès. Au lâche de Jérôme Vitenay, chapitre 46. le domicile des parents d'élodie se trouvait à deux heures de route de chez frédéric comme il n'avait pas eu le temps de s'acheter un nouveau gps il prépara son itinéraire avec une bonne vieille carte michelin et s'étonna de la rapidité avec laquelle il se trouva sur les lieux sans même se tromper une seule fois il admit intérieurement qu'en ne confiant pas toute l'intelligence à la technologie les choses pouvaient également se faire efficacement et agréablement. Il gara sa voiture devant le portail de la villa familiale, bordé d'arbres qu'il imagina centenaires, alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années. Le portail s'ouvrit tout seul après qu'il eut sonné à l'interphone, et le bruit de ses pas sur le gravier jusqu'à la porte l'angoissèrent inexplicablement. Le gazon était impeccablement entretenu par un jardinier, et des allées de fleurs aux couleurs vives, donnait à la propriété un air joyeux mais figé, comme une carte postale de vacances en dehors de la période estivale. La porte s'ouvrit alors qu'il contemplait le paysage. Salut Il tourna la tête et fut frappé par la beauté d'Élodie. Il lui semblait qu'elle avait préparé ce moment pendant plusieurs heures, et qui sait, peut-être était-ce le cas. Tu as trouvé facilement Ajouta-t-elle pour pallier à l'absence de réponse de Frédéric? Oui, grâce à tes indications et à celles de M. Michelin. Tu entres? dit-elle en le laissant passer. Tes parents sont partis? Oui, en Italie pour le week-end. Last minute? Oui. Il pénétra dans le hall. Le sol était recouvert d'une peau de bête qu'il n'identifia pas. L'odeur, la décoration, la hauteur sous plafond, tout indiquait qu'il entrait dans un foyer plus qu'aisé, ce dont il n'avait pas l'habitude. Ne fais pas attention au désordre, dit-elle en prenant ses affaires. Au quoi demanda Frédéric. Ce hall est plus grand que mon appartement tout entier, et tu as vu mon appartement, plaisanta-t-il. Ils quittèrent le hall pour se diriger vers le salon. Des fauteuils en cuir et un canapé d'angle entouraient une table basse en verre et en métal de grandes baies vitrées donnaient sur la partie arrière de la propriété, où les arbres semblaient encore plus grands. Frédéric ne parvint pas à imaginer la vie d'une petite fille dans un tel cadre, mais il reconnut que la présence et l'apparence d'Élodie ne détonnaient pas avec l'ensemble. La jeune princesse semblait à l'aise dans son château, même si son regard trahissait une sourde inquiétude, qu'il releva immédiatement. Elle l'invita à s'asseoir dans l'un des énormes fauteuils. Tu vas bien? s'inquiéta t-il? J'aurais préféré d'autres vacances, admit elle. Moi aussi, assura t-il, heureux qu'elle aborde directement le fond du problème. Il sortit de sa poche le mini disque et le brisa devant elle. Quelques morceaux de plastique tombèrent sur le tapis, ce qui l'embarrassa mais il en ramassa la plupart et lui dit solennellement. Je te jure que je n'en ai pas vu le contenu, et que je n'en ai pas fait de copie avant. Je sais, tu sais? J'ai échangé quelques mails avec Sébastien. De quoi? Mais il ne m'a rien dit. C'est moi qui lui ai demandé de ne pas t'en parler. Mais pourquoi? Parce que je ne savais pas encore ce que j'allais faire. C'était avant que tu me demandes l'adresse d'un site de voyage? Oui. Elle n'ajouta pas plus de détails, et se contenta d'observer la réaction de son invité. Si elle ne l'avait pas fait venir pour s'expliquer, comme il le croyait, il devait maintenant se demander la raison de cette invitation. Elle attendit qu'il réalise ce que cela signifiait en savourant son coup d'avance. Il la regarda pendant quelques secondes, interloqué. Tout ce qu'il avait préparé pour cette entrevue, toute sa stratégie argumentaire à plusieurs niveaux qui l'avait empêché de dormir, était réduite à néant dès lors qu'il n'avait plus rien à défendre. Il se demanda s'il devait prendre congé en s'excusant poliment, puis prit enfin conscience de la situation. Il posa délicatement les morceaux de disque sur la table basse, oublia le décor intimidant, et se concentra sur le visage d'Élodie. Je te trouve délicieusement jolie aujourd'hui. Pour toute réponse, elle se contenta de décroiser les jambes. Il s'efforça et parvint à ne pas détourner le regard galvanisé par la tournure des événements, il retrouva sa malice et lui dit en regardant dehors. Très jolie vue d'ici. Tu me fais visiter? L'intérieur ou l'extérieur? répondit elle tout aussi malicieusement. Les deux, affirma t-il en la regardant droit dans les yeux. La vue est si prometteuse. Elle se leva et l'invita à la suivre. Après l'immense cuisine, la gigantesque salle à manger, et une énorme salle de jeu, dont la surface était essentiellement occupée par un billard démesuré, il la suivit dans un corridor plus sombre, dont le sol était recouvert de moquettes épaisses atténuant les sons de leurs pas. Il remarqua l'empreinte de son string sous sa jupe serrée, et se demanda ce qu'il portait lui-même comme sous-vêtement. Les choses ne se passaient pas du tout comme il l'avait prévu. Elle désigna une porte en silence, puis l'ouvrit en disant sobrement Ma chambre il entra dans la pièce comme dans un sanctuaire le parfum d'élodie le saisit et sa gorge déjà particulièrement aride s'assécha davantage encore les rideaux à moitié tirés laissaient passer une lumière discrète ce qu'il prit d'abord pour une lampe de chevet allumée dans un coin de la pièce était une bougie dont la flamme dansait derrière un abat-jour cette pièce avait fait l'objet d'une mise en scène méticuleuse et la simple évocation de cette idée mettait son corps à rude épreuve la porte se referma derrière lui et une main lui appa le cou. Il sentit les lèvres brûlantes d'Élodie se plaquer sur les siennes et il se laissa pousser sur le lit où ils tombèrent ensemble. ses mains plaquées sur le mur, les bagues brillantes à ses doigts, ses cheveux relevés en chignon, l'arrondi parfait de ses oreilles, les boucles qui scintillent en dessous, son visage angélique tourné vers moi, ses yeux luisants dans la pénombre, ses paupières fardées, des mèches autour de son cou brûlant, son épaule dénudée, la fine bretelle de son soutien gorge, ses reins cambrés entre mes mains, ses cuisses longues et bronzées, son string tendu entre ses deux chevilles, la pointe de ses pieds sur le parquet lisse. Elle. Ses cheveux en bataille, son visage bienveillant, son regard doux mais incendiaire, ses mots justes, ses murmures excitants, les muscles qui tendent son t-shirt, son souffle chaud sur ma nuque, ses baisers le long de ma colonne vertébrale, ses mains fermes sur moi, ses mouvements voluptueux, ses jambes tout contre les miennes, mon corps qui entoure le sien puis l'enserre, son souffle encore puis ses baisers toujours, ses bras autour de moi. Tiens, il fait nuit. De Jérôme Vitenay, chapitre 47 La date anniversaire du contrat de Thomas Flesque était arrivée. Le contrôleur de gestion entra dans le bureau de Jean-Clément Charles avec une certaine appréhension. Force était de constater qu'il n'avait pas fait ses preuves. Son poste coûtait plus qu'il ne rapportait, et sa mesure phare, la transformation de la salle de réunion du bâtiment B en lieu de stockage, n'avait cessé de poser des problèmes organisationnels et les grognements de ses usagers habituels. Le PDG lui même avait dû annuler ou décaler certaines réunions, faute de salles disponibles, et n'apportait plus son soutien inconditionnel à son dernier employé avant l'aventure Paul H. Jean Clément Charles n'appréciait pas ce moment où il devait se séparer d'un collaborateur. Avant tout, il le vivait comme un échec personnel, car c'était lui et lui seul qui avait pris la décision d'embaucher le jeune homme, et lui encore qui avait élaboré le profil de poste. Ne pas renouveler son contrat signifiait qu'il s'était trompé d'homme ou de mission, voire des deux à la fois. Entrez, entrez, Thomas, asseyez vous. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom seul. Dois je fermer la porte? demanda Flesque. Non, enfin oui, si vous voulez. Thomas Flesque, les traits tirés, les yeux marqués par le manque de sommeil, s'assit en face de Charles, et attendit la sentence. Comment allez vous? Vous avez l'air fatigué. Des petits ennuis de santé, rien de grave, répondit Flesque en souriant à peine. Tant mieux, tant mieux. Bien. Votre contrat touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié votre séjour dans notre entreprise, et j'aurais aimé en faire le bilan avec vous. Très bien. Voilà. Alors déjà j'aurais aimé recueillir votre sentiment à vous. Comment évaluez-vous votre action pendant ces douze derniers mois L'évaluer Comment voulez-vous que. C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes senti utile à l'entreprise Et quels sont vos regrets, vos attentes Oh, c'est difficile à dire. J'ai. J'ai été utile Oui, peut-être. Enfin, j'ai cru l'être en tout cas. Mais cela dépend de ce que vous attendiez de moi Ne vous occupez pas de moi pour l'instant. Je vous donnerai mon avis juste après. Là, ce qui m'intéresse, c'est votre avis à vous. Je crois que j'ai rempli ma mission dans l'ensemble, mais que j'aurais peut-être pu m'investir davantage. Jean Clément Charles sauta sur l'occasion. Il attendait un début d'autocritique qui lui permettrait d'aborder le non renouvellement de son contrat sans donner l'impression d'une décision arbitraire qui était habituellement mal acceptée par les employés remerciés. Voilà. C'est exactement mon avis, Thomas vous auriez pu vous investir davantage. Vous comprenez, j'ai particulièrement apprécié votre travail et les résultats modestes mais encourageants que vous avez eus mais j'ai peur que cela ne soit pas suffisant au regard de ce que j'attends d'un poste comme celui là. Je comprends. J'imagine que vous vous attendiez à cela et que vous avez pris vos dispositions. Non, je. Vous pensiez que j'allais renouveler votre contrat? Non, à vrai dire j'espérais que vous ne me le proposiez pas, car je crois bien que j'aurais dû refuser. Ah bon? Vous avez déjà trouvé autre chose? Non, je vais arrêter de travailler. Temporairement? Définitivement. Enfin, je n'ai pas prévu de chercher du travail, ni à court terme ni à moyen terme. Mais de quoi allez vous vivre? À ce jour je n'en ai aucune idée, mais je crois que c'est mieux comme ça. Ce sont vos ennuis de santé? Non. Enfin oui, c'est un des éléments déclencheurs, mais c'est plus profond que ça. Le PDG observa son employé comme s'il souffrait soudain d'une maladie contagieuse. Il se recula sur sa chaise imperceptiblement. Certains des symptômes de Thomas Flesque lui rappelaient ceux qu'il avait ressentis en sortant du bureau de but quelques mois plus tôt. Charles se demanda si la société entière n'était pas en train de prendre conscience de l'absurdité d'un système qui avait encore du sens il y a un demi-siècle, mais dont les fondements se délitaient à mesure que la productivité augmentait et que le travail salarié se détachait de toute utilité directe. Bien, dans ce cas, je vous remercie pour cette dernière année de labeur à nos côtés. Je sais bien que ce n'est pas grand-chose, mais je vous offre en souvenir ce porte-clés aux couleurs de notre véhicule à hydrogène. J'espère que l'on vous verra au Salon de Toulouse. J'essaierai d'y faire un tour, oui, mentiflesque. Les deux hommes se quittèrent en se saluant brièvement. Flesque rassembla ses affaires et sortit de l'enceinte de l'entreprise sans un mot pour ses collègues avec qui il n'avait jamais pu sympathiser. Très peu d'entre eux s'aperçurent de son départ. Paul H de Jérôme Vuitenay, chapitre 48. Presque miraculeusement, les derniers soucis techniques du véhicule à hydrogène furent réglés quelques jours avant la présentation de la voiture au salon de Toulouse. En réalité, au fur et à mesure que la date approchait, les exigences étaient revues à la baisse pour pouvoir tenir le délai. C'est ainsi que beaucoup de produits arrivent sur le marché avec un certain nombre de problèmes connus que le fabricant ou le distributeur gérera en temps voulu. J-2 deux véhicules avaient été assemblés et testés pour les besoins du salon. En cas de problème sur l'une des voitures, l'autre serait utilisée. Une démonstration sur circuit était prévue, ainsi qu'un essai par un certain nombre de journalistes triés sur le volet. Tout le déroulé de cette journée du 26 novembre 2005 avait été méticuleusement préparé et minuté par les deux directeurs de la communication qui ne trouvaient plus assez de superlatifs pour qualifier le projet. Le modèle avait été baptisé simplement H, ce qui ouvrait des possibilités innombrables avec le préfixe Hyper, avec un H majuscule. L'une des affiches montrait par exemple le véhicule sur le parking couvert de pelouses vertes d'un centre commercial avec le slogan suivant Supermarché, hyper roulé. Gravard supervisait l'ultime préparation des véhicules avant leur expédition sur place par camion. Sa direction avait été mise à rude épreuve pendant tout l'été. Seuls quelques jours de congé avaient pu finalement être accordés, mais la majorité des employés travaillaient sans interruption depuis six mois, et l'on sentait la fatigue accumulée dès qu'un incident se produisait. René Martinez s'approcha de son directeur qui regardait maintenant les véhicules en train d'être tirés sur la remorque du camion par un treuil. Les réservoirs sont pleins demanda-t-il. Pourquoi Vous craignez un accident répondit le directeur de la fabrication en souriant. Non, mais c'est le dernier moment pour faire le plein. Il n'y a pas de pompe à hydrogène à Toulouse. Bon sang, vous avez raison. Il faut qu'on remplisse les réservoirs au maximum. Hé, hey, attendez cria-t-il en direction du chauffeur. Les voitures furent descendues du camion et leurs réservoirs remplis. Peu de temps après, le camion démarra et partit en direction de Toulouse avec les deux voitures. J-1. Paul Butte téléphona à Jean-Clément Charles pour s'assurer que tout se passait bien comme prévu. Techniquement, pas de surprise, s'inquiéta-t-il. Tout va bien fonctionner Je l'espère, nous avons roulé avec les deux véhicules pendant plusieurs heures la semaine dernière. Ils se comportent bien sur la route, en ville comme sur les nationales. Très bien. Vous voyez quand vous voulez. Ce sont mes employés qu'il faut remercier. Ils ont sacrifié leur congé d'été pour vos histoires d'agenda politique dont ils n'ont que faire. Sans cette dernière impulsion de notre part, vous n'auriez jamais terminé ce projet. Vous pourriez au moins nous en être reconnaissants. Reconnaissant Vous, je dois raccrocher. Rendez-vous demain à Toulouse. Charles raccrocha violemment son téléphone excédé. Il se leva pour évacuer sa colère en marchant dans son bureau. Il aperçut alors dans le couloir Frédéric et Élodie, qui marchaient lentement en se tenant la main, un gobelet fumant de café dans l'autre. Son sang ne fit qu'un tour, il les interpella. Dites donc vous, ça va Le PDG ne supportait pas l'oisiveté dans l'enceinte de son entreprise. Il s'apprêtait à leur faire la leçon de morale qu'il avait servi à tous les tirs flancs qu'il avait pu croiser pendant sa carrière. Les deux jeunes gens se lâchèrent la main et se retournèrent, étonnés par le ton aboyant de leur patron. Puis, dès qu'ils eurent fait volte-face, changèrent leur gobelets de main pour se tenir à nouveau de l'autre. Ce détail n'échappa pas à Charles, qui observa ensuite leur regard à tous les deux. Il y avait dans leurs yeux des lueurs d'invincibilité qui le désarmèrent totalement. Quel patron fut-il le plus intransigeant et autoritaire, pouvait faire chanceler pareille confiance en soi Quel travail, fut-il le plus passionnant et utile, pouvait faire oublier pareils amours? Il réfléchit plusieurs secondes devant ses deux employés interloqués, puis se radoucit. Vous avez raison, profitez. Il se retourna et s'enferma dans son bureau pour téléphoner à son épouse, comme il s'efforçait de le faire maintenant presque tous les jours. Allô? C'est moi, commença t-il. Salut. Tu es seul? Il se souvint du coup de poignard qu'il avait ressenti en découvrant que sa femme avait une liaison. Pour exorciser ce mal par le mal, il s'habituait à l'idée qu'il pouvait surprendre sa femme à tout moment en bonne compagnie. Mais oui, je suis seul, je t'ai déjà expliqué, c'était une aventure sans lendemain, pour te faire réagir. Tu veux venir avec moi à Toulouse On en a déjà parlé, ce n'est pas ma place, et puis ce week-end on a nos enfants qui sont à la maison. Tu crois que je devrais rester avec vous Non, ce projet est le dernier de ta carrière. Je sais à quel point c'est important pour toi. Je t'assure, je ne t'en voudrais pas, je comprends. Je pars ce soir, je t'appelle quand j'arrive à l'hôtel. Il y aura cette secrétaire La secrétaire de but Mais non, elle n'est pas du voyage, se défendit-il. Je préfère. Ne t'inquiète pas pour ça, il n'y a toujours eu que toi. Je dois te laisser, on sonne à la porte. Ils raccrochèrent, et Jean Clément Charles ne put s'empêcher de se demander qui sonnait à leur porte à cette heure. Jour J, 26 novembre 2005. Le Salon automobile de Toulouse se tenait tous les deux ans et attirait plusieurs dizaines de milliers de visiteurs venus de toute la France. C'était la 21e édition du Salon et les organisateurs maîtrisaient maintenant parfaitement le déroulement de l'événement. Aux côtés des constructeurs nationaux et internationaux, le stand d'automobiles composants et du pôle H était ridiculement petit. Les deux véhicules à hydrogène, avaient été placés sur des estrades, sous la lumière écrasante des projecteurs, mais la plupart des visiteurs ne s'y intéressaient pas, préférant et de loin contempler les prototypes racés et rutilants des constructeurs traditionnels. Par ailleurs, Deval et de Mestre, les deux directeurs de la communication, qui avaient élaboré avec leurs équipes la décoration et l'animation du stand, avaient omis un détail majeur, les hôtesses en tenue légère. Toutes les autres voitures du salon étaient en effet présentées par de jolies jeunes filles, courtement vêtues et très avenantes avec le public majoritairement masculin. Philippe de Mestre tenta de faire appel à un prestataire local fournissant ce type de service, mais toutes les filles étaient déjà prises, vraisemblablement sur les autres stands du salon. Seuls quelques amoureux de la nature, cherchant des solutions de locomotion propres, s'approchèrent des haches et posèrent des questions techniques auxquelles personne ne sut répondre. Quel est léco global du véhicule Combien d'énergie grise dépensée pendant la fabrication Les techniciens sur place restaient évasifs et renvoyaient rapidement aux plaquettes et aux sites internet mis en ligne pour l'occasion. Victor Lodz était présent aussi sur le stand. Et expliquer à qui voulait l'entendre que le projet avait été mené avec la méthode Power. Il put distribuer quelques cartes de visite à des entrepreneurs locaux. La démonstration sur circuit devait avoir lieu à 13 heures. L'heure approchant, les journalistes invités et quelques curieux sortirent sur le parking du Parc des Expositions, où un petit parcours délimité par des bottes de paille et des barrières avait été mis en place. François Pernier, Paul Butte et Jean-Clément Charles. Échangeait quelques mots avec les journalistes. Certains d'entre eux avaient eu connaissance et se souvenaient de la rumeur qui faisait état d'un danger d'explosion du véhicule, et il s'agissait de les rassurer en répétant les arguments déjà utilisés à l'époque. Le document était un faux, il n'y avait eu aucun problème d'explosion pendant les phases de test. Nicolas Verdier avait pris place au premier rang pour pouvoir interpeller élus et journalistes en se félicitant lui même de son courage et de son abnégation devant le risque qu'il prenait. Si le véhicule explosait, comme il le souhaitait presque, il recevrait sans doute des débris. Aussi avait il glissé sous son gilet une plaque de métal et chaussé des lunettes de protection qui lui donnaient un look encore plus étrange qu'habituellement. Gravard et l'équipe technique attendaient le feu vert des équipes de communication pour démarrer le véhicule et le faire sortir par les portes qui donnaient sur le parking. Afin de garder le maximum de carburant pour les essais, les véhicules avaient été poussés sur les estrades au début du salon et maintenant guidés de la même façon devant les portes, prêts à arpenter le circuit dans le silence le plus complet. La tribune officielle était complète et un dernier appel retentit dans les haut-parleurs du parc des expositions, présentant le projet du pôle H et annonçant le test du véhicule sur circuit. Les portes s'ouvrirent dévoilant le premier véhicule. Gravard fit signe au conducteur il pouvait démarrer. Verdier avait pris ses jumelles de spectacle, il observait la scène de sa place en jubilant et en espérant que cela explose assez loin de lui. Il dit à haute voix. Ça va péter, surprenant les spectateurs autour de lui. Mais dans ses jumelles, il ne vit pas d'explosion. Au lieu de ça, les techniciens s'affairaient autour du véhicule, puis le poussèrent de côté pour laisser place au second modèle. Paul Butte et Jean Clément Charles se regardèrent, inquiets. Ils n'avaient pas prévu de communiquer avec l'équipe technique pendant la présentation, ils n'avaient donc aucune idée de ce qui pouvait se passer. La sueur perlait sur le front de Gravard, qui aidait son équipe à mettre en place le second prototype, le premier refusant mystérieusement de démarrer. En quelques minutes, le deuxième véhicule fut présenté devant les portes ouvertes, mais celui ci, à son tour, ne démarra pas. Le directeur de la fabrication ne savait plus où se mettre. Il tourna autour de la voiture en cherchant la cause de la panne, fit ouvrir le capot et vérifia que tout était bien en place il ne comprenait pas. Puis il s'assit lui même au volant, et essaya de démarrer sans plus de succès. Martinez entra dans la voiture, côté passager, et demanda à son supérieur de vérifier la jauge du réservoir. Jean Clément Charles s'excusa auprès de ses voisins de tribune, et se dirigea vers le véhicule pour comprendre le problème et prendre la décision qui s'impose. Étrangement, il n'était pas énervé. L'embarras de Pernier et de Butte à la tribune officielle, alors que leurs homologues locaux se moquaient gentiment de leur pôle d'incompétence, lui avait même procuré une certaine satisfaction. Que se passe-t-il demanda-t-il à Gravard qui venait de sortir du véhicule. Panne d'hydrogène. Quoi Vous avez oublié de faire le plein s'étrangla le PDG. Je l'ai fait moi-même avant-hier. Alors, le réservoir fuit. Comment Mais sur l'autre voiture aussi Oui, il fuit, ainsi que tous ceux que nous avons testés. Ça marche pas. Je vous l'avais dit. Intervint Martinez. Mais ça vient de quoi Questionna Charles. Martinez croyait que c'était nos fixations sur le châssis qui, avec les vibrations, finissaient par percer le réservoir. Il m'a alerté à ce sujet. Et vous n'avez rien fait Tony trua le patron. Bien sûr que si. Nous avons rempli les réservoirs d'eau et observé en laboratoire pendant des jours. Et Ils ne fuyaient pas, aucun d'entre eux. Je ne comprends rien, expliquez-vous. Dans les dernières semaines de test, nous avons beaucoup roulé. Dès que nous remplissions le réservoir, nous le vidions aussitôt en roulant. Nous n'avons plus constaté aucun problème ni aucune fuite. Pour moi, le problème était réglé. Alors pourquoi cette panne aujourd'hui? Vous vous souvenez de vos cours de chimie? La classification des éléments de Mendeleev? Oui, mais abrégé. Où voulez vous en venir? Le tout premier, en haut à gauche, c'est l'atome d'hydrogène, le plus petit atome connu. Et alors? Alors il n'existe pas de matériaux étanches pour l'hydrogène il passe à travers toutes les parois, il s'échappe de tout réservoir. Et il n'y a pas de solution? Si, le maintenir à une température basse pour qu'il devienne liquide. Quelle température 250 degrés sous zéro. Jean-Clément Charles comprit immédiatement. Pour maintenir le gaz à cette température, il fallait dépenser de l'énergie, beaucoup d'énergie. L'hydrogène, qui n'existait déjà pas à l'état naturel et nécessitait de consommer de l'énergie pour l'obtenir à partir de l'eau, exigeait également une source d'énergie supplémentaire pour le maintenir à une température qui permettait son stockage efficace. Cela anéantissait tous les intérêts de ce carburant, et le PDG comprenait maintenant pourquoi tous les constructeurs automobiles faisaient miroiter cette technologie depuis des dizaines d'années sans jamais mettre sur le marché un modèle destiné au grand public. Si cela avait été si facile, d'autres l'auraient fait avant lui. Il baissa les bras, et demanda à ce que l'on ferme les portes du hall. Il retourna à la tribune. Paul Butte vint à sa rencontre pour être le premier à savoir et à pester contre l'incompétence des automobiles composants. Charles, ne me dites pas que la voiture ne marche pas. Elle ne marchera jamais, Butte, dit-il d'un air défiant. Comment ça, et les millions d'euros engloutis dans le projet Ils se sont envolés dans l'atmosphère, comme l'hydrogène. Et cela ne vous émeut pas plus que ça j'ai terminé ma carrière, but. Je suis à la retraite. Démerdez vous pour expliquer ça à votre président de mes deux. Enfin, un peu de respect. Mais Jean Clément Charles se retourna déjà pour aller soutenir son équipe technique, qui devait, elle aussi, essuyer cet échec public. Sur son chemin, un homme avec des lunettes étranges et qui faisait un bruit de tôle en marchant l'interpella. Que se passe t-il? Ça a pété? Ah. C'est vous, Verdier. Vous m'avez reconnu? Vous aviez raison, ça ne peut pas marcher. Ah. Ça a donc bien explosé. Pas trop de dégâts? Ça n'a pas explosé, ça a fui. Fui? Verdier imagina le réservoir passoir, laissant échapper une quantité non négligeable d'hydrogène à l'intérieur du parc des expositions. Il se dit ensuite que cette substance explosive flirtait avec les puissants projecteurs brûlants au dessus des stands. Il prit peur et s'enfuit à son tour en courant sans explication. L'équipe technique rangeait son matériel dans une ambiance d'enterrement. Personne ne fit attention à l'arrivée du patron devant les voitures. Charles les observa pendant quelques secondes, sans dire un mot, puis il prit la parole. Je tenais à vous remercier pour ce que vous avez fait dans le cadre du pôle H. Je porte la responsabilité pleine et entière de cet échec, et j'en subirai seul les conséquences. Je vais rompre tous les liens avec le pôle de compétitivité, et rembourserai personnellement les sommes engagées si on me le demande. J'aimerais tirer un bilan de cet échec qui, je le répète, est avant tout un échec personnel. J'ai commis l'erreur de ne plus me préoccuper de la réalité. Ce projet n'était pas réaliste, son organisation était surfaite, et je n'ai pas su le voir à temps. La force de notre entreprise était dans sa prise directe avec la réalité les pièces que nous fabriquions étaient et restent utiles aux constructeurs. Chacun d'entre vous savait pourquoi il était à son poste et à quoi servait son travail. Depuis le début du projet Paul nous nous sommes écartés de cette réalité et nous en voyons aujourd'hui les conséquences. Il reprit son souffle et continua. Je prends aujourd'hui ma retraite, mais j'aimerais que vous continuiez à faire vivre automobile composant dans l'esprit qui animait l'entreprise avant ce projet. Personne ne doit jamais plus travailler sans comprendre le sens de ce qu'il fait. Et y adhérer pleinement. Le PDG s'aperçut que plus personne ne l'écoutait. Il mit fin à son discours et sortit par une porte de service après avoir salué Gravard et Martinez. Chez lui, ses petits-enfants l'attendaient. Il avait une cabane à monter avec eux. Il en avait déjà fait les plans.